Et 3, et 2, et 1, et salut YouTube, j'espère que tu vas bien. C'est moi et Rebentis. Oui. Moi j'essaie de pas les dire. Et oui. C'est de pire en pire quand même. Non, parce qu'il faut qu'on t'explique, YouTube, il y a des grilles de bingo qui ont été créées par des gens sur le Discord. Donc si tu veux suivre, si tu veux venir sur Discord, tu peux cliquer dans le lien dans la description de la vidéo qui t'emmène vers le Discord. Et en fait, il y a des grilles de bingo qui ont été créées qui permettent de suivre les lives et de cocher des cases. Et normalement, elle a une phrase à ce moment-là. C'est moi. Je l'ai dit une fois. Tu vois, tu dis un truc une fois. Non, non, mais tu le fais à d'autres moments aussi. Genre... Bon, mais qui c'est qui va faire? C'est moi! Ah non, mais c'est... Bref, à ce rythme, ça va se remplir vite, je ne sais. Faites pas la version... À ce rythme, ouais, c'est ça. Faites pas la version alcoolisée. Hein. Salut YouTube, du coup. Enfin, salut Jean de YouTube. Vous êtes formidables. Et merci pour tous ceux qui pensent à mettre un pouce, un like, un commentaire et à soutenir la chaîne en s'abonnant, à sonner la cloche, etc. Merci aussi à tous ceux qui pensent à aller juste suivre la chaîne Twitch pour faire gonfler le nombre de followers sur Twitch, même si vous n'y venez pas souvent. Et n'oubliez pas que si vous vous abonnez, vous aurez toutes les notifications qui vous diront quand les lives sont lancés, et vous pourrez même venir voir les lives en direct et parler avec tout le monde. Si vous avez un abonnement Amazon Prime, vous avez compris dans votre abonnement un abonnement Twitch pour une chaîne. Donc ne le perdez pas, c'est dommage. Venez le dépenser chez moi. Enfin, d'ailleurs... En fait, vous ne dépenserez pas plus, c'est compris. Voilà. Merci à Toff3130 pour le follow. Et effectivement, tu vois, c'est ici que ça bouge. Le chiffre est ici, il ne bouge pas. Si, il bouge. J'ai deux chiffres différents, ça n'a pas du tout. Je suis en réalité à 4970 followers. Merci infiniment. Ah, plus que 30. Plus que 30 followers sur la chaîne Twitch pour atteindre 5000, mais vous êtes déjà plus de 7200 sur YouTube. Merci beaucoup, ça fait extrêmement plaisir. Et plus de 9000 sur Instagram. Quelle communauté incroyable! J'aimerais bien dépasser 10 000 sur Instagram. Ouh ouais. Ça serait rigolo, les 10K, c'est un vrai palier sur Instagram. Et 5 000 pour Twitch, c'est aussi un vrai palier symbolique, ça me ferait très très plaisir. Avec Prime, vous avez un abo? Oui, vous vous rendez compte, quand vous cliquez sur sous la vidéo pour s'abonner, ça vous propose vous abonner avec votre compte Amazon Prime. En fait, c'est compris. Voilà, venez sur Twitch les gens, ça serait super sympa. Mais vous n'êtes pas obligés. J'en profite pour remercier, comme d'habitude, tous les abonnés Twitch et tous les donateurs sur Twitch qui pensent, qui ont la générosité de faire des dons à la chaîne, ce qui me permet de faire des vidéos sans partenariat financier avec les éditeurs. Toutes les vidéos de critique et les vidéos de partie qui ne sont pas en présence d'un éditeur, d'un auteur, ou alors des fois même ça arrive, il y a un auteur ou un éditeur, mais en fait c'était pas payant, mais ne sont toujours gratuites. À partir du moment où je donne mon avis, elles sont pas rémunérées, parce que c'est une contrainte que je me suis donnée pour être transparente. Voilà. Aujourd'hui nous allons jouer à une grosse boîte. Attention, une boîte dans laquelle on peut ranger Rebentis, regardez, Vandal. Ça marche. Une boîte dans laquelle on peut ranger Rebentis, encore une fois, je le prouve, voilà, on ne la voit plus, elle disparaît. Je vais juste faire dépasser ta tête, c'est très drôle. Donc, Frostpunk, The Board Game, 4.34. C'est ça qu'on a vu, hein. 4.34 de difficulté sur Board Game Geek. On est sur du très très gros jeu, coop et solo. On va pas se mentir, on a lu toutes les règles, vraiment, on s'est appliqué, je le dis tout de suite, avant que quelqu'un dise « pas lu les règles ». Non, non, mais quelqu'un va sûrement dire « pas lu les règles, c'est trompé, c'est une honte, allez vous faire foutre ». Voilà, je le dis. Non, je lis les règles. Le problème, c'est que ce genre de jeu, quand on les fait en live, même en ayant bien lu la règle, si on n'a pas du montage derrière, ce que je ne fais pas, parce qu'en fait, le but de ces vidéos, c'est d'être versé de façon spontanée, et voilà, il y aura sans doute des erreurs durant la partie. S'il y a quelqu'un qui a déjà joué au jeu, il nous corrigera dans le chat. Si vous voulez nous corriger, bah, venez plutôt sur Discord, sur Twitch, plutôt que de faire vos commentaires sur YouTube, parce que sur YouTube, bah, ça me sert à rien, la vidéo elle est déjà tournée, je l'ai postée, je vais pas l'enlever, donc trop tard. C'est pas grave, hein, si vous voulez, en fait, après vous avez un livret de règles, vous vérifiez les règles, voilà. Et non, c'est pas parce qu'on fait une erreur de règle qu'on passe complètement à côté du feeling d'un jeu. Parce que, à moins qu'on se soit trompé en faisant qu'un jeu coop devienne un jeu compétitif, ce qui peut nous arriver ou à moins qu'on fasse une l'une contre l'autre. Voilà, ce qui peut arriver aussi, c'est qu'on fasse une très très grosse erreur de règle, et à ce moment là moi je refais une vidéo
et je ne diffuse pas la vidéo. Mais quand c'est des petites erreurs de règles, ça ne retire pas la sensation générale, ça c'est faux. Quand un jeu nous plaît pas ou nous plaît, un petit point de règle ne fait pas la différence. Et voilà. Sur un 4.34, malheureusement... Ah non, mais sur un 4.34, je vous le dis, il y aura des erreurs là. Hein. C'est, on a lu toute la règle, voilà. C'est un jeu de Adam Kwapinski. Oui, c'est lui. Oui, c'est lui. Qu'est-ce qu'il a fait déjà? Mais il a fait plein de choses. Il a fait Nemesis. Et on l'aime pour ça. On avait déjà fait une vidéo sur Nemesis. Qui est très bien. Nemesis. Qui est très bien, mais... Ouais. Puis coop, mais pas tout à fait. C'est ça. Mais là, j'aime bien parce que là, c'est vraiment très coop. Ouais, je vais pas pouvoir t'abandonner. Ouais. C'est distribué en France par Pixie Game. C'est un jeu... qui est donc, alors pour l'illustration, vous l'avez pas parce que en fait, j'ai pas l'illustrateur parce qu'en fait c'est l'illustration du jeu vidéo officiel, c'est le portage du jeu vidéo qui est un gros jeu de gestion et de survie assez fat et très méchant avec des sentiments ignobles qui a été porté en jeu de société, voilà. Donc c'est un jeu pour, je vous le dis, 1 à 4 joueurs pour des parties de 120 minutes. Tu sais, peut-être si tu perds. Oui, c'est ça. Pour à partir de 18 ans. Incroyable. Ça, c'est parce qu'il y a des thèmes qui sont très touchy, on va dire. J'allais y venir. Très touchy, c'est le cas de le dire. Vous allez clairement décider si vous mettez les enfants au travail ou pas, si vous tuez les gens ou pas, si vous sacrifiez les gens, certaines personnes pour en sauver d'autres, etc., etc. C'est un jeu où vous gérez une communauté qui essaye de survivre dans une ère où tout est glacial. Ouais. Et il n'y a plus de soleil, en gros. Hein. Et la chaleur vient de ça. Plus exactement... de ça. Voilà, vous avez la même tour sur le plateau que dans l'image. Moi, je trouve ça trop trop cool. Clairement, on a envie de jouer à cause de ce truc-là. C'est une tour à cube. Hein. Ça va. Elle est au centre de la table. Elle est ultra classe. C'est vraiment beau. Ça fait un effet assez buff. Vous voyez, elle dépasse quasiment ici dans l'angle de la vidéo. Et c'est des énormes générateurs de chaleur qu'on va devoir alimenter, faire fonctionner. Le problème, c'est que plus on alimente en chaleur, moins on va avoir de ressources pour d'autres trucs. Il y a des tas de décisions. On risque d'avoir d'ailleurs des petites grèves qui s'organisent parce que les gens sont pas contents. Ça va pas bien se passer. Hein. Voilà. On est vraiment une génération désenchantée. Ah, là. Tout est chaos. Happy baby. Moi, j'ai ça dans la tête depuis tout à l'heure parce que franchement, quand vous regardez le matos, on a vraiment l'impression d'être là-dedans. Ouais, c'est ça. Et voilà, et en fait on est à la tête de cette communauté, on va devoir prendre des décisions, type des lois, type est-ce qu'on va faire de l'exploration, type etc. On va vous expliquer ça. Premièrement, le matériel, incroyable. Incroyable. Non, mais le matériel il est vraiment très très beau, je vous emmène ça sur le plateau. Ça va, et plus, moi ça tient quand même, hein, ouais. Ici. Hein. Ouais, normalement tu peux le glisser sous la boîte. Ah, c'est ça. Je l'avais coincé pour que ça tienne bien. Donc un plateau qui a cette énorme tour au centre et qui est vraiment très très cool. J'ai pas mis de caméra de face comme j'avais fait pour l'autre vidéo, mais un jour ça viendra, j'aurai une caméra en face assez chouette qui fera une vision un peu sympa. Panoramique comme ça. Ouais, avec et puis un drone. Ah ouais. Ça sera bien. J'aimerais bien des mini drones, tu sais, des drones en format moustique. Ah ouais. Et tu conduis ça et ça se balade et ça va dans tes éléments de jeu et tout. Ouais. Ça rendrait les gens malades quand même à regarder. Ouais, bien sûr. Et donc, nous avons énormément de choses. Et je vous le dis, ma table est full, alors qu'on n'est que deux joueurs. Bon, il n'y a pas de plateau de joueurs, puisque c'est coop et qu'on va juste gérer des personnages et qui sont devant nous. Et donc là, il n'y a pas vraiment de besoin de place par joueur. Donc là, vous avez vraiment tout le matos. Par contre, ça ne tenait pas bien dans mon cadre, ce qui fait que vous ne voyez pas tous les éléments à droite encore. Donc ça déborde, mais il y a plein de tokens en bois, il y a plein de tuiles, vous avez la tour en plastique, vous avez des tas de cartes, vous avez des ressources, tout est très beau, il y a des ressources argentées là-haut aussi, ça claque pas mal. Donc voilà, il faut la table. D'ailleurs, dans la règle, l'exemple qu'ils ont mis de mise en place ne tient pas sur une table normale. Mmh. Je pense qu'il faut coller deux tables, clairement. Donc oui, là, il faut la table, il faut l'appartement, il faut peut-être laisser ça pendant des plombes. Le livret de règles est bien costaud. On va pas se mentir, il fait une quarantaine de pages, on l'a lu en entier et on a constaté que c'était plutôt très clair et bien complet et bien rédigé. Par contre, les phrases évidentes, c'est la maladie de ces gros jeux, je pense, ou de ces jeux qui, je sais pas, mais je vais vous lire une phrase. Ce qu'on appelle les phrases évidentes, c'est les phrases dont on aurait pu se passer.
Les phrases dont on aurait pu se passer, c'est ces phrases qui, autant dans des jeux, des fois je trouve qu'ils manquent. Ouais, c'est vrai. Par exemple, hier j'ai joué à un jeu qui s'appelle Flowers, que j'aime pas du tout d'ailleurs. Mais non, mais je sais pas pourquoi il y a eu un engouement autour de ce jeu. Je sais pas ce que c'est. C'est un tout petit jeu qui était présent à Cannes, qui de Paul Henri Argeau, que j'aime bien, hein, mais j'aime pas le jeu. Et ben dans la mise en place, ils ont mis tirer une carte au hasard, faites trois piles avec les tables, mais à aucun moment ils mettent de mélanger les paquets. Ah oui, c'est dommage. Alors que normalement c'est mélanger les paquets, tirer une carte. Et donc, bah ça, c'est ce que j'appelle une. Je pense qu'ils se sont dit, bah c'était évident. Bah non, c'est pas si évident que ça. Par contre, dans cette règle-là, vous avez des phrases du type. Alors j'en avais noté une en me disant celle-là, faut vraiment que je la lise pour montrer l'exemple de. C'est pas la peine de nous le dire. On n'est pas obligé d'avoir cette information quatre fois. Elle est où? Elle est où? Elle était dans un encadré et on a ri, on s'est regardé et on a rigolé en se disant ouais quand même. Oh bah alors, c'est fou, mais je vais pas la retrouver. C'était effet de carte. Un symbole plus. Ah, c'est elle. Un symbole plus signifie que vous augmentez. Un symbole moins signifie que vous réduisez. Voilà. Sachant qu'avant, il y a quand même écrit sur les cartes, une abréviation est utilisée lorsqu'il s'agit d'augmenter ou de diminuer l'espoir ou le mécontentement avec un plus ou un moins associé. Donc on avait l'info. Et nous avons la phrase qui nous apprend carrément ce qu'est un symbole plus, qui signifie que vous augmentez, un symbole moins signifie que vous réduisez. Lisez avec vos yeux. Merci Joël, c'est exactement ça. Je me souviens dans Voidfall, c'était asseyez-vous proche du plateau. T'es là genre, ben oui. Ou, tu sais, on a vraiment l'impression qu'on va voir en bas de la page, tournez la page. Ok. Et ça, pour moi, c'est des infos. Prenez les cartes avec vos mains. Oui, c'est ça. Vous gagnez si vous n'avez pas perdu à la fin du jeu. Merci, j'aime bien. Vous pouvez faire le concours des meilleures phrases de ce type. Mais je trouve qu'un symbole plus signifie que vous augmentez est vraiment pas mal. Ouais, c'est pas mal. On est bien. Voilà. À la limite, tu sais, ils auraient pu mettre un plus, augmenter de 1 sur la piste, un moins, diminuer de 1 sur la piste. Mais c'est le fait de formuler. Ouais, de faire toute une phrase complète. Et donc, t'as plein de trucs comme ça dans cette règle où c'est intégralement formulé. C'était pas la peine, et donc on pouvait réduire, je pense, cette règle de 2-3 pages. Mais sinon, à part ça, elle est quand même très claire, et la traduction est plutôt de très bonne qualité. Donc tant mieux. Donc, sur le matériel, rapport qualité-prix, je me souviens plus à combien est le jeu. 100€, je crois. Il est à 103,50€. C'est le prix. Hein, je m'attendais pas à beaucoup moins. Non. Avec la tour comme ça, avec tout le matériel, toutes les cartes, toutes les tuiles, je me serais pas attendue. J'étais même dans ma tête, je me disais, bon, 110, 120, tu vois, donc on est à 103. Ouais, et la tour, elle est pas en plastique. Il y a un petit effet d'ombrage dessus. Ouais, elle est peinte un peu. Je pense que ça se voit pas trop à l'image, mais... Bah, du coup, c'est chouette, quoi, ça rajoute... Ça non, tout est de super qualité. Donc, effectivement, 103, c'est cher. C'est pas non plus très étonnant. Par rapport à ce qui se fait maintenant, c'est pas ultra choquant. Sachant qu'il y a une licence dessus. Oui, en plus, ouais. Avec une licence, ça aurait pu être... Tu vois, quand je pense à un Clank Legacy qui est à 130€... Non, c'est scandaleux. Ouais, bon, c'est pas grave. Ouais. Et ben, il y a 30€ de trop sur 100... C'est... Ah, ouais. Voilà. Mais moi, je l'adore, elle l'aime pas, voilà. Bon. Franchement, en vue du matos, c'est du tube de jeu, c'est pas déconnant comme prix. Tout à fait. Pour 10€ de moins, t'as Farshore. Pardon. 10€ de moins, Farshore. Il est à 90€. C'est lequel déjà, celui-là ? C'est le nouveau Everdell. C'est pas possible, il est à 90€. C'est honteux. Ah ouais, franchement, Everdell. Non mais, de toute façon, Everdell, c'est honteux. C'est comme Mantis. Ah ! Pas possible. Farshore, c'est de l'abus. Bah écoutez, je vais me le mettre dans une petite note. Je vais faire le top 10. Ouh, le top 10 des jeux trop chers pour ce Après, Mighting Game, Everdell, depuis le début, hein, les KS et les prix des KS et des extensions, ils ont toujours été complètement abusifs par rapport, en tout cas par rapport à ce qu'il y avait dans les boîtes. Hein. Donc je ne suis pas non plus, je tombe pas non plus de ma chaise. Mais 90€, effectivement, ça s'arrange pas, quoi. Je me note les jeux trop chers pour ce qu'ils sont, le top 10. Ah ouais. Et on va mettre Everdell. Donc. Et Mantis aussi. Ouais. Moi, je peux mettre quand même Dune. Celui que... Le nouveau, là le Non, c'était le Dune Détective. Ah oui, d'accord. Où t'avais un deck de cartes. Ouais. Le jeu était à 40€. Ouais.
Ouais. Non, mais il y a des prix comme ça, des fois. Mais il y a une appli dans Détective, non ? Celui-là aussi, il y avait une appli ? Oui, oui, mais ouais. Non. C'était la licence qui avait fait exploser le plafond. Sur ce, on va se lancer dans l'explication. Je vais faire comme d'habitude avec ces très gros jeux-là. Une règle très précise n'a pas vraiment d'intérêt. Il existe des vidéos avec des tutos déjà. Je vais juste vous... Sinon, cette vidéo va durer 4h30. Déjà qu'elle risque de durer 3h. Donc, ne sachant pas combien de temps la partie va durer, je préfère faire un... Nous avons lu les règles ensemble. Nous avons les règles. Et je vais faire un rapide rappel des grandes lignes des règles en essayant de pas trop... rentrer dans les détails en espérant que j'y arrive, mais pour que vous ayez suffisamment d'infos pour pas être perdu, pour savoir de quoi on parle, et nous pas trop, pour qu'on puisse ne pas perdre trop de temps. Je vais prendre pour ça, d'ailleurs je réalise que moi j'ai pas lu ma fiche de perso, mais il y a vraiment des trucs, il y a quasiment tout ce que t'as lu dans la règle principale. Oui, mais parce que tu vois, l'expert en santé, est-ce qu'il a des... Je pense que selon les phases tu auras peut-être des petites spécificités. Ok. J'en profite pour vous montrer justement chaque personne. En fait, nous allons jouer ensemble, en coopération. C'est parti. Nous allons jouer... Bonjour, mon amie Mélodie Leblanc. Mais elle était là tout à l'heure. Non, là, elle vient de dire bonjour. Mais non, elle était... Je l'ai vue, moi, tout à l'heure. Je l'ai vue, Mélodie. Tu dis des fariboles. Non, je t'assure. Des balivernes. Moi, je l'ai vue tout à l'heure. Tu vois, si Gégé me dit, tu vas le croire, bien sûr. Ok. Donc, elle est à fond dans le rire. Cette case dans l'autre côté. Bah, j'attendais un bonjour. Ok. Ah, tu vois ? Okay. Bah, elle dit pas de fariboles, du coup. Elle dit des trucs intelligents. Nous allons jouer donc en coopération. Nous n'avons pas de personnage vraiment attitré, mais nous choisissons quand même au début de la partie un expert, chacune, un expert de quelque chose. Moi, j'ai pris l'expert en santé. Alors, j'en profite pour vous montrer que Rebentis m'a fait faire quelque chose. Que vous allez trouver formidable, qui m'a fait chier, mais c'est quand même formidable. Attention, j'ai une caméra déportée qui va me permettre de vous montrer. En fait, je l'ai installée pour de vrai. Je l'avais déjà fait, mais je vais essayer d'avoir une meilleure caméra pour faire ça. C'est dans mes projets. Alors, mettre cette caméra-là, là, et avoir une meilleure caméra ici. C'est les prochains achats, et ça va être chouette. Mais du coup, bah, vous avez les visions des cartes. Donc nous avons chacune un expert, et nous avons l'experte en santé pour moi, et elle a pris l'experte du générateur. Tu prenais l'experte ou l'expert ? L'experte, elle a un super casque au-dessus. Je trouve que l'expert est beaucoup plus marrant. Oui, mais c'est moi qui choisis. Ouais, d'accord. Moi, j'ai pris l'experte en santé parce que je trouve que l'expert en santé ne m'inspire pas confiance niveau médical. Moi, j'ai plutôt l'impression que je vais me faire torturer, alors que l'experte en santé me rassure énormément. Alors que peut-être elle vient pour me faire l'inquisition, je ne sais pas, bref. Donc nous allons incarner, voilà, chacune. On ne l'incarne pas, on va avoir un pouvoir particulier. Et en fait, ça nous permet un petit peu de nous répartir les tâches. Pourquoi ? Parce que ces experts, elle va s'occuper plus du générateur. Tu m'étonnes. Et tout va péter ! Du générateur qui gère la chaleur dans la communauté, et moi je vais m'occuper d'essayer de soigner les gens parce que je me suis dit que ça devait être quand même un petit peu important pour que tout le monde ne meure pas. On va commencer, je vais prendre la règle quand même sous les yeux parce que l'aide de jeu c'est bien, mais il y a deux trois petites choses que je vais vous dire quand même de la règle, à commencer par... Ouais, il y a ça aussi. Mais je vais commencer en vous disant que... il y a plusieurs façons, il n'y a qu'une seule façon de gagner. Il y a plein de façons de perdre. Mais il y a plein de façons de perdre. La façon de gagner, c'est quand on atteint l'objectif du scénario qui va être indiqué sur les cartes scénario. Donc on a une carte ici que je vais vous mettre donc en serré. Hop. C'est pas ça, ça c'est concertation, c'est les cartes de nuit, les cartes scénario elles sont là. Donc on a une carte, on va suivre des scénarios, des mises en place particulières, et il y aura plusieurs cartes par scénario, et notre but ça va être de faire, on va avoir plusieurs, voilà, on va avoir placé S3, on va avoir d'autres cartes qui vont arriver, etc, etc. Mais là on fait le scénario 1-0-1, sommes-nous seuls, on va lire tout ça et on regardera quels sont les objectifs, et nous devons remplir les objectifs des cartes scénario qui vont se dérouler devant nous pour gagner. Par contre, on a plein de façons de perdre, et ça va me permettre de vous expliquer un petit peu tout le détruire, bannir, tuer. C'est toi ça. Ça va me permettre de vous expliquer les différentes zones de jeu. La première façon de perdre, c'est si les gens perdent la volonté de survivre.
Sur le plateau, nous avons ici, là-bas, le plateau espoir et mécontentement. Je te laisse le montrer du doigt. Voilà. En bas, nous avons les jetons espoir. C'est l'espoir des gens. Mmh. En haut, nous avons les jetons mécontentement. C'est le mécontentement des gens qui ont froid, qui ont faim, qui tout ça. Et alors, il y a la colère, l'indifférence, la cupidité. Enfin, il y a des tas de trucs qui vont pas. Salut le raid. Merci Armiquan pour le raid. J'espère que tu vas bien. Je continue parce que c'est une grosse règle. Mais merci beaucoup. Et si nous perdons un dernier jeton espoir de cette piste, donc les jetons bleus, eh bien les gens n'ont plus la volonté de survivre, donc on a perdu. Ça c'est la première façon de perdre. La deuxième façon de perdre, c'est les gens nous bannissent, nous les chefs, de la ville. Ça se produit quand on place le sixième jeton mécontentement, donc le sixième jeton rouge, ici. Bah là c'est il y a trop de grève, il y a trop de mécontents, c'est pas content, et on se fait dégager, nous, et on va mourir dans le froid, clairement. De l'univers. Ah ouais, c'est affreux. La troisième façon de perdre, c'est le générateur explose. Alors pour ça, je vous montre cette piste là. Cette piste, c'est la piste de chaleur. Le générateur, c'est bien sûr ce gros objet là qui est au centre de la table, hein, c'est ce qui produit la chaleur. Et en fait, on va produire de la chaleur dans le jeu en dépensant du charbon. Et ça va faire monter ce petit token ici. Et en fait, ici, vous avez le niveau de froid. En gros, le froid, pour l'instant, il est à ce niveau-là, ça va. On va payer un charbon à chaque fois qu'on monte pour essayer de s'approcher du niveau de froid et de chauffer quoi ? Les bâtiments, différentes couleurs de bâtiments, ou les zones. Ça, je vais réexpliquer. Rebentis a eu un peu de mal avec le concept. Moi, ça va, mais je le réexpliquerai bien pendant la partie. Mais on va construire des bâtiments qui auront des couleurs, par exemple les couleurs orange. Et en gros, quand la chaleur, quand on chauffe assez pour que le token soit au-dessus du bâtiment orange, tous les bâtiments orange du plateau sont chauffés. Et quand c'est des zones, c'est au niveau des zones du plateau, c'est-à-dire que vous avez la zone adjacente à la tour, la zone du premier cercle de tuiles et la zone du deuxième cercle de tuiles. Et donc, en fait, sur cette piste, vous avez... adjacence, premier cercle, deuxième cercle de tuiles. Et donc le token de chaleur, en fonction de là où il est placé, chauffe plus ou moins les zones et les maisons. Donc pour pouvoir chauffer ça, on va utiliser du charbon. Le charbon, c'est cette ressource-là. On va la placer dans la tour, hein, pour... je sais plus d'ailleurs. Non, on va juste le dépenser pour faire monter le token. Mais par contre, là où se situe, plus on chauffe, plus on va jeter de cubes, ensuite de charbon, là, ça serait 3 par exemple, dans la tour. Dans cette tour, on va jeter des cubes. Et tout ce qui va retomber ici, dans le petit tiroir magique, oui, il y a un tiroir magique, va aller là. Dans ces emplacements ici. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que plus on pousse la chaudière pour chauffer tout le monde et que tout le monde soit content, plus on fait monter la pression dans la chaudière. Et donc, quand il y aura trop de cubes ici, ça va commencer à faire du bordel. Et ça, c'est une des façons de perdre. Le générateur explose. Quand c'est la deuxième fois que le générateur tombe en panne parce qu'on a deux fois dépassé le quota, eh ben, on perd la partie. Donc je vous ai dit, on perd la volonté de survivre. Ils nous bannissent de la ville. Le générateur explose. Mais on peut aussi être débordé par la maladie. Alors ça, c'est ce qui se passe sur le plateau du bas. Alors c'est où que j'ai ce plateau du bas ? Ah bah, je n'ai pas fait de cadre plateau du bas. Ouais, j'étais bien là. Donc on va le regarder comme ça de loin. Ici vous avez un plateau avec le nombre d'habitants que nous avons par type d'habitants. Par exemple, nous avons 8 enfants dans la colonie au départ, 12 ingénieurs et 22 ouvriers. Oui. Pour l'instant, aucun d'entre eux n'est malade. Mais petit à petit, ça va monter. On va avoir par exemple les ouvriers vont tomber malades, les enfants vont tomber malades. Pauvre chose. Et ces maladies, elles vont grimper. À chaque fois que quelqu'un tombe malade, alors on aura de plus en plus de population aussi, mais à chaque fois que quelqu'un tombe malade, ben, ça monte ici, et potentiellement, ça arrive jusque là. Et à partir de là, enfin jusqu'au 26, en fait, quand on dépasse ici, quand on dépasse le 25 et que un des jetons de maladie dépasse ce truc-là, on est débordé par la maladie, on perd. On a trop de malades, notre communauté n'y survivra pas, ça fait plus marrer toute personne, donc on perd. Ça faisait barrer personne déjà à la base, mais enfin bon, quand même. On peut être débordé par la famine. Alors là, vous ne le voyez pas, mais je vais le monter temporairement. Nous avons une deuxième piste juste en dessous. Une piste de nourriture. Ça, c'est la nourriture que nous produisons, en gros, pour l'instant. Et ça, c'est la faim qui va monter. Et plus les gens auront faim, plus
la bouffe va descendre. Enfin, en gros, il faut qu'on nourrisse. Il va y avoir un principe de nourrir les gens. Et on en reparlera au moment, au moment de la phase. Parce que j'ai déjà oublié comment ça fonctionne. Et si la faim arrive au niveau 25 et que bah, y a trop de gens qui ont faim, il y a trop de gens qui ont faim. Voilà, ben on est mort. Voilà, on est débordé par la famine. La communauté est perdue. Et la dernière façon, et il y en avait déjà pas mal, hein, on va pas se mentir, de perdre, c'est déborder par la mort. Là-bas, nous avons la piste de cadavres. Est-ce qu'on vous avait dit que ce jeu était réservé aux plus de 18 ans ? Là-bas, nous avons la piste de cadavres qui est, hop, sur la droite, ici, ouais, au niveau du doigt de Rebentis. Nous avons pour l'instant un cadavre. Ouais, bah, on sait pas d'où il vient, mais il est là. Ça a déjà commencé. Et en gros, quand on a 10 cadavres, ouais, bah, on a la partie perdu encore une fois. Terminé. Donc on peut perdre de, vous l'avez bien compris, 6 façons différentes. Oui, parce que la maladie, la famine, la mort, l'explosion du générateur, les gens sont pas contents, ils la nous révolte, bannissent. La perte de l'espoir. Et la perte de l'espoir. Super. Ça va être difficile. Donc ça là-bas, c'est, vous avez compris, donc le plateau de famine de vie, le plateau de gestion du générateur, le plateau de, voilà, nous avons ici un plateau qui est le plateau de nos ressources disponibles. Je sais pas si j'ai une caméra qui est là-dessus. Non, pas vraiment. Ah, si, vous l'avez en haut à droite là. Les ressources disponibles, nous avons du bois, du charbon et des gens. Donc nous avons 2 enfants, 5 ouvriers et 3 ingénieurs. Parce que oui, c'est un jeu dans lequel il y a des enfants et on va devoir les mettre au travail. Peut-être même qu'on va devoir les envoyer dans le froid. T'y attends ce moment-là, mm-hmm. C'est fou, hein. Bah, je trouve ça fou, en mauvaise fait. Mauvaise personne. Mais c'est le principe du jeu c'est de, la survie, quoi. De Frostpunk, qui était basé là-dessus. C'est-à-dire que c'est un jeu où vous avez des décisions très dures à faire, psychologiquement intenses, où vous vous dites, mais non, mais je peux pas faire ça. Oui, sauf que si vous le faites pas, tout le monde meurt. Donc, il y a des choix à faire. Non, Maya, c'est affreux. Non, on les envoie par exemple à chercher à manger. Chercher à manger, du bois, ramasser loin du bois. Dans le bois, là-bas, dans le froid. Voilà. Donc, mais avec des petits cailloux pour voilà. Revenir. Tout ça. Elle a pas entendu, la pauvre. La pauvre. Bah ouais, mais non. Donc ensuite, ça, c'est un peu les grands concepts du jeu. Et nous avons ensuite, ben, je vais vous expliquer que le jeu se déroule en un nombre indéterminé de manches qui s'arrêtera lorsque soit nous avons réussi à gagner le jeu, soit nous avons très probablement perdu. D'une façon ou d'une autre. Selon les 6 façons de mourir. Et le jeu va être divisé, chaque manche se divise en 9 phases. 9 Je vais vous montrer l'aide de jeu. 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On nous a dit qu'il y avait un marqueur de phase, on ne sait toujours pas, on sait pas ce que c'est. Où il est et où est-ce qu'il se met. Peut-être c'était juste sur l'aide de jeu avec un petit marqueur que tu descends, ça aurait été suffisant, mais ce n'est pas nécessaire particulièrement. Quelles sont ces 9 phases ? La phase 1, j'aurais dû avoir des numéros qui s'affichent. La phase 1, c'est la phase de l'aube. Pendant la phase de l'aube, on va passer le marqueur dirigeant. Alors, je serai dirigeant au début du jeu. Ça a été le tirage au sort qui a décidé ça. J'aime beaucoup ce petit marqueur, d'ailleurs. C'est quoi ? C'est une couronne ? Non, c'est quelqu'un sur un pont avec les deux bras écartés, comme ça. Tu vois, t'es pas ? C'est un petit meeple avec... Mais oui, c'est... Moi, j'aurais une couronne. Mais non, c'est un petit meeple sur un promontoire, sur une rambarde, sur un balcon. Moi, je le vois. Moi, j'aurais une couronne. Tu vois, n'importe quoi. Mais n'importe quoi. Mais si, dites-lui. C'est la tête, là, dites-lui n'importe quoi. Il va sauter du pont pour se suicider. C'est pas... Bon, alors, la phase aube, on donne d'abord le marqueur dirigeant à son copain à côté. Et c'est là, ils mettent que c'est tout ce qu'on fait, mais il me semblait qu'il y avait d'autres trucs. Bah non, c'est tout, hein. C'est tout ? Bah oui, c'est pour ça, 9 phases, mais il y en a une, bon, c'est passé le premier joueur, quoi. Bah non ! C'est la phase où on avance le marqueur de manche. Aube. On va avancer le marqueur de manche là-bas. Parce qu'en fait, nous avons un plateau de manches ici. Voilà. Et quand on rencontre quand le marqueur de tour, qui est celui-ci, voilà, là, t'es la manche 1. Et si jamais on rencontre ? Voilà. On regarde une carte événement, on déclenche les événements. Là, ça sera justement les événements. Là, je vous montre sur cette carte-là. Hop.
sur cette carte-là, manche 4, hop, on déclenchera ça. Pour l'instant, je ne l'ai pas lu. Cette petite caméra déportée, quand même. Elle est incroyable, elle s'appelle la caméra Rebentis, je te l'ai déjà dit. Voilà, donc on va déclencher, c'est le moment où on va déclencher les événements. Et je me demandais si ce n'était pas le moment où on piochait une carte. Mais là, moi, j'ai mon aide de jeu, tout la totale. Ensuite, non, c'est juste après. Ensuite, nous avons la phase matin. C'est très bizarre parce qu'il y a plus d'infos sur la petite carte, sur certains trucs. Oui, et voilà, c'est pas pareil. D'accord. La deuxième phase, c'est la phase de matin. La phase de matin, on va révéler et résoudre une carte matin. Alors, elles sont hors champ pour vous, mais elles sont là. Voilà. Et on résoudra une carte matin qui aura des effets divers et variés et qu'éventuellement, on retirera du jeu ou qu'on placera de façon permanente ensuite. Ensuite, nous avons la phase générateur. C'est un moment où nous allons pouvoir alimenter, c'est la phase 3, nous allons pouvoir alimenter le générateur. On va gagner des citoyens, alors on va payer en charbon ici pour faire monter la chaleur du générateur. On va gagner des citoyens malades suivant les marqueurs de chaleur et de froid. Ça, je vais vous l'expliquer rapidement parce que je trouve ça très malin. En gros, vous avez le froid. Mettons que le froid est monté jusque-là, ok ? On paye 4 charbons. 1, 2, 3, 4. Et bien, on va regarder tous les symboles qui sont entre le niveau de froid et le niveau de chaleur, qui sont ces deux-là. Et ça nous dit que, ben, en gros, y a des enfants et des ouvriers qui ne sont pas bien chauffés. Mmh. Et on va monter un malade pour chaque marqueur de chaque type. Si j'avais été juste là, j'aurais eu deux enfants malades, deux ouvriers malades et un ingénieur malade. Donc, on a tout intérêt, pour avoir le moins de gens malades possible, monter ce marqueur. Où est-ce qu'on les porte, les gens malades? Et ben, je vous avais expliqué, c'est sur cette piste-là. À chaque fois qu'on monte un malade, ben, on fait monter de 1 plus égale augmenter. Voilà. Quand on arrive au même niveau, quand un nombre de malades... En fait, là, vous avez le nombre de malades sur le nombre d'ouvriers. Ça, c'est le nombre d'ouvriers qu'on a et ça, c'est le nombre d'ouvriers malades. Mmh. Donc, par exemple, ça se dit, j'ai 22 ouvriers, dont 2 ouvriers malades. Quand mon nombre d'ouvriers malades arrivera sur mon nombre d'ouvriers... Quand tout le monde est malade. Donc, hein. Quand tout le monde est malade, on retourne ce token. Ça veut dire qu'il y en a un qui est gravement malade. La prochaine fois que ce token va être retourné, ben, il y en a un qui va mourir. Et à ce moment-là, on fera reculer les deux jetons en arrière, au niveau 21. Et il faudra trouver un moyen soit d'augmenter la population, soit de baisser les maladies, de soigner, bien sûr, pour éviter que tout le monde ne meure progressivement. Mais je ne vois pas comment on va faire. Ok. Donc là, c'est on va déplacer les marqueurs de maladie durant cette phase. On va vérifier le niveau de pression. Donc, on regarde le niveau de pression du générateur. Alors, on était dans la phase de générateur. Voilà. On gagne des citoyens malades. On jette le charbon de la banque au sommet du générateur et on vérifie la pression du générateur. Et on vérifie qu'il n'y a pas une panne de générateur et on réinitialise le marqueur de chaleur tout en bas. Parce que ça serait trop facile. Bah ouais. À chaque tour, il faudra payer un max. Faut pas exagérer non plus. Voilà. Mais du coup, c'est là qu'on va gérer toute la chaleur et tout le principe de qu'est-ce qui va être. Et ça va conditionner toute notre manche, hein, parce que ça va dire quels bâtiments sont. Voilà. S'il y a des... Non, c'est pas maintenant que je le dis. On verra ça plus tard. Ensuite, on a la phase de météo. La phase de météo, on va révéler une carte météo. C'est ces cartes qui sont ici. Et on va appliquer plein de choses. On va d'abord appliquer, je sais plus, on déplace le marqueur froid et les indicateurs rayons de chauffage. Alors ça, c'est terrible, mais en gros, tout va augmenter. C'est-à-dire le froid va augmenter, le froid ne fait qu'augmenter dans ce jeu. Ah, oui. Et les zones vont aussi augmenter, c'est-à-dire que ça sera de plus en plus dur de chauffer les zones. Bah oui, il fait plus froid. Voilà. On aura autant de nourriture qu'indiqué par bâtiment qui produisent de la nourriture, sachant que pour l'instant... On n'en a pas. Par bâtiment de chasse... On aura de la... Alors ça, je vais vous montrer la super caméra déportée de Rebentis. Hop. Donc là, on va effectivement monter les marqueurs. On va produire de la bouffe en fonction des bâtiments de chasse. Mais pour l'instant, on n'en a pas. On avancera sur les explorations. Alors là, je vais prendre 2 secondes pour vous montrer ce que c'est. Les explorations, c'est les cartes qui sont là-haut. Là. Ici, on va pouvoir envoyer des meeples en exploration. C'est clairement la partie qui m'amuse le plus. On vous verra à quel moment. Et on va pouvoir les faire avancer. En fait, à chaque fois à cette phase-là, ils vont avancer du nombre indiqué sur la carte. Là, on avait indiqué 3. 1, 2, 3. Quand il arrivera au bout de l'exploration, il va retourner la carte et il va résoudre l'événement. On imagine qu'on va pouvoir trouver de la bouffe, des objets, des trucs. On espère. Ouais, on espère fort. Et enfin, nous augmentons... C'est quoi ça déjà? Ah oui, nous avons sur la piste de marge que de P... de comment elle s'appelle de Rebentis à droite. Cette piste là, nous avons un marqueur qui est le marqueur tempête. Mm. Il va reculer d'un cran
Et quand le marqueur tempête va rencontrer le marqueur de manche, on va avoir un événement tempête qui va se déclencher. Et autant vous dire que tout va bien dans ce jeu. Ça va pas être sympa. Donc voilà, c'est pour vous dire que, en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que la météo fait avancer plein d'événements dans le jeu et que c'est la merde. Et que ça va pas être facile. Donc on rappelle, je fais un tout petit rappel parce que c'est toujours utile. Nous avons la phase aube où on change de dirigeant et je sais plus. On a la phase de matin où on va avoir une carte d'événement du matin qui se déclenche. On va avoir la phase de générateur où on va faire chauffer tout et on va avoir des habitants qui vont avoir froid et ça va être le début des maladies. On a la phase de météo. On a ensuite la phase de préparation. On choisit l'expert qui va être utilisé à ce tour. L'expert, je vous ai expliqué tout à l'heure ce que c'était. Ce sont les deux cartes que nous avons. Elle est experte du générateur. Par exemple, on pourrait choisir d'utiliser l'expert du générateur sur cette manche. À ce moment-là, elle pourra effectuer ce pouvoir. Il faudra utiliser un espoir. Ça veut dire quoi, utiliser un espoir? Ça veut dire que sur le petit plateau qu'on vous a dit tout à l'heure, avec les espoirs, il faudra désactiver un espoir. Ou éventuellement retirer un jeton. L'enlever s'il est déjà désactivé. S'il est déjà désactivé. On va vérifier. Hein. Il y a plein de choses qu'on a lues. Et bien sûr. Mais je les ai déjà oubliées. Hein. Tellement d'infos d'un coup. Voilà. Mais en gros, il faut utiliser un espoir pour pouvoir activer ce truc-là. Et on vous rappelle que c'est une des façons de perdre. Ouais, de plus avoir d'espoir. De plus avoir d'espoir. Donc on va pas trop le faire. Certes, c'est super de retirer des cubes de pression. Mais ça coûte cher. Et ça peut potentiellement nous foutre dans la merde. Tiens. Donc, la phase de préparation, on choisit un expert, on résout les effets des marqueurs maladie. Là, c'est ce que je vous ai expliqué, c'est-à-dire que sur la piste du bas, il y a des effets sur la piste qui disent retourner le marqueur, etc. Donc, les marqueurs maladie, c'est à ce moment-là qu'ils vont se retourner et tout. Et aléatoirement, il y a des gens qui vont mourir. En plus. Ouais. Donc, phase de préparation, on résout les marqueurs maladie. Et enfin, on arrive à la sixième phase. Donc, phase aube 1, phase matin 2, phase générateur 3, phase météo 4, phase préparation 5, phase action, c'est la 6. Et donc c'est que à ce moment-là qu'on va commencer, nous, à jouer et à pouvoir agir. Avant, c'est les actions, on en a un petit paquet, elles sont derrière et je vais vous les expliquer. Il y a des actions qui sont froides et des actions qui sont chaudes. Ça aussi, c'est un petit peu compliqué à comprendre. Il y a des actions qui sont toujours froides. Aller dans les pampas très éloignées pour aller déneiger des zones qu'on ne connaît pas, c'est toujours une action froide. Et une action froide, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne qui fait cette action va tomber malade. Il n'y a pas le choix, en fait. Elle devient malade. Donc on fait monter d'un cran, je vais aller vérifier que c'est bien ça, hein, mais normalement, c'est on fait monter d'un cran le niveau de maladie du type de personne qu'on a envoyé. Typiquement, c'est les enfants qu'on envoie déneiger. Parce qu'ils sont pas très utiles pour les autres tâches. Mais tu sais pas, tu leur traces. Ah bah dans les cartes de personnages, moi j'en ai un, c'est un enfant, il déneige. Hein. Non, c'est pas lui. Bah moi j'ai un ouvrier qui déneige. Mais depuis le début, Pénélope, elle veut sacrifier des enfants. Là, mais okay, non. Hein, voilà. Mais donc les actions froides, eh ben, c'est d'envoyer, c'est par exemple déneiger. Déneiger, c'est on prend un meeple disponible de la réserve de meeple tout là-bas, on l'envoie sur le petit encart déneigé qui est en dessous et que je laisse, voilà, avec non, son doigt. Ici. Non, c'est l'autre. Non, c'est l'autre, voilà. Et ça, on va pouvoir révéler une nouvelle tuile. En gros, c'est de l'exploration. Quand on pose une nouvelle tuile, on va y placer des ressources. Parce que vous voyez là les tuiles qui sont autour de nous. Il y a du bois, il y a des forêts, il y a des cubes, c'est super, il y a plein de choses. Il y a des tas de ressources. D'ailleurs, je ne sais toujours pas ce qu'on en fait, ces forêts. Eh ben, on le coupe pour faire du bois. Mais comment on le coupe? Eh ben, en envoyant... Ben, j'en sais rien. Hein. Ben, ça, il va falloir regarder les bâtiments. Ben, parce qu'on n'a pas du tout regardé. Il doit y avoir des scieries, hein, qui transforment. C'est sûr. Oui, on regarde. La scierie. Elle transforme. Tu donnes un sapin, ça fait 3 bois. Voilà. Et bim. Donc, on va pouvoir déneiger, c'est aller, en gros, explorer des nouvelles tuiles autour de notre zone. La deuxième action qu'on peut faire, c'est ramasser des ressources. On envoie un meeple. Cette action peut être chaude ou froide, et c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Une action chaude, c'est une action qui a lieu dans une zone chauffée. Donc si la zone, par exemple, ici, est chauffée, c'est-à-dire que le marqueur rouge est au-dessus de cette zone-là, qui est une zone qui désigne tout le plateau, à ce moment-là, tout le plateau sera chauffé, et donc il n'y aura froid nulle part. Donc pour les actions qui peuvent être chaudes ou froides, comme ramasser des ressources, eh bien, elle n'aurait pas froid d'aller ramasser des ressources en forêt. Pour effectuer cette action, tu places un meeple disponible sur cette case et tu vas dans un plateau qui contient du charbon, du bois, des noyaux de vapeur. Et tu prends jusqu'à 2 ressources. Mais comment tu fais pour récupérer ça, du coup? Je
Fais voir la tuile. Alors, ils ont bien précisé, tu vois, c'est sur un hexagone. Mm. Et donc, je pense qu'en fait, tu transformes. Peut-être il faut que tu ailles construire tu la tasserie. Tu les enlèves. Ah, oh. Peut-être. Oh. On va regarder. Oui, on n'espère pas que ce soit ça. Ouais. Parce que les bâtiments, on va les construire sur le plateau. Hein. J'ai pas encore parlé des bâtiments. Donc, vous ne pouvez utiliser chaque case qu'une fois par manche. On prend, en fait, on va sur une case et on va prendre deux ressources. Et là, pour le coup, on met le meeple directement sur la case. La troisième action possible, c'est de déployer des éclaireurs. Ça, on ne peut le faire que si le bâtiment balise a été construit. Donc, c'est un bâtiment que je vais avoir envie de construire assez vite. Qui est l'espèce de ballon dirigeable, ouais, qui est là. Et en fait, quand ce bâtiment-là est construit, eh ben, on peut déployer des éclaireurs, c'est-à-dire envoyer des mecs ici pour faire de l'exploration. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. On prend un meeple et le meeple placé est maintenant un éclaireur. Par contre, on ne peut pas envoyer d'enfants. Il n'y a que des adultes qui peuvent partir en éclair. Est-ce que t'es déçue ? Non, ça va. Cette action, elle est toujours chaude. C'est bizarre, hein, mais je pense qu'ils sont bien équipés pour partir en éclair. Ouais. Ensuite, on a l'action bâtir. C'est la quatrième action. Cette action aussi est toujours chaude. Ça va permettre de construire des bâtiments. C'est ce qu'on vous expliquait là-haut. J'ai l'impression que Rebentis va moins sacrifier d'enfants que Pénélope. On rappelle que c'est Pénélope qui avait volé l'ourson de la petite fille. On a Dugong maintenant, elle est ultra spécialisée, quoi. Ouais, elle est incroyable. Frostpunk, c'est pas le jeu ingagnable basé sur un jeu PC encore plus ingagnable d'un studio d'origine tchèque. Absolument. Si, c'est ça. C'est ça, Tosti. Donc, construire. On place un meeple dans la case bâtir du plateau de réserve, donc en dessous, là elle vous le montre, ici, voilà. Et on va pouvoir payer le coût, donc on voit, il y a des petits bois en dessous, là, ici, dans voilà. Les cercles. Dans les cercles. Et en dessous des cercles, hein. Je viens de réaliser qu'en dessous des cercles... Non, je crois qu'ils disent dans le cercle, à chaque fois. Je sais pas ce que c'est en dessous du cercle, mais c'est dans le cercle, en tout cas, le coût. J'irai vérifier ça. Ouais, on vérifiera, mais... On va choisir des bâtiments. Ces bâtiments, en fait... On va les déployer sur le plateau de jeu, dans des cases. Il y en a déjà, de base. Là, vous voyez, il y en a un. Et en fait, ça va nous amener à l'action suivante. Alors, on peut construire et on peut démonter. On peut aussi démonter un bâtiment pour le retirer s'il nous gêne. Et ça nous amène à l'action suivante, qui est utiliser un bâtiment. Parce qu'en fait, chacun de ces bâtiments permet des actions. Donc, c'est des actions pareilles, chaudes ou froides. Et chaque petit bâtiment ne peut contenir qu'un meeple, et chaque grand bâtiment peut en contenir jusqu'à deux. Et c'est des actions qui sont très variées, donc on va aller regarder ça un peu plus en détail avant de jouer, qu'on sache un petit peu ce qu'on a à acheter. Mais on se doute que, par exemple, la scierie, effectivement, nous permettra de transformer du bois, des arbres en bois quand il n'y en aura plus. On va avoir besoin de tout ce qui est là-bas, à mon avis, assez vite. Et enfin, nous avons les actions spéciales. Et on va placer, ce sont des actions spéciales qui sont disponibles en général avec des cartes, quand elles sont dévoilées, des cartes de scénario ou autres, et potentiellement, en jeu vidéo, Frostpunk est du même studio que This War of Mine, ouais d'accord, mais j'ai pas joué à This War of Mine encore, enfin j'ai joué au jeu vidéo, j'ai pas trop aimé. Donc là, on a la description de tous les bâtiments, bâtiments de départ et bâtiments de base, donc on les regardera un petit peu avant de commencer. Mais nous avons trois bâtiments de base, qui sont la cantine, qui permet de dépenser trois nourritures pour augmenter l'espoir ou réduire le mécontentement. Nous avons la plateforme, qui permet, qui n'est utilisée que par un ingénieur, et qui permet d'instituer de nouvelles lois. Ça me permet de vous parler des lois. Je ne sais pas si j'ai un plan où on les voit, si... Voilà. Ici, vous allez avoir des lois qu'on va pouvoir promulguer et qui vont changer, d'une certaine façon, les règles du jeu. Parfois, en faisant des trucs pas cool. Mmh. Je vous dis, par exemple, additif alimentaire. Une fois par manche, au début de la phase faim, vous pouvez dépenser 2 nourritures pour réduire le 10 de faim, si vous le faites, plus 1 de cupidité. Mmh. En gros, on met de la merde dans la bouffe, ça réduit la faim, mais... Mmh. Mais c'est pas ouf, ça augmente le mécontentement. Donc vous pouvez promulguer des lois, comme ça, des décisions, qui vont changer les choses. Et ça, vous le faites dans ce bâtiment-là, dans ce bâtiment ici, qui est la plateforme. Et là, nous avons le générateur,
le petit générateur, qui va nous permettre de retirer jusqu'à 5 cubes de pression de la piste pression, ou de dépenser un noyau de vapeur pour retirer chaque cube de pression de la piste pression imprimée sur la tuile générateur. Voilà. Il peut uniquement être amélioré comme indiqué en page 41. Ah, on peut améliorer ce bâtiment-là, peut-être. Il y a peut-être une grande tuile de grand format, rouge. Pas un générateur, putain, elles sont loin. Non. C'est pas un générateur. Je sais pas. Dans les bâtiments que nous aurons donc au choix et qui sont là-haut, nous avons l'atelier qui nous permet d'améliorer un bâtiment en payant son coût d'amélioration, parce que tous les bâtiments ont des faces de base et des faces améliorées. Bon, celui-là, visiblement, il est pareil. C'est un de départ, donc je crois qu'il est non améliorable. Il n'est pas améliorable, mais tous les bâtiments peuvent être améliorés. Nous avons, et il permet de reculer d'une case, le jeton développement sur la piste blanche. Ensuite, on a le four à charbon de bois qui dépense un bois pour gagner 4 charbons. Ensuite, et dépenser un bois pour gagner 5 charbons dans sa version améliorée. Nous avons la cabane de chasse qui permet, qui nous donne une icône de chasse et qui fournit une nourriture à chaque phase de météo et qui permet de gagner 4 nourritures en action. Enfin. C'est bien ça, il va falloir en faire vite une. On se doute que la cabane de chasse, c'est important quand même. Nous avons, dans sa version améliorée, il permet 2 icônes de chasse et gagner toujours 5 nourritures. Nous avons le poste de collecte qui permet de prendre une ressource dans chaque case adjacente et placer-la dans la réserve. C'est pas mal ça. Ouais. Par contre, il faut attendre d'avoir un peu plus exploré pour avoir une zone qui est vraiment très très... Centrale, ouais. Nous avons ensuite, dans les petits bâtiments qui coûtent 2 bois, nous avons l'usine qui dépense un noyau de vapeur pour gagner un automate. Ça, on n'y est pas, hein, clairement. Non. La scierie qui permet de retirer un arbre de la tuile où se trouve la scierie pour gagner 3 bois. Donc, où elle se trouve ? C'est-à-dire... il faudra qu'on la mette ici. Voilà, on met la scierie à côté. Pour pouvoir exploiter ces arbres-là, en fait. Ouais, tout à fait. Oui, parce que ce sont des arbres. Vous voyez pas, mais ce sont des petits arbres. J'aurais dû les mettre comme ça. Mais c'est blanc sur blanc, donc c'est compliqué. Oui, mais c'est des arbres enneigés. Et en fait, et tu peux faire case où ils sont ou case adjacente. Donc la scierie, il faudrait le mettre dans un coin de forêt, tu vois. Ah oui ? Quand elle est améliorée, ouais. Ah, d'accord. Ouais. Le poste médical permet de soigner 3 personnes et le amélioré permet de soigner 4 ou de traiter 1. Les bâtiments qui sont grands, on a la balise qui permet jusqu'à une expédition, améliorée jusqu'à 2 expéditions. L'extracteur hydraulique permet de placer jusqu'à 3 charbons de la banque dans chacun dans 3 cases adjacentes différentes qui contiennent déjà du charbon ou qui ne, ça permet d'augmenter les ressources. Okay. Terrestre. 4 cases au lieu de 3 dans sa version améliorée. Grand bâtiment qui coûte 4 bois, on a l'infirmerie qui permet de soigner 4 ou traiter 2. Améliorer, c'est soigner 5 ou traiter 3. Traiter, c'est transformer un malade grave en malade tout court. La serre chauffée permet de gagner 7 nourritures. Améliorer, elle permet de gagner 9 nourritures. Ouh là là. Putain, c'est bien la serre chauffée, ça doit coûter un bras. Ça coûte 4 bois. Pas si cher. Et j'ai l'impression qu'il faut un noyau de vapeur en plus. Par contre, c'est oui, il faut l'utiliser, quoi. Moi, j'aurais quand même bien fait une cabane de chasse assez vite. Évidemment. Et déjà parce qu'on a envie de chasser. Et ensuite, on a la mine de charbon qui peut uniquement être construite sur une tuile adjacente à un gisement de charbon qui permet de gagner 4 charbons ou gagner 5 charbons. Ouais, ça c'est bien aussi. Mine de charbon et cabane de chasse. Oui, mais c'est hyper cher, c'est pas pour tout de suite. Hein. Ah ouais, d'accord. C'est les bâtiments de luxe. La station de forage peut uniquement être construite sur une tuile adjacente à un gisement de bois. Ouais, elle permet de gagner 3 bois. Laisse tomber ça, 5. Et améliorer, elle dit niveau de chauffage amélioré. Je sais pas ce que ça veut dire. Ça, je sais pas ce que ça veut dire, niveau de chauffage amélioré. Alors, on a d'autres. Là, c'était la description rapide, hein, mais on a les descriptions précises. Oui. Et après, il y aura des bâtiments qui peuvent être débloqués par des lois, genre le gardien de la foi. Il y a plein de choses dans ce jeu, donc ça, c'est la partie vraiment gestion avec des bâtiments qui apportent des trucs. Donc là, on a fait toutes les actions, et quand on a fait toutes les actions, on passe à la phase soir, qui est la phase 7. Et la phase 7, c'est résoudre les cartes des étalages scénario et événement. Donc on va regarder les cartes scénario si... il y a quelque chose à résoudre, et les cartes d'événements, pareil. On résout et on réinitialise le marqueur fin, donc c'est le moment où on nourrit tout le monde
Et là, il faudra que je relise exactement comment ça se passe, mais on nourrit tout le monde et on réinitialise, c'est-à-dire qu'on remet la fin à son niveau de zéro, je crois bien. Quand on sera à cette phase, on reprendra bien. Ouais, ouais, parce qu'on était... Pour pas louper une étape. Hein. Ouais, parce que... Mais c'est assez procédural, en fait, comme façon de faire. Attends, tu parles bien, tu sors des mots vachement bien. Hein. Ok. Un phase soir, donc phase fin, c'est... Oui, donc si le niveau de la fin est de 4, on doit dépenser 4. 1, 2, 3, 4. Et si jamais... Et pour chaque nourriture dépensée, on réduit le niveau de faim. Voilà. Et s'il est de 25 ou plus, le niveau de faim, on est débordé par la famine, on a perdu. S'il est entre 1 et 24, résolvez les effets indiqués dans la section. Et oui, parce qu'ils ne sont pas... Donc là, on a un de mécontentement. Ah oui, vous ne voyez pas, mais là, on pourrait avoir plus... En gros, s'ils ne mangent pas assez, les gens, ils ne sont pas contents. Ouais. Ça, personne n'est jamais content. Ah là. Fin de ça, on place le marqueur fin à la position 0 de la piste nourriture. Comment on sait comment monte le niveau de faim ? C'est lié à ton niveau de population à chaque fois. Mais là aussi, c'est dans la phase fin, là, où c'est dans une des phases qu'on va suivre. C'était assez automatique, ça aussi. Puis, vous devez nourrir les citoyens en dépensant la nourriture par citoyen en votre possession du type marqué pour la manche en cours. Si vous n'avez pas assez de nourriture, ajoutez un niveau fin, avancez d'une case le marqueur fin pour chaque nourriture manquante. Ouais. Ah ouais, d'abord, t'as la... Ah oh là 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 là. Ouais, ouais, non, ça va pas bien. En gros, la fin, c'est de la fin, c'est des gens pas nourris du tour précédent. Ouais. Oh, mais quel enfer. Donc, si des citoyens meurent de cette façon au cours de la première manche, utilisez le type de citoyen de la manche en cours à noter quelque part, ouais. Mais quel enfer! Mais comment on sait d'ailleurs qui meurt? Comment ça? Ah oui, le nombre indiqué de citoyens meurt. Ah oui, en fait, ça, c'est ça. Oui? Ouais, d'accord. Donc là, c'est plus un mécontent, plus un mort. Oui. Très bien. Ok, super. Comment on sait qui meurt? Je crois que c'est... On choisit, nous, qui meurt. Bon, et on fera peut-être pas la partie en entier. Hein. Bah non. Si enfin, on... à moins qu'on meurt très vite. Voilà. Ensuite, nous avons, après cette phase fin, nous avons la dernière phase. Et on va finir cette règle là-dessus. Vous voyez, j'ai mis quand même une demi-heure pour faire la règle version rapide. Ouais. Et vous avez la phase nuit. On va remettre les jetons citoyens épuisés. Oui, parce que je vous ai pas parlé des épuisés. Et je me souviens plus comment ils arrivent. Mais je vais reprendre la règle au fur et à mesure de la partie. Mais les épuisés, ils vont avoir un jeton épuisé sous eux. Et en fait, ils seront épuisés. Je crois que c'est quand on les envoie dans le froid. Ils tombent pas malades directement. Ils sont épuisés. Ouais. Enfin, je vais tout vérifier. Ouais. Mais il y aura des citoyens qui vont être épuisés. Donc, on remet les jetons épuisés et les meeples dans la réserve. Donc, ils ne vont pas pouvoir être utilisés. On couche les meeples citoyens dans les abris chauffés. Oui. Ça, on a oublié. Parce qu'ils peuvent dormir au chaud. Mais... On va construire des abris. Comment on sait les abris? C'est quoi les abris? Eh ben, c'est une tuile en fait, les abris. Tu vois, les tentes. D'accord. Tentes, dortoir ou encore le niveau au-dessus. Et donc tes meeples vont... Ceux qui peuvent dormir, tu vas les coucher pour montrer qu'ils ont dormi au chaud et les autres resteront debout. Et ceux qui ont dormi au froid tombent malades. Les bâtiments débloqués par les lois. Abris pour enfants. Tu peux y mettre 4 meeples enfants. Ça, c'est bien ça. Mais... Moi, je vois pas de... Ils ont pas décrit les tentes et tout. Ah, c'est un bâtiment. Il faut que tu construises le bâtiment. Ouais, d'accord. Mais ils auraient pu le décrire dans le... Ah, tente. Coût de 2 bois pour la construction, fournit un abri pour 2 meeples. Le dortoir, c'est 3 bois pour le construire, fournit un abri pour 2 meeples aussi. La maison, 4 bois pour le construire, fournit un abri pour 2 meeples. Bah, j'imagine qu'au début, on n'a pas... Assez... Enfin, on peut pas s'en payer 1000, donc au début, tu te payes les moins bien. Bah oui, forcément, oui. Et t'as pas le choix après, hein. Faut payer de plus en plus cher, quoi. Cher. Ok. Donc ça, bah, il faut mettre à l'abri. Chaque meeple citoyen sans lieu chauffé tombe malade. Bah oui. Et là, on a fait le tour. On a fait toutes les actions. On a fait toutes les phases. Et on arrive à la fin de partie. Et donc, on va reprendre. On va faire un tour complet où on va tout faire, mais en suivant bien la règle au taquet. Phase après phase. Ouais. Phase après phase pour être sûr de pas que des choses nous échappent pas. Mais vous avez, vous, l'essentiel pour comprendre comment du quoi.
Les cartes citoyens, on a des cartes citoyens, nous, dans nos mains, devant nous. Elles nous permettent, en fait, de, quand on va envoyer des meeples, s'ils correspondent aux citoyens... Bah, tu peux la jouer pour améliorer ton action. Voilà. T'es pas obligé, je crois. Mais ça va le... T'es pas obligé, là. Mais ça peut améliorer l'action. Par exemple, là, j'ai une enfant qui, si j'utilise le bâtiment post-médicine, médicale, infirmerie, et que j'envoie un enfant utiliser ça, et ben, je pourrais soigner deux en plus. Ouais. 2 heures de règles, 1 heure d'install, 20 minutes de partie, un jeu expert coop, quoi. Ouais, tout à fait, Nymphaïs. Qui gagne ? Le jeu, 100%. Eh bien, je vous propose qu'on commence et on va faire exactement ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire que malheureusement pour vous, ça sera peut-être un peu pénible, mais pour nous, ça va être bien pour un premier tour. Il manque le tout début de l'installation. Il faut qu'on abandonne l'une de nos cartes. Oui. Et ça va déjà nous générer des effets négatifs. Ouais, c'est-à-dire qu'on a eu une main... On a eu une main de citoyen pour commencer notre partie, chacune. Et chaque joueur choisit une carte citoyen donc, qu'il a reçue. Mmh. Il doit payer le coût de départ de la carte qu'il défausse de cette façon. Une carte dont le coût de départ ne peut être payé ne peut pas être défaussé. Ça, c'est hors de question. Tout ça, c'est trop cher. Et donc, on n'a pas le choix. On doit faire ça. Et en fait, bien sûr, hein, dans les citoyens qu'on a reçus, on en a reçu 6, on va en garder 5. Les moins intéressants sont ceux qu'on a envie de défausser, mais c'est ceux qui coûtent le plus cher. Mmh, c'est affreux. Ouais, donc on va être un peu obligé d'en défausser un vachement bien. Moi, je vais défausser cette carte-là et je dépense un bois. Dépenser, ça veut dire qu'on le perd. Ouais. Puis retourne à la banque. Ça retourne à la banque. Ben moi, je vais enlever l'enfant. Retirer 2 charbons du plateau. Je vais enlever ceux qui sont loin parce que je me dis qu'on va pas y aller tout de suite. Mm-hmm. Ils sont pas loin, ils sont. Oui, d'accord, si ils sont loin. D'accord. Ils sont là où il fait froid. Ouais, ils sont là où il fait froid. Ok, donc ça, on a fait cette première phase. Ensuite, on doit lire. Attends, parce qu'il y a plein de trucs qui ont été bougés, donc ça, il faut que tu me redises. C'est 0. Ça, c'était 0, et lui ? C'était là. Et est-ce que ici, attends, c'est c'était okay ? Là ? Non, c'était 4, je crois. C'était ça. Et là, est-ce que c'est OK, ça ? Parce qu'il me semble qu'il y avait 1, 2, 3, 4... 5, je crois que je me l'ai dit. Ouais, 5, ouais. Oui, mais c'était ça, regarde. 1, 2, 3, 4, 5, ah, et... Oui, ouais, donc c'était en dessous. Ça, c'était sur 12, 8, 22. Alors, je vais vous lire la phrase du scénario. Société 1. Donc, on joue en mode société 1, normal. Et après, je vous lirai le scénario. Attends, je vais voir juste le truc de fin. Là, il y a du... Maya, mais qu'est-ce qui te prend ? Mais merci, Maya ! Mais 5600 bits, t'es folle ! Mais qu'est-ce que... Pourquoi ? C'est beaucoup ! C'est énorme ! C'est énorme ! Tu sais que tu n'achètes pas le jeu ? Merci, très fort. Bah, c'est adorable, Maya, mais enfin, qu'est-ce qui... Il y a le Tinerone qui dit tous les jeux de Valoute qui viennent de s'envoler dans des bits. Écoutez, je vous prêterai ce jeu, si vous voulez l'essayer, avec grand plaisir. Je le déposerai chez Reventis, puisque ouais, vous voilà. Y êtes tout le temps. Merci, Maya, merci pour tout ce que tu fais pour la chaîne aussi. Faut qu'on se croise vite. Et merci très très fort, c'est trop trop gentil. Il y a Me de Feu que te se W qui a dit il y a du gros beats là. Merci, merci. Elle veut pouvoir cocher la case Toasty renchéri. C'est très drôle. Parce que là, ils ont l'air de le mettre là, hein, le jeton. Il a l'air d'être super loin en fait. Hein. Pour ne pas mourir. Merci beaucoup. Il a l'air d'être à 18 la nourriture. C'est possible ça ? Ça, c'était où ? Non, non. C'était à 8. Ils le mettent là. Ouais, mais non. C'était à 8, selon la carte de scénario, en fait. C'était à 8. Oh. Et on ajoutait pour autant qu'il y avait de symboles bouffe sur le plateau. Et là, il y en avait 1, c'est x2. J'aurais pu avoir mieux que ça, hein, mais donc... on est à 10. Ouais. Ok. Ouais, c'est pas ouf. Ok. Who knows? Donc, on est d'accord qu'on n'a pas commencé. Ça y est, on y va, là. Oh, ça va, ma taille. Donc, sur le chemin, nous avons perdu du monde et trouvé de nouveaux compagnons. Nous sommes un groupe hétéroclite, mais les épreuves du voyage nous ont en quelque sorte unis.
Nous avons de l'espoir, nous avons même réussi à garder un peu de nourriture pour rassasier nos enfants. Au moins, jusqu'à maintenant. Donc ça, c'est notre carte de mise en place, en fait, au début. Et c'est la... Nous allons jouer en mode facile, en gros, en mode normal. Il n'y a pas de mode facile, d'ailleurs, dans ce jeu. Il y a mode normal ou dur. Ouais, voilà. Moi, j'ai demandé le mode baby. Ensuite, ici, nous avons une carte, une pioche nuit qui va être créée avec une carte nuit et une carte concertation. Et en fait, la carte concertation, on en prend connaissance et elle va être mélangée dans la pioche. Mais je vous dis, en fait, à la fin de tout ça, hein, à la phase de nuit, où on va sans doute piocher cette carte. Merci beaucoup, Toasty, qui offre 5 abonnements de communauté. Toasty renchérit. Toasty surenchérit, j'ai même envie de dire, parce que c'est quand même ça la vraie formule, je crois. Il a abonné Grégory Grard. Trop sympa. C'était chouette. Et Pierrot, Prof Ludogi, Craydac Dumont, Erwen, Pan Lucia. À chaque fois, je me demande si les gens sont là. Genre, Grégory Grard, est-ce que t'es là? Ça me fait très plaisir de voir qu'il vient parfois sur la chaîne. Et c'est l'auteur de Festival maintenant qui a été illustré par Mélo, donc ça me touche en plus. Donc on s'est croisé très rapidement à la cérémonie et j'ai pas pu faire. Je lui ai dit je vais te présenter Mélo et en fait j'ai pas pu. Donc si tu es là, toque trois fois. On se recroisera de toute façon. Donc, merci Nafaïs qui offre 5 abonnements communautaires. J'aime beaucoup ce qui est en train de se passer. Vous êtes 4971 followers, 550 abonnés grâce aux gens généreux comme Nafaïs. Et merci Tamanar pour le follow. Merci, ça fait très très plaisir. J'adore, c'est mes lives favoris. C'est un festival, il y a tout le monde, dis donc. Ouais, bravo Mélo, très très drôle. Je n'ai aucune personnalité, dit Nafaïs. Je me suis laissée influencer, portée par le mouvement. Merci beaucoup à toi. J'ai pas encore pu jouer au jeu que tu m'as prêté, donné, je ne sais pas. Mais je le regarde la boîte à chaque fois en me disant j'ai hâte d'avoir le temps. Donc elle est là, juste à côté de moi. Donc merci beaucoup, Nafaïs, pour les dons. Donc je continue. Donc la merde qui risque de nous tomber dessus, c'est désespoir. On continue hein, dans le... Voilà. Si ces temps désespérés demandent des mesures désespérées, alors nous sommes libres d'agir de manière aussi désespérée que nous le souhaitons. Si vous avez au moins un jeton espoir actif de chaque type, choisissez une option. Moins... Ça, c'est le positif, ouais. En fait. Hein. Moins un mécontentement, placez une tuile proche ou une tuile éloignée, résolvez deux effets d'atelier, donc ouais. Ça aurait été cool. Sinon, pour chaque type d'espoir actif que vous n'avez pas, que vous n'avez pas, il y en a quoi, 4 types, 5 et types, 6 types, je crois. Il y en a 4, là. Ouais, mais je crois qu'il y a 6 types. En tout. Et nous, on en a que 2. Tu peux aller regarder dans la règle, si tu veux. Non, il y a peut-être 3 types. Il y a... Non, il y a peut-être 3 types. Il y a 3 types. Donc, ouais, on en a 2. Là, il nous en manque qu'un, en fait. Voilà. On retournerait un marqueur maladie. On place un jeton ouvrier épuisé dans la réserve. De tirer le bon quand on va tirer au hasard. Mais on tire pas au hasard. Hein. Quand on rajoute un espoir ? Ah non, 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 on n'est pas sûr. Ouais. Donc pour chaque type d'espoir actif que vous n'avez pas résolvé les effets correspondants, retournez un marqueur maladie, placez un jeton ouvrier, épuisé dans la réserve. Ça, c'est en fonction de l'espoir qui nous manque. Ouais. Si on est en plus, on n'a plus espoir en la justice, on épuise un espoir. Donc là, ce qui nous manque, c'est le... Ouais. L'espoir le feu, type là, justice. Le... Non, pas justice, c'est motivation. Je pense que ça doit être. Et ça nous mettrait un ouvrier épuisé dans la réserve. Ok. Bon, ça irait encore. Donc cette carte va être mélangée à la fin. Et si ça se trouve, on ne va pas l'avoir. Oui. L'autre carte qui peut nous arriver, c'est vraiment de la merde. C'est l'inévitable, c'est de la maladie, de la mort, ça ne va pas. Donc je mélange ces deux cartes. Mélange, mais regarde bien celle que tu mets en dessous. Hop. Et je fais ça. Et ensuite, nous lisons la carte de scénario. Bah, il me semble. Hein. Oui, c'est autre chose le scénario, c'est ce qui nous donne notre but. Donc si on ne sait pas ce qu'on fait... Donc notre scénario, c'est « Sommes-nous seuls ?» La civilisation n'est plus. Nous, les survivants, avons voyagé dans un convoi qui s'est séparé en plusieurs groupes pour améliorer nos chances d'atteindre un générateur fonctionnel. Notre groupe y est parvenu. Qu'est-il advenu des autres ? Allumer un signal pour ceux qui se sont perdus permettra de répondre à cette question. Donc, à la manche 4,
si la balise a été construite. Donc ça, c'est cet icône-là. Ça se déclenche quand on arrive là. Elle est en A. Donc ça nous dit de construire la balise. Non, c'est ce qu'on voulait. Sinon, elle est en B. Ça tombe bien parce que je voulais vraiment construire la balise. La balise. Elle est en A. Et donc, on regardera ensuite les scénarios suivants. Alors, premièrement, je ne sais pas si tu te souviens, mais on fait aucune phase avant la phase 5. On passe directement à la phase de préparation. Oui, tout à fait. Donc, on ne fait pas d'aube, on ne fait pas de matin, oui. On ne fait pas de générateur, on ne fait pas de météo. Parce qu'en fait, il y a déjà une mise en place, il y a déjà des choses qui se sont passées. Voilà. Sur le... Et on passe directement à la phase de préparation. Yes. Donc, on va choisir un expert et dire qu'on fait cet expert. Nous n'avons pas de maladie, donc je te propose de ne pas utiliser l'experte en santé. Mais on n'a pas non plus de cube pression. Donc bah, ça n'a pas trop d'importance. Là, on ne résout pas les effets de marqueurs maladie puisqu'ils ne sont pas encore montés non plus. Donc pour l'instant, personne n'est malade. Et on passe à la phase action directement. Oui. On peut alimenter. Mais en fait, il disait d'ignorer les phases 1 à 5. Donc c'est logique. La phase qu'on vient de faire, on n'aurait pas dû la faire. Donc on va directement aux actions. Costaud. Qu'est-ce qu'on fait ? Alors, les technologies, tu te souviens aussi, hein, je ne vous ai pas parlé des technologies, mais ici, il y a des technologies. On va pouvoir les mettre en... Il y a un moment dans les phases où on va en mettre une en construction et une en... Pour l'instant, on n'a pas eu la phase aube. Je crois que c'est durant le matin ou durant l'aube qu'il y a les technos. Tu te souviens ? Ouais, elle m'écoute pas. Non. Non, j'étais sur les phases actions, là, les citoyens épuisés. Voilà. Alors moi, je vais regarder les actions qu'on a au choix. Hein, et... Donc, en fait, dans l'ordre du tour, tu fais une action, puis je fais une action, puis tu fais une action, puis je fais voilà. une action. Et moi, je commence. Jusqu'à ce qu'on n'ait plus de bonhomme, là. On a du bois. Pour faire des actions. On a du bois. Moi, j'irais bien chercher du bois aussi. Et je construirais bien des bâtiments. Je pense que c'est important de vite construire la chasse. Je ne les ai pas tous sous les yeux, mais ils sont là. Donc, construire, par exemple... Le cabane de chasse, ça coûte un bois. Moi, je ferais bien ça comme action. Donc, je te propose de faire ça comme action, pour moi. Ok. Ok. Donc, j'envoie un ouvrier. Alors, regarde, j'ai un ouvrier qui bâtit, justement. Effectuez cette action normalement avec l'exception suivante. Vous pouvez améliorer un bâtiment en utilisant deux sous-actions bâtir et en payant son coût d'amélioration. Mais tu veux utiliser tout de suite spécialités Parce qu'on n'en repioche pas après, non ? Qu'est-ce qu'on en fait de ces cartes ? Oui, on les enlève. Mais je veux juste regarder ce que ça fait, là, par exemple, si je l'utilisais. J'effectuerai cette action normalement, avec l'exception suivante. Je peux améliorer un bâtiment en utilisant deux sous-actions bâtir. Ah oui, parce que j'ai trois actions. Bâtir, ouais, c'est trois actions quand tu bâtis. Donc, quand tu bâtis, tu divises en trois actions. Je vais pouvoir bâtir deux bâtiments, potentiellement, et ou en démonter un. Et donc trois actions... Un bâtiment en utilisant deux actions sous bâtir. Donc, je pourrais, par exemple, construire le bâtiment de chasse et l'améliorer tout de suite avec ça. Qu'est-ce que ça coûte de l'améliorer ? En tout cas, je paye. Regarde. Mets-moi mon ouvrier dans l'action bâtir. Et donne-moi la tuile de bâtiment de chasse. Cabane de chasse. Ça coûte un bois. Alors, par contre, on n'a pas chauffé. Oui, c'était la phase de préparation, là. On aurait pu dépenser du... Non, parce que la phase de préparation, on l'a fait pas... Si, c'est la 5. Ils disent de commencer à la phase 5. Non, ils disent d'ignorer les phases 1 à 5. Par contre, ils disent qu'au début de chaque tour, on peut chauffer. On peut payer du charbon. Bah, il faut le faire, hein. Parce que sinon, on n'aura rien de... Il me semble. Je vais vérifier ça de suite. C'est phase d'action. La phase d'action. Au début de cette phase, vérifiez si vous avez le bon nombre de meeple dans la réserve. Ajustez le nombre de meeple pour chaque type dans la réserve si besoin. Donc effectivement, on doit avoir 3 bleus, 2 enfants et 5 ouvriers. Donc c'est bon. Ensuite, puis s'il y a au moins un jeton citoyen épuisé dans la réserve, épuisé, placez un meeple correspondant de la réserve sur chacun d'eux. Pour l'instant, on n'a rien. Durant votre tour, vous pouvez d'abord choisir d'alimenter le générateur. Donc moi, si je fais une cabane de chasse, est-ce que je la fais adjacente ici en me disant je paye un charbon et je monte le générateur ici ? T'es avec moi ou pas du tout ? Oui, je regarde la chasse. Où est-ce qu'il faut la placer ?
Alors oui, c'est vrai. On va aller voir la cabane de chasse. Bah, c'est là que ça va être écrit. Il n'y a rien de spécial. Non, il n'y a rien. Une icône chasse fournit une nourriture à chaque phase météo, gagner quinte tournure. Il y a écrit, il n'y a absolument rien marqué de... Donc on s'en fiche d'où on la met. Non, on s'en fout. Okay. Non, tu vois, par exemple, je me dis, on pourrait la mettre tout proche et je pourrais payer 1 pour monter le générateur ici de 1. Donc je commence par payer le générateur de 1 ici. Donc, avancer d'une case. Donc ça, ça revient dans la banque. Ouais. Ça revient dans la banque ou ça revient dans le... Non, non, ça revient dans la banque. Non, non, ça, c'est autre chose. Non, ça, c'est ça, c'est autre chose. C'est pas maintenant. Et... je fais ça et je paye donc un bois, donc on paye aussi un bois à la banque. J'ai fait déjà. D'accord. Pour mettre une tuile cabane de chasse là. Pour, ça, c'est une action qui est chaude, entre guillemets, puisque j'ai chauffé la zone. Non, elle est toujours chaude, l'action bâtir. Ah ouais ? Cette action est toujours chaude. Bah du coup, j'aurais pas payé pour chauffer. Et du coup, j'ai une cabane de chasse qui me permet, si je l'utilise, d'avoir 4 de nourriture. Je pourrais, si j'utilisais cette carte et que je la défaussais de suite, mon ouvrier... Je ne sais pas si on la défausse d'ailleurs, je vais aller regarder. Ouais. Mais je pourrais l'améliorer pour que cette cabane nous donne deux symboles de chasse. Ce que je trouve vraiment cool pour commencer la partie. Mais c'est... On peut améliorer directement, mais ça coûte quoi d'améliorer ? Je trouve bizarre ça. Mais c'est ce que je te dis, mais oui, mais c'est parce que j'ai ma case, moi. Ah, c'est ta carte. Parce que voilà. Sinon, et en c'est payant pas... son coût d'amélioration. C'est... Mais c'est quoi, ça, le coût d'amélioration ? Le coût d'amélioration, mais si, on l'a vu. C'est dessus, c'est de l'autre côté ? Le coût d'amélioration. Oui, on va galérer au début. Merci. C'est peut-être le deuxième coût qui est en dessous ? Démonter, construire, utiliser. Ah non, améliorer un bâtiment, c'est l'atelier. Ouais, donc on peut pas pour l'instant. Oui, mais peut-être qu'avec elle... Il y a juste écrit « Effectuez cette action normalement, mais avec... vous pouvez améliorer un bâtiment en utilisant deux sous-actions bâtir et en payant son coût d'amélioration. » Donc je me dis, est-ce qu'elle prévaut sur le truc ? Je vais aller regarder « Améliorer des bâtiments ». T'as dit que c'était quoi le truc pour améliorer ? Le bâtiment peut être amélioré en utilisant l'atelier et en dépensant le coût d'amélioration du bâtiment. Voir atelier, page 41. Un bâtiment avec un losange de chaque côté de son nom sur sa tuile, le bâtiment ne peut pas être amélioré. Oui, parce qu'il est déjà amélioré. Atelier. Choisissez un bâtiment en payant le coût d'amélioration indiqué sous le coût de construction. Sur... Ouais, non, mais en fait, il faut avoir coût. L'atelier. Hein. Ouais, ouais. C'est donc ça, c'est le deuxième coût qui est en dessous. Donc il faudrait payer un bois pour l'améliorer. Non, c'est pas ça. Attends. C'est marqué sur la tuile atelier, je crois. Ben non, il n'y aurait pas tous les coûts. Améliorer un bâtiment en payant le coût d'amélioration indiqué sous le coût de construction. Oui, t'as raison, pardon. Oui, oui, donc c'est un bois, là, pour celui-là. Puisqu'il est dans cette colonne-là. Ah non, là, elle est là. Ouais. Oui, oui, si, c'est un bois aussi. Donc c'est un bois. Oui. Mais il faut l'atelier. Ouais. T'as fait une de tes sous-actions bâtir, t'en as encore deux. Un bâtiment peut être amélioré en utilisant l'atelier. Voilà, en fait... Ça veut dire qu'avec elle, tu peux faire construire, améliorer dans le même tour sans avoir à faire une autre action qui permet d'utiliser l'atelier. Sauf que je pense qu'il faut qu'il y ait l'atelier. Tu peux pas améliorer comme ça. Donc non, je peux pas le faire. Par contre, je peux construire un autre bâtiment. Alors, on a Orandil qui nous dit que lui semble qu'on peut améliorer sans avoir l'atelier avec la carte. C'est ce qui me semblait, parce que les actions de carte prévalent sur le reste des règles. Mais est-ce que la carte, tu la défausses, elle est perdue à tout jamais? Oui, normalement. Parce que ça, on y réfléchit, du coup, c'est peut-être pas... Bah, améliorer tout de suite ces bâtiments-là, je trouverais pas ça une décision idiote. Pourquoi ça donne quoi? Ça donne juste un de plus de bouffe, hein. Ça donne deux chasses. Ça donne... Chaque manche, on va gagner deux de nourriture. Ah oui, il y a deux icônes. Oui, tu vois, au lieu d'une seule. Ah ouais, c'est fort. Ouais, c'est bien quand même. Bah oui, c'est bien. Alors les citoyens, qu'est-ce que ça dit? Ça dit, les experts, c'est ça. Ça dit, les cartes citoyens. Capacité principale et effet de mort. Bon, ça on avait vu, l'effet de mort, on verra. Donc, lorsqu'on fait l'action, on peut jouer une carte citoyen. Donc il faut que ça corresponde au type de citoyen. Ok. Ça en remplace complètement l'effet normal de l'action. Ok.
Laissez-la devant vous pour indiquer que vous avez joué une carte citoyen pour sa capacité principale durant cette manche. Et non, c'est défaussé. Ah oui. Elle est défaussée. Mais j'en ai 5. Oui, d'accord. Mais on en aura peut-être d'autres. Hein. Mais je sais, j'ai pas vu d'effet où tu peux piocher. Au moment de la pioche citoyen, il y a une pioche citoyen, donc on va forcément peut-être en avoir d'autres. C'était pas pour les effets des morts, la pioche citoyen, après ? Si, peut-être, mais en fait, moi, je pense que ça vaut le coup. Allez, bah vas-y. Moi, je le fais. On sait pas combien de temps on va survivre. Et donc, je paye un bois ouais. et j'améliore la tuile sur sa face améliorée. Et donc, j'ai encore une action, potentiellement, pour bâtir. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme bâtiment qui aurait pu valoir le coup ? Non, moi, je pense qu'il nous faut des... Tu penses pas qu'il nous faut des dortoirs et des tentes, hein ? Si. Mais c'est deux bois, c'est énorme, hein ? Alors, est-ce que t'aurais préféré... Ben, ouais, mais... Je vais aller ramasser du bois, moi, quand ça sera mon tour. Eh ben, utilisons les deux bois pour fabriquer un dortoir. Allez. Et il faut que tu... Il faut un... Un ouvrier de nouveau Non, c'est toujours mon... Lui, il fait tout ? Oui, oui. C'est pas pour un seul bâtiment ? Mais non, je crois pas. C'est l'action, tu prends ton ouvrier, tu le mets là et t'as trois actions bâtiment. Il est balèze, lui. Bah oui. Bah, écoute. Il fait une cabane de chasse, il l'améliore et il va construire. Faut bien qu'il y ait un truc qui est un peu facile. J'ai un doute. Non, pour effectuer cette action, placez un meeple dans la case bâtir pour chaque action bâtir. Pour chaque action bâtir, vous permet sous action bâtir, construire. Oui, ah c'est ouais, ça. Bon, d'accord, ok. Voilà. Et alors, où est-ce que tu veux mettre la tente ? Eh ben, on va la mettre aussi près du... On va la mettre derrière le générateur, là-bas. Là où il fait chaud. Ouais, là où il fait chaud, comme tu dis. Quand on l'améliore, non, on peut pas l'améliorer, c'est des ruines. On peut y loger deux personnes. On pourra le démonter pour mettre autre chose, si on veut, mais... Okay. Et donc pour l'instant cette zone est chauffée aussi, mais bon ça coûtait rien de voilà. Et ça c'était mon action. Ok. Moi j'ai envie d'aller récolter le bois là qui est là-bas. Donc je pense que je vais faire l'action ramasser des ressources. Ok. Donc je mets un de des meeples qui est là dans une case inoccupée avec du charbon, du bois ou des noyaux de vapeur. Et on va envoyer un ouvrier. Et on va l'envoyer ici. Et je prends donc... je prends donc deux ressources de bois. Baptiste veut encore plus complexifier le jeu. Nous dit-on dans le chat. Donc je prends deux ressources de bois. Et on pourra plus aller chercher du bois ici. Hein. Pour ce tour. Ouais. Non, pour cette manche. Pour cette manche. Donc ça, c'était une action, entre guillemets, chaude ou froide. Mais j'ai chauffé la zone. Donc, oui. Tu n'as pas froid. Eh ben, ça, c'est bien. À toi. Alors, je vais vérifier un truc, juste, dans les actions. C'est à quel moment ils nous expliquent qu'ils sont épuisés, justement, les zigotos. C'est pour faire la balise. Je crois que c'est quand ils ont froid, justement. Ah, c'est le genre de jeu où on met un certain temps à rentrer dedans. Ouais, c'est ça. Je regarde juste les effets du froid. Si elle est froide avant de résoudre l'action, augmentez d'un le nombre de citoyens malades. Donc non, ça t'épuise pas, ça te rend malade. C'est moche. Je me souviens plus comment on épuise les citoyens. Au début de cette phase, vérifiez, puis s'il y a au moins un jeton épuisé dans la réserve, placez un jeton, un meeple correspondant de la réserve sur chacun d'eux. On verra à quel moment. Mais pour l'instant, c'est pas là qu'ils s'épuisent. Là, c'est si jamais ils vont faire une action froide. Ils ont trop froid, donc ils tombent malades. Ok. Qu'est-ce qu'on fait d'autre ? Ben, moi aussi, je vais aller chercher du charbon, moi, non ? Et je vais On en a quatre encore. Tu voulais pas qu'on fasse la balise, là, pour... C'est combien, la balise ? Ben, la balise, il nous manque un bois. Tu vois, parce que c'est trois. D'accord, donc bah, il faut que j'aille chercher du bois.
Mais si je vais chercher du bois, il faut que j'aille en zone... En zone froide. Donc, est-ce que tu veux payer un charbon pour augmenter Bah oui. 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 Pour l'instant. On va regretter cette décision, c'est sûr. Tu mets un meeple marron ou bleu, on s'en fout. On peut envoyer un enfant. Hein. Il a chaud. C'est comme tu veux. Tu veux envoyer les enfants chercher du bois. Ouais, on envoie les enfants chercher du bois. Et ils en récoltent deux. Est-ce que j'ai quelque chose, moi, avec... Non. Et ils en récoltent deux, tout à fait. Et on les met là. Et on les met là. Ok. Donc, on va construire. Donc, on va construire, ouais. On construit la balise. Donc là, c'est à toi. Et il faut que ce soit un ouvrier, un ingénieur pour la balise. C'est marqué avec quoi, ça, déjà? Non, c'est le petit... Quelle icône, ça? C'est une icône qui est en bas là, à gauche. Ah, ça, là, en bas, là. Ouais, ouais. Donc non, on s'en fout. Donc ça peut être un ouvrier. Et d'ailleurs, l'icône, elle sert juste pour savoir qui peut utiliser l'objet en question. Ah, elle sert pas pour la construction? Non. Ok. Donc je dépense 3 bois. Ouais. Là, je pense qu'on prend une décision un peu hâtive, mais d'accord. Mais alors, attends, parce que il la faut balise, pouvoir elle la mettre. Prend deux cases, ouais. Et là, on peut pas. Bah là... On peut pas, donc avant de faire ça, il faut déneiger quelque chose, hein, non? Il faut déneiger, il faut surtout vider une zone. Oui, il faut vider. Donc, je pourrais aller vider par là. Ouais, ou tu peux aller chercher le petit cube de charbon tout seul, ça fait ça chier, mais... Non, autant aller chercher les deux qui sont là. Mmh. C'est chauffé, là, aussi. Mais du coup, on n'aura pas la balise au premier tour, mais c'est pas Pourquoi grave. Et parce que, comme il y aura notre meeple, on pourra faire construire. Ah. Et alors, si je déneige, il n'y a pas mon meeple. Ah, mais on va mettre des ressources si je déneige. Oui. Mmh. Ouais, ni meeple, ni bâtiment. Ce sont les cartes matin ou soir qui donnent des jetons épuisement. Ok, merci Dolam. Je me souviens que je l'avais lu quelque part, mais je me souvenais plus où. Non, mais de toute façon, on ne pourra pas vider une zone et construire la balise là. Mais on sait avant la manche 4. Hein. D'accord. On a 4 manches. Par contre, là, si tu vas chercher des ressources plus loin... Ouais, là, il y a le deuxième cercle échauffé. Hein. Ouais, donc il faut y aller. Hein. Moi, je pense que tu peux y aller, ouais. On va y aller, on va aller ici. Ouais, tu prends deux charbons, super. Et je pense qu'il faut charger en charbon. Ce qui fait que moi, à mon tour, je vais faire pareil avec un autre ouvrier. Je ne sais pas combien d'actions on peut faire. On peut tout utiliser. Tant que t'as de bonhommes, en fait. D'accord, ok. Tu vas où? Tu vas le mettre là. Et je vais prendre deux charbons aussi. Il faut qu'on puisse chauffer cette histoire. Est-ce qu'on ne referait pas une petite... Alors, on n'a pas regardé les lois, on n'a pas regardé... Ah oui, qu'est-ce Parce qu'on a des tuiles qu'on peut activer. Maintenant, tu pourrais par exemple aller à la cabane de chasse, ouais, l'activer pour récupérer 5 nourritures. Ouais, ça serait pas idiot, ça. On peut aussi aller à la cantine pour payer 3 nourritures pour récupérer un espoir. Je rappelle que... C'était un de nos objectifs, là. C'est un des trucs qui va nous arriver potentiellement sur la gueule. On a ici un truc qui nous permet de promulguer des lois. Promulguer des lois, par contre, on n'a vraiment pas assez de tentes. Je pense qu'il faut construire encore ouais, des tentes. Ouais, c'est ce que je pensais, moi aussi. Je voulais faire une... Un autre abri. Tente, tu vois, on peut en construire une là. C'est chauffé pour le moment. Une là aussi. Une là, ouais. Ça fait déjà 6 personnes qui sont logées, mais c'est pas suffisant. En fait, on aurait dû pas construire la cabane de chasse. Oui, on a mis une tente, donc ça va, on a fait qu'une demi-connerie. Mais la cabane de chasse, on peut peut-être la mettre plus. On aurait pu la mettre dans une zone qui est plus moins loin, facilement ouais, chauffée. Qui était pas chauffée. Ouais. C'est comme ça. C'était à toi ? Non, je crois. Non, c'est à moi ? Je sais plus. C'est pas très grave. Mm. Et donc, on construit avec deux bois. Mm-hmm. On construit de nouveau une petite tente. Ouais, et donc là, tu pourrais potentiellement faire d'autres constructions. Ouais, parce que je pourrais en refaire une. Ouais, là. Et elle aura froid. Hein. Non, là, c'est chauffé. Ah ouais ? Mm-mm. Et c'est tout parce qu'après on n'a plus de bois. Donc je ne vais pas faire. Ok. Et d'ailleurs, on n'a pas construit d'atelier ni rien. Ça va être chaud patate cette affaire. Ah, mais il faut du bois partout. Hein. Mm-hmm. C'est une scierie en fait qu'il aurait fallu aller construire là pour exploiter tout ce bois. Oui, mais c'est une action chaude ou froide.
On peut prendre un mec malade, hein, on n'est pas... Après, on a encore la Syrie, elle coûte combien? On peut le chauffer, hein. Ouais, mais la Syrie... Ouais, mais après, il faudra chauffer pour les... La Syrie, elle est à combien? Elle est à un bois. Ouais. Et le problème, c'est qu'on n'a plus de bois. Il y a lui, là-bas. Ouais, il y a un bois. Mmh. Allez, je vais te chercher. Donne avec ça. Un enfant ou avec un... Un enfant, envoie un enfant, il fait chaud. Hop. Et donc on construit avec un bois. Non, c'est deux bois la Syrie. Ah merde. Ouais. Et je peux pas retourner là. Hein. Non. On peut pas faire la Syrie. Oh, on peut pas faire la Syrie. De toute façon, là, on a fait des trucs où on a construit. On peut pas faire des trucs avec les lois. T'avais trois actions de construction. Alors les lois, les lois qu'on a, parce qu'on peut activer les bâtiments maintenant. Il nous reste ça. Oui. On a une... Les lois, je crois qu'on peut toutes les... Je sais pas comment ça se passe au niveau des lois. Si, en fait, on en expose ou si on doit les... Je crois qu'on a le droit de les regarder, mais qu'on peut pas regarder l'effet derrière. C'est-à-dire... C'est pas un truc comme ça? Il n'y a pas un effet derrière qu'on n'a pas le droit de voir? Non, je crois pas. Je vais regarder la mise en place des lois parce que là, je les avais pas faites tout à fait. Coucou Serval. Salut Serval. Carte loi, carte conséquence de la loi. Donc non, c'est un paquet. Là, on a les lois. Et les cartes conséquences de la loi, c'est ça, non? Non, ça, c'est le paquet des nuits. Non, il y a le paquet des nuits. Bah, qu'est-ce que ces trucs? Soir. Bah, merde, qu'est-ce que ce paquet? Bah, on a... Ça, je comprends pas, parce qu'ils disent de mettre les paquets... de soir de côté. C'est pas tout à fait la même couleur, les deux paquets là. Mais il y a rien qui les distingue. Je me souviens plus. Ça, j'ai fait la mise en place, mais je me souviens plus ce qui distingue les deux paquets soir. Ouais, on en tire. Les lois 1 à 8 sont toujours présentes et il faut en tirer 4 au hasard. Ah oui, c'est ça. Et elles sont dispo. Merci. Et du coup, là, on a... Il y a des lois. Je pensais que t'avais mis 4 au hasard ici. Oui, oui, il y avait les... Je les ai mis. Les 1, 8 et 4 au hasard, ça, j'avais fait. D'accord. Mais ce que je sais pas, c'est si on a accès donc qu'à là, celle qui est au-dessus faire... ou si on peut regarder dedans. Vous faites travailler vos enfants, vous avez passé la loi qui vous permet de le faire. Ben non. Ah, les enfants, on peut pas les faire travailler. Ah. Mais c'est pas précisé ça au moment abri des actions. Abri pour enfants, repas chaud, travail des enfants. Phase action, ils me disent pas. Hein. Ajuster. Vous pouvez utiliser les MIPEL enfants pour effectuer l'action ramasser des ressources, utiliser les bâtiments poste de collecte. Moi, ce que je. Donc c'est pas grave, on va. Non mais je précise juste. Moi je veux bien. Mais c'est pas grave. Parce que mais nous on a lu toutes les règles. Et dans les règles, il y a écrit « En continuant par le joueur qui possède le marqueur dirigeant puis en sens horaire, chaque joueur joue un tour. Continue ainsi jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de meeple disponible ou que vous ne souhaitiez plus effectuer d'action. » Ben moi, s'il n'y a pas précisé le type de meeple que je peux utiliser, j'utilise tout. Il n'y a pas précisé, vous ne pouvez pas utiliser les meeple, enfin. Erreur, mais franchement, c'est là. Je suis désolée, mais en fait, ça fait sens. Hein. Et je me souviens qu'effectivement, c'était un des points de règle. Mais ça n'est pas écrit. C'est écrit meeple. Alors, si c'est conseillé, c'est, si ça considère qu'en fait, t'as 3 meeple enfants et 4 et les autres, c'est des meeple, et qu'on te dit tu peux utiliser un meeple, c'est pas les meeple enfants. C'est ça que ça veut dire. Sauf que autant ils nous expliquent que plus. Oui. Ça veut dire augmenter, mais ils nous disent pas, vous ne pouvez pas utiliser les de base, vous pouvez pas utiliser les meeple enfants. Ouais, voilà une précision qui aurait été plus utile. Ouais. Parce que là, je suis dans la phase d'action, c'est pas écrit. Hein. Ah, ça y est. Alors c'est là. Note, vous ne pouvez pas utiliser des meeple enfants pour effectuer des actions à moins qu'une loi instituée ou un autre effet ne le permette. Alors je veux juste dire. Que cette info,
Et vous allez comprendre ce que je veux dire. J'espère. Je sais que je suis une mauvaise foi, des fois, mais quand même. C'est cette note-là qui est en italique. Moi, une note comme ça, je la mets en rouge et en majuscule. Je la mets pas en italique et en petit, en fait. Donc, j'ai lu ça, je me suis dit, ok, je passe aux actions, tu vois. J'ai pas regardé la petite note en italique. C'est une info super importante. C'est bizarre. Voilà. Les trucs en italique qu'on ne lit pas. Je comprends pas, dans les règles, je comprends jamais quand l'info importante est en italique. Et en petit. Mais merci pour nous avoir arrêté à temps. Donc, ce qu'on va faire, c'est... Oui, tu les as remplacés. Ah, super. Donc, on pourrait faire une loi qui promulgue le travail des enfants. On pourrait faire un abri pour enfants en loi. Alors, ça fait quoi, ça? Ça fait que tu déverrouilles le bâtiment abri pour enfants. Il coûte 2 bois pour être construit. Mais il est trop tôt pour le faire parce que ça te le fait immédiatement le construire et ça leur donnerait 4 abris pour dormir. C'est encore un peu tôt. Mais ça donne, si je comprends bien, ça ajoute un espoir. D'accord. Repas chaud. Chaque fois que vous effectuez une action avec un meeple citoyen, vous pouvez dépenser 2 nourritures pour compter cette action comme chauffée. D'accord. Aussi. Travail des enfants, ben, voilà. Mais ça nous fait perdre en espoir. Et on est contentement. On pourrait faire la maison de soins. Ça débloque le bâtiment maison de soins. Mais c'est pareil, ça permet de faire sa construction, donc c'est trop tôt aussi. On pourrait faire un pub. Yay, on veut un pub. Ça coûte 1 bois. Et le pub, qu'est-ce que ça fait le pub? C'est bien. À part le fait de boire de l'hydromel et de... Qu'est-ce que ça fait un pub? Par contre, on n'a plus de place là pour construire. Si, on peut construire là. On peut faire un pub en pleine nature. C'est peut-être pas la meilleure. Non, mais on compte de faire une série là-bas. De toute façon, on n'a plus qu'un seul bonhomme. Hein. Là, il n'y a plus que lui, hein, puisqu'on ne peut pas faire travailler les enfants. Mm-mm. Donc l'idée, c'est soit aller faire de la bouffe. Moi, je pense qu'on va faire de la bouffe. Éventuellement, on pouvait aussi dépenser de la bouffe à la cantine pour essayer d'avoir un jeton en plus. Ouais. Au cas où on tombe sur l'événement de merde. Mais on a quand même fait la cabane pour l'utiliser, non? Oui, mais on est au premier tour, on peut prendre de la bouffe au prochain tour. Combien il va falloir la randonnée de la bouffe? Bah là, il va falloir nourrir... 5, 10... 2, 3, 4... non, 2... Oui, 5, 10. 10, ouais, c'est ce qu'on a. On a juste pile, quoi. Ah, on va peut-être chercher à bouffer, quand même. Ouais. Mais du coup, ça veut dire qu'on va se prendre l'inconvénient dans la gueule. Et on va avoir un épuisé. Oui, mais sauf sinon, si on tombe pas sur cette carte. Sinon, on a de la famine dès le premier coup, hein. Puisqu'on n'aura pas assez de bouffe, on en aura dépensé 3. Vas-y, on voit. Va chercher le cerf un peu. Allez, 5. Paf. Ok. Action chaude. Donc, on a fait toutes nos actions. On passe à la phase de soir. Donc là, je vais reprendre la règle pour vérifier qu'on ne loupe rien. La phase de soir. Donc là, c'est le moment où on regarde les scénarios. Est-ce qu'on a une phase de soir ou quoi? Non, on n'a pas de phase de soir. Puis, on mélange la pioche soir et on va révéler une carte entre les deux qui sont dans la pioche. Là. Et c'est là qu'on va avoir de la merde. Hop! Eh bien, j'ai pioché des espoirs. Donc, on va avoir le truc qu'on avait dit. Donc là, si on a un espoir actif de chaque type, on n'avait pas de problème, mais c'est pas le cas. Non, pour chaque type d'espoir que vous n'avez pas, et là c'est le type motivation, on place un jeton ouvrier épuisé dans la réserve. Donc là, tu prends le jeton là-bas, non, à droite. Ouais, ça. Épuisé. Tu le mets dans la réserve et ça va nous supprimer un ouvrier pour le prochain tour. Okay. Et ça, cette carte-là, elle est défaussée complètement. Elle ne reviendra pas. Eh bien, tant mieux. Voilà. Ensuite, je crois. Hein. Ah non. Non, on le met dans la. On le met en recyclage. Ouais, c'est la défausse, hein, le recyclage. Oui, dans la défausse. Et donc, ça va être remélangé. Ça peut nous retomber dessus. Et donc, on fait ça. Et enfin. Non, après avoir résolu une carte concertation... Non, c'est les cartes concertation, on les défausse complètement. Retirez-la du jeu, rangez-la dans la boîte. Ensuite, piochez la carte du dessus de la pioche concertation, lisez-la, et on la rajoute. Et c'est notre prochaine concertation, éventuellement, qu'on aura dans la gueule.
Salut Lovely Meeple, merci pour ton renouvellement d'abonnement. Merci beaucoup. La confiance meurt, mais la méfiance fleurit. Si vous avez plus de jetons espoir que de jetons mécontentement, vous pouvez épuiser un espoir pour résoudre les faits correspondants. Donc on pourrait introduire une nouvelle loi avec la justice. On pourrait soigner toi ou traiter toi avec, oh là, avec le soin. Moi, me traite pas moi. Ou réutiliser un ouvrier avec la motivation. Sinon, si c'est l'inverse, on épuise chaque espoir ou on perd trois ressources. On épuise chaque espoir. Ouais. Non, mais c'est non. Donc, ça sera pour votre jeton mécontentement actif le plus représenté. Pour l'instant, ils sont à égalité. Non, actif, on n'en a qu'un seul. C'est lui. Lui, il est épuisé. Et si c'est... Non, non, ils sont... Lui, c'est l'autre, c'est un autre type, en fait. Il est épuisé. Ah oui. Mais si. Oui, mais... Donc, si aucun n'a actif, c'est la cupidité. Donc, c'est la cupidité. Et on aurait perdu trois ressources. Pour chaque ressource que vous ne pouvez pas perdre, augmentez de deux la fin. Quoi, les ressources, c'est le bois, le charbon, tout ça? Ouais. Oh, mon Dieu. Et donc, on mélange ces deux choses-là. Et on refait la pioche. Punchboard, le média. Ouais, on n'adhère pas parce que c'est complexe. Hein. Pas forcément parce que c'est complexe. Enfin, tu peux ne pas adhérer au jeu juste parce que tu n'aimes pas les jeux coop ou que tu n'aimes pas... Je trouve que pour l'instant, c'est plutôt cool, mais faut voir comment ça évolue. Phase fin. Réduisez la faim en dépensant autant de nourriture que possible. Donc, maintenant, on doit nourrir... J'aime bien que tu ailles le vérifier, dans le, ouais. qu'on ne fasse pas de bêtises sur la phase fin. Donc, autant de nourriture que possible pour réduire le niveau de faim, d'abord. Mais on a un niveau de faim à zéro, c'est normal, puisqu'on n'a pas... Ils ont des réserves. Ils ont des réserves. Ils ont encore du gras. Donc, on nourrit les citoyens en dépensant un nourriture par citoyen en votre possession du type indiqué pour la manche en cours. La position du marqueur citoyen. Ah, du coup, là, la manche en cours, c'est les enfants. Donc, on nourrit deux enfants. Mais c'est pas cher, ça. On est sûr que c'est ça? Oui. Je répète. Il n'y a que les enfants qui mangent. C'est la manche 6, il est temps de nourrir les ouvriers. Vous possédez 32 D'accord. ouvriers, mais seulement 24 nourritures. 32 ouvriers. Ah, mais par contre, c'est pas le chiffre d'en dessous qu'on regarde. Pas ça. C'est quoi? C'est ça. Ah, donc 8? Ouais. 1, 4, 5, 6. C'est mieux. Ouais. Donc le prochain tour, on nourrit les ingénieurs. Il nous faudra 12 nourritures. Ah, la vache! Mais on est à 7. En utilisant la cabane, on a... Ah, attends! Parce qu'on va avoir la phase nuit. Oui, il y a de la chasse quand même. Donc, réduisez la faim, ok. Nourrissez les citoyens, ok. C'est bon. Phase nuit, maintenant. Maintenant, on doit fournir des abris chauffés. Donc, remettez dans la banque chaque jeton citoyen épuisé qui a un meeple sur lui. Ben, pour l'instant, non. Pour l'instant, il n'y en a pas. Et les meeples qui sont dessus dans la réserve. Tout jeton citoyen épuisé sans meeple sur lui reste dans la réserve. Remettez dans la réserve tous les meeples placés durant cette manche, y compris les meeples sur des cartes sans dans l'étalage événement. Ne remettez pas les éclaireurs sur les pistes d'expédition. Donc là, on récupère tous les meeples du plateau et on les remet dans la réserve. Et t'en mets un sur le jeton à première vue. Il est épuisé. Donc maintenant... Et c'est là que ça devient difficile. Nous avons 6 abris chauffés. Qui va dormir au chaud et qui ne dort pas au chaud? Pour chaque meeple qui dort pas au chaud. Qui dort pas au chaud, on a un malade. Mm. On est d'accord qu'on va mettre au chaud les enfants. Les enfants, parce que c'est le plus risqué. Donc les deux... enfants, c'est chiant, hein, ça travaille pas et ça tombe malade. Donc on a 2 meeples. Voilà, il nous en reste 4. Donc ils ont pris une tente. Hein. Après, il faut faire les ingénieurs. Il reste une comme ça. Deux meeples. Donc, un, deux, voilà. Non, on en a 4 en tout. Pourquoi? On n'a que les enfants, les ingénieurs, il n'y a que et deux. Et il y a encore une tuile derrière. Ah hop. Un et hop. Un. Voilà. Et donc, nous avons... Il en reste 4 qui dorment dans le froid et c'est des ouvriers. 1, 2, 3, 4 ouvriers malades. T'as vu le choix que t'as fait de distinction qui dort au chaud et qui dort au froid? Bah, les ingénieurs, c'est parce que il y en a moins.
Bah non, mais ça risque de mourir plus vite. Bien sûr, enfin c'est les ouvriers qui dorment dans le froid, quoi. Bah ouais. Ouais, ouais. Bah ouais, mais c'est parce qu'on en a moins. Ouais, et oui. Que du coup, ça nous met dans la merde, on aura des cadavres plus rapidement. Ce jeu est horrible. Oui. On vous le dit. Bah bien sûr. Ouais, oui. Et après, on bouffe les gosses. Non mais GG. On vous regarde pas deux secondes dans le chat et vous faites n'importe quoi, hein. Donc. On bouffe les gosses. Tout à fait, il dit Toasty. Enfin, pas bien, hein. Donc les tentes des Dwarves Fortin, si un abri a été retourné face ruine, il ne peut plus utiliser d'abri, sauf si on a une loi qui spécifie ça. Qui leur dit si tu vas dormir quand même. Ouais. Donc tous nos abris sont chauffés, parce qu'on a chauffé la zone. Ici, là. Ouais. Pas le dernier cercle, mais on n'a rien sur le dernier cercle. Et nous avons fini la phase de nuit. Okay. Nous faisons maintenant la phase d'aube. Donc on passe le marqueur dirigeant, tu deviens le nouveau leader. Je suis la chef. Tout va aller on mieux. Avance le marqueur manche. Oui. C'est les ingénieurs qui auront fait. Alors je vérifie tout ce qu'on doit faire. On vérifie qu'il n'y a pas de déclenchement de scénario ni rien, mais non. On révèle une carte matin. Allez, c'est parti, c'est là que c'est la merde. C'est ça, hein. Ouais, c'est la phase de matin. Alors. Ah, attends. Hyper important, je l'ai oublié. Ça redescend. Les développements de technologie, c'est maintenant. S'il y avait un jeton technologie quelque part, on pourrait chose bidule. Alors, faut que je retrouve. Phase aube, techno, voilà. Donc, si le marqueur manche a atteint un truc développement, on développe la technologie. Mais là, on n'en a pas. Puis, choisissez une carte technologique comportant un jeton développement inactif et placez-le sur le jeton manche. Ah, donc là, on ajoutez le temps de développement indiqué sur la carte technologie pour plus de détails, voir page 38. Je vais juste vérifier comment il compte. Donc on choisit une techno à développer pour dans 5 ou 4 tours. C'est les espaces qui comptent. Donc, par exemple... Ouais, donc là, je vais prendre technologie. Là, on pourrait, par exemple... Donc, on va avoir au choix une éducation médicale. Chaque fois que vous utilisez un poste médical, vous pouvez traiter 2 au lieu de son effet normal. Okay. C'est bien. Une planification de la construction. Chaque fois que vous effectuez l'action bâtir, vous pouvez effectuer jusqu'à 4 sous-actions bâtir. Ouais, on n'y est pas. C'est moins urgent. Luge d'éclaireurs allégé. Chaque fois que vous déployez des éclaireurs sur une pile expédition ou que vous continuez une expédition, déplacez l'éclaireur d'une case supplémentaire. Ah, ça, c'est pas mal. Puis c'est que 4 temps, c'est rapide. Ouais. Enfin, c'est rapide. Mais peut-être c'est moins urgent que l'éducation médicale. Je sais pas. Technique de chasse. Phase météo, gagner une nourriture supplémentaire par l'eau de 2 icônes chasse. Ça veut dire que là, on aurait déjà... Ça, mais bien on sûr, veut on veut ça, tiens. Tu le mets, tu à comptes 4 espaces. Entre le 2 et le 3. 1, 2, 3, 4, je mets un 6. Hein. Ouais. C'est pas pour tout de suite. Hein. Ça va être très bien. Mais on sera peut-être mort avant. Voilà, et tu vois, ça c'est dommage parce que tu peux pas le faire à la première manche. Ce jeu est une vraie pépite pour ceux qui sait l'apprécier. Bah pour l'instant, on s'amuse bien. Hein. On souffre, mais on s'amuse bien. Bah, on souffre pas trop là encore. Non, pas encore. Mais on souffre de points de règle et ah des oui, trucs comme ça. Mais je pense que là, on commence à arriver au bout de nos questionnements. Phase de matin, je lis la carte du matin. Vas-y, attends, tu sais quoi, on va faire un petit coup de. Un petit coup de caméra rapprochée. Hop! Besoin de chaleur. La nuit devrait permettre de se reposer le corps et l'esprit. Ceci semble impossible pour nombre de nos concitoyens. Ils craignent le froid, l'étreinte du givre. Pourrions-nous économiser du combustible pour les tenir au chaud ? Promettez qu'il y aura assez de réserves pour chaque foyer, ainsi que ceux dans le besoin. Plus sain de justice, ajoutez 10 à la pioche soir. Donc il faudrait promettre qu'il y aura assez de réserves pour chaque foyer. C'est beaucoup. Nous allons préparer des réserves d'urgence, mais uniquement pour ceux dans la plus grande détresse. Ajoutez des 11. Ignorez cette demande, plus un mécontentement. Ah, ça, on veut pas. On ne va pas faire le dernier. Non, on fera pas le dernier. Est-ce qu'on fait 1 ou 2 On fait 2. Et là, on n'a pas le plus en justice. Hein. Mais sûrement que Mais là, on l'a le plus en justice. Ok. Non. D'accord. Ok. Ok. Il faut ajouter... Ajouter D011 à la pioche. Soir. Donc je vais chercher dans les cartes soir. La D011.
de la chaleur pour ceux dans le besoin. Aujourd'hui, on n'a plus le droit ni d'avoir faim, ni d'avoir froid. Et chacun pour soi. On aurait pu mettre ça comme musique pendant qu'on jouait à ce jeu. Ouais. Tu vois. Elle la lit pas. Donc l'idée, c'est qu'il faut pas avoir de meeple citoyen sans lieu chauffé pour dormir. Ouais, bon. Ouais. Galère. Et ça, on le jette parce qu'il y a ça. Ouais. Ok. Bon. Phase générateur. Alors, et ça revenait pas à zéro à chaque fois ? Non, c'est que quand ça pète ? C'est que à la fin de la phase générateur. Tu vas voir, ça va être là. Enfin, c'est... Oui, normalement, c'est... Attends, c'était... Oui, si c'était, c'était... Moi, là, on m'a rien dit de le remettre. Donc, je reviens au truc. Phase météo, phase générateur. Alors, d'abord, tu peux alimenter le générateur. Sinon, il va y avoir un... Sinon, il va y avoir un malade chez les ouvriers, si on l'avance pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a ça entre deux. Oui, c'est ça. Donc, je propose qu'on l'avance. On l'avance, parce qu'on a déjà trop... Mais ça veut dire que maintenant... On fait trop chauffer. On fait le niveau de pression du générateur. Tu prends trois cubes... De la banque. De la banque. Que tu jettes dans la tour. Oui, on a joué à ce jeu que pour ce moment-là. Jeter des cubes. Dans le générateur. De cubes. T'as vu, il n'est pas tombé. Mais là, j'ai trop bien lancé. Il va tomber. Non mais meuf. Ah, celui-là est tombé. T'en as qu'un. Ah. T'es très forte. Hein. Jolie. Et donc, on a le générateur qui commence à chauffer. Mmh. Mais là, clairement, t'as... Mais putain, tu nous les as coincés. Tu sais que tu les as coincés ? Attends. Bah, très bien. Ah, en fait, je pense que c'est un système pour, coincer, ouais. Pour au début, limiter. Mmh. Mais regarde comment ils sont tombés. Ah, c'est si beau. En fait, vous voyez pas ? Il faudrait que je vous montre. Je vais voir parce que, en fait, je vais vous montrer en enlevant ça. Je les remets bien. Hein. En fait, il y a un petit système qui permet de coincer les croix. Et je pense que c'est pour que certains soient vraiment coincés et ne tombent pas. Mm. Pour diminuer la difficulté. Passe, ouais. Voilà. Et une fois que c'est plein, en fait, comme c'est en angle vers le haut, là, tout passe, hein, après, quand c'est plein. Ouais. C'est le meilleur moment du jeu, il dit, Dolem 77. Bien bon. Sûr. Okay. Alors, peut-être qu'on peut increase la difficulté en enlevant ce bitonio. Non, je crois qu'il y a pas c'est un jeu qui n'a pas besoin d'augmenter la difficulté. Ah, d'ailleurs, ça, c'est une amélioration et il faut payer pour l'avoir. Ah, mais on l'en dit, là. Ah, voilà. Tu vois, je trouvais ça trop facile. Je le mets de côté. Jette-moi ça. T'es pas obligé de jeter fort. C'est mort, c'est sûr. Ah, c'est impossible, ils vont tous passer, là. Et puis jette de plus haut, là. Tu non, laisse-moi tranquille, c'est pas marqué, ça. On dit pas, il faut d'une certaine distance. T'as été puni parce que t'essayes de tricher. Et voilà, tout est tombé. Ah. Est-ce qu'il y a des chances pour ce que cette tour bloque vraiment quelque chose ? Ah oui, oui. Si. Si, 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 si. Si tu jetais mieux, quoi. Regarde-moi ça, il n'y a rien qui passe. Oh là là. Elle est nulle, regardez. Il y a des trucs partout, il y a des plateformes. Ouais, bah fais pas ta maline, c'est toi qui les jetteras la prochaine fois. Regarde. Ok, je les jette la première. Ouais, bah oui. Parfaitement. Ouais, ouais. Si tu okay. vas voir, tu vas moins rigoler. Ensuite, le générateur revient à zéro. Le générateur revient à zéro. Et ça fait pas plaisir. Ah, c'est maintenant ? Ah ben... Ouais. Que le générateur soit tombé en panne ou non, réinitialiser le marqueur de chaleur en le plaçant sur la première case de la piste chaleur. Oui, d'accord. Ok. Phase météo. Ah, on l'attendait celle-là. Il fait beau ou il fait pas beau ? Il fait moyen moche. Il fait nuageux. Alors, on va résoudre la phase météo en les faisant participer. Regarde. Oh. Donc, nous avons on augmente de 1 le froid. On n'aime pas. Et on augmente de 1 les bâtiments jaunes et les bâtiments oranges dans leur nécessité d'être chauffés. Ce qui veut dire que les zones, là actuellement, sont plus loin pour être chauffées. Bah, il fait plus difficile froid, à chauffer.
ça va être tendu. On gagne un de bouffe par symbole de chasse, donc nous gagnons deux de bouffe. Boum. Les petits lapins. Ça, on en avait deux. Et nous avons trois avancées d'exploration. Mais pour l'instant, nous n'avons pas d'explorateur. Et le froid, la tempête plutôt, s'avance de 1 vers nous. Ça aussi, c'est pas terrible, ça. Ok. C'est la merde, tu veux dire. Mmh. Ok. On choisit un expert. Mais... Ah bah là, on pourrait faire l'expert qui retire des cubes pression. Mais c'est peut-être un peu tôt. Hein. Toi, tu soignes, toi. Tu soignerais pas un petit coup? Tu sais que ça épuise un espoir. Donc on fait pas les experts. Moi je pense qu'il n'y a pas besoin de faire les experts maintenant. Ok. Et maintenant on peut alimenter le générateur là et passer à la phase d'action. Ok. Donc il faudrait faire au moins 1, 2, 3 peut-être. Ah oui. 3 pour alimenter les deux premiers cercles, c'est les abris. 1, 2, 3. Ok. Et après, on fait une action. Oui. On a dit qu'il fallait chercher le bois. Alors, on a un épuisé. Et ceux qui sont... Non, ils reviennent debout, d'ailleurs. Non, non. Bah si, c'est parce qu'ils dormaient au chaud. Oui, mais ceux qui dorment pas au chaud, qu'est-ce qui leur arrive? Bah, ils ont été malades. Regardez. Ah oui, c'est ça. Ça suffit, hein, déjà. Ils mouchent, là, toute la journée. Donc, on a un épuisé. Pour les jetons épuisés, je crois que c'est là qu'on sait que c'est la merde. Ils sont pas utilisables. Et ces enfants, là, ils servent à rien, quoi. Et les enfants, pour l'instant, ne servent à rien, mais parce que tu t'évertues à vouloir les protéger. Moi, je vais ramasser le bois, d'accord? Tu vas ramasser le bois, je pense que c'est une bonne décision. Avec un ouvrier là, qui vient là, qui va donc prendre deux bois. Ok. Il en reste un, bien sûr, chiffre impair, de merde. Là. Moi, je vais aller ramasser ça. Ah bon? On n'avait pas dit qu'on faisait la balise? Bah, si tu veux, mais en fait, là, si je libère ça, je pourrais... Allez. Tu veux un ramasser avec qui? Là, on a une grande tuile, t'as oui. vu? Bah oui, c'est pour ça que... Mais la balise, elle prend pas des tuiles, si? Mais non, mais il fallait deux bois pour la balise. Et on en avait qu'un. C'est pour ça que j'ai été prendre le bois. Mmh. Par contre, on peut mettre des bâtiments. Bah oui, comme une balise. Mais non, je suis pas... Je crois pas que la balise, elle se construise, c'est un truc qui vole. Tu rigoles ou quoi? Depuis tout à l'heure, on se dit qu'on n'a pas la place pour le faire. Non, non, il n'y avait pas la place pour faire d'autres bâtiments. Ah mais si, moi c'est la balise que je voulais faire. Hein. Mais la balise, on n'est pas pressé. Ah mais si, il faut partir à l'exploration. Ça met hyper longtemps d'aller découvrir des trucs. La balise a besoin d'un emplacement. Quelqu'un dans le chat sait ça? Si, peut-être. Bien qu'il parte de quelque part, non? Ouais, ouais, t'as raison. Mais eh oui, Alban... Albanor. Oui, alors le seul oui, truc. Oui, oui, il faut la poser. Tu alors, vois par contre, la balise, si on la pose, en fait, ça va prendre ton action de bâtir. C'est dommage d'aller bâtir et de pas faire autre chose. Oui, en même temps, il y a plus de bois. Non, mais il y a un autre emplacement là-bas. Oui, mais il y a plus de bois. Donc, et pour bâtir, il faut. Bah, il faudrait un atelier. Il faudrait une scierie, on a dit ici. Oui. Mais la scierie, elle ça vaut deux coûte bois. Deux. Et après, il faut l'utiliser pour transformer. Bah, moi, je trouve ça plus utile d'aller chercher une scierie pour éventuellement avoir du bois qui nous permet de construire la balise. Eh ben d'accord. Ok. 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 Oh là là. Non mais attends. Est-ce qu'on n'enverrait pas quelqu'un déneiger? Oui aussi, c'est possible. Ici par exemple, pour essayer de trouver de la forêt. Mmh. Ou ici. Oui. Essayer de chercher du bois, quoi, parce que, en fait... D'accord. Ok, alors, moi, j'envoie un perso. Qui déneige. Qui déneige, ouais. Un ouvrier ou un ingénieur? Un ouvrier. Comme par hasard. Là, je garde les ingénieurs pour des tâches difficiles. Et c'est ça. Pioche bien. Du bois! Trois. On va le mettre là, parce qu'en plus, t'as vu, il y a un emplacement vide, on peut mettre un bâtiment. Ouais. Ça, c'est cool. Une scierie, par exemple. Non, parce que la scierie, il faut qu'elle soit près des arbres. T'as pas compris, ça. Hein. Non, et ça, c'est trois comme ça. Ouais. Ah, les arbres, on n'en aura jamais d'autres. Alors, déneiger, c'est une action froide. Oui, donc t'as froid. Donc j'ai froid, je sais plus ce que ça fait. Il est malade, c'est ça? Ouais, ouais. Et faire un ouvrier malade. Deux tuiles proches.
C'est pas une seule, hein, c'est deux. Ah. Tu mets deux tuiles proches ou une tuile éloignée. Ok, bah je vais faire deux tuiles proches. Cool, encore du bois. Très bien. Tu mets trois bois dessus. D'accord, mais c'est toi qui les avais. Ah. Mais d'accord. J'ai envie de saucisson. À cette heure-ci ? Ça me donne faim. déneiger. Alors, je regarde l'action froide. À chaque fois, j'enregistre pas. D'arbres ou de ressources. Là, on aurait pu faire une loi qui fait que t'as pas froid. Hein. Il y a la loi qui fait que t'as pas froid quand tu vas faire... Ah bon ? Mais oui, oui, t'as la loi, mais il faut bouffer de nourriture. Et là, on n'a pas tant de bouffe que ça. Ouais, non. Bon, ça va. T'es à moi, hein? Merci, GG, il n'y a pas d'heure pour le saucisson. Je vais aller me chercher un graissin à défaut de saucisson. Ah. Moi, je crois que je vais encore aller chercher du bois pour qu'on puisse construire plusieurs trucs à la fois. Maintenant qu'on a mis du bois. Donc, je vais ramasser des ressources. Si je vais ramasser ici, normalement, c'est chauffé. Et on va les ramasser avec un ingénieur. Hop. Pardon. Ok. À toi. C'est tout ce que je peux faire, on fait parquet. Ah. Mais t'as vu, ça dure pas longtemps quand même, Maya. Ah, on voit qui Maya elle préfère en créant. Bah bien sûr. Non mais oh. Est-ce que ça s'appelle Rebentis Gaming ici, hein? Ouais, non, heureusement pas. Vous êtes des ingrates. C'est vrai. Tous autant que vous êtes. Alors, t'es allé chercher du bois? Oui, parce que comme ça, si on fait bâtir, on a, tu vois, plus d'opportunités. Ben oui. C'est une sage décision. Ouais. Les tentes, ça s'améliore pas, hein. C'est nul. Ouais. Ben, je vais faire bâtir. Avec qui ? Bâtir, je peux faire une balise, un faire... atelier. C'est ça qu'on voulait, c'était non, la scierie. La balise, ça coûte 3. Ouais. Et la scierie, l'atelier, ça coûte 2. Bah non, alors on va chercher encore du bois. Avec qui ? Mais envoie-moi un ouvrier, il ne sert à rien. Il sert à rien. Voilà. Okay. Et maintenant, tu nous fais une grande action bâtiment ? Ouais, avec un ouvrier. Est-ce que tu as conscience que peut-être la scierie, il faut un ingénieur pour la construire? Ah bon? Comment tu sais? C'est pas marqué dessus? Non, là, je vois. Ah, tu vois. C'est si on voulait faire un poste médical. Non, d'ailleurs, t'as dit que c'était pour l'utiliser, pas pour le construire. Ouais, c'est vrai. Mmh, oui. Donc... On s'en fout, n'importe qui peut construire un truc. Nous, les premières, on va dire demain, tu nous dis, va construire une scierie. Pas de problème, j'y vais. Avec 3, je construis une balise. Les ouvriers, ça sert à rien. Les enfants, ça sert à rien. Bah alors, Pénélope. Regarde, une montgolfière. Formidable. On va la mettre là. Ouais, d'accord. Ça va être super. Elle est bien. Après, pour 2. Elle est contente. Bah oui. T'es pas contente, toi? Pour 2, on fait une scierie. Ça va être trop bien. Bâtir, on a dit, c'est une action toujours chaude. Oui. Et avec la dernière, le dernier truc, donc avec 2... Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on refait un dortoir? Bah moi, c'est ce que je ferais. Ou... Mais tu veux pas loger tes ouvriers travailleurs? Travailleurs, travailleuses. Mm. On vous ment. On mettrait ici, par exemple? Ouais. Ouais. Hein. Mm-hmm. C'est cher, hein? Ouais. Alors... Après, tu peux payer 3. Ah non. Mais non, je peux pas. Voilà. Ouais, c'est bien. Mm. C'est à moi? Ouais. Je vais déployer un éclaireur. On a une balise. Est-ce que tu veux qu'il aille dans des ruines ou dans des grottes? Il n'est pas obligé d'aller en A? Ah si, ouais. Par exemple. T'envoies pas des enfants, on est d'accord.
Tu veux nous perdre en ingénieur ? Ouais, c'est tout ce qu'il nous reste. Il n'y a plus que des ingénieurs. Quelqu'un utilise les ouvriers à tort et à raison. Alors, pour déployer... C'est pas gratuit, si ? Si. Je vérifie. C'est même pas une action. Donc maintenant, il faut attendre. Des éclairs. Ok. Ok. Il nous reste, en fait... Lui, il peut pas travailler, on est d'accord. Hein. Non. Donc, il nous reste un seul bonhomme. Donc, il faut aller à la scierie. Non, on fait pas du bois. On fait à manger. On fait le tour après. On fait à manger. Donc on va faire 5 de bouffe ici. Bah ouais. Il nous faut 12 de nourriture, sinon on a des gens qui crèvent de faim. C'est vrai. Allez, vas-y. On va donc ici. Le sens des priorités, Reventis. Et donc ça, bah c'est bien, elle est chauffée, tout va bien. On a fini. Mm-mm. Ok. Okay. On résout les cartes des étalages, scénarios et événements. Pour l'instant, il n'y a rien. On révèle une carte soir. Non, on l'avait oublié celle-là. Non ? Quoi ? Ça, là ? Ouais. Bah si, on l'a fait le premier tour, c'est bon. Ouais, mais maintenant on le fait. Bah oui. Soupçon. La confiance peur, mais la méfiance fleurit. Donc... si on est à égalité, activez un espoir et activez un mécontentement. À égalité entre quoi et quoi ? Eh bien, si vous avez le même nombre de jetons espoir et mécontentement, on active un espoir et activez un mécontentement. Donc, en fait, ben, on n'a pas le choix. T'actives un mécontentement ? Ben non, là, ils sont activés. Non, ouais, t'actives un mécontentement. Ah ! Je sais plus ce que ça fait. Qu'est-ce que ça fait d'activer un mécontentement ? Il faut pas avoir un certain nombre de mécontentements actifs. Ah, d'accord. Ok. Je crois. Bon. C'est pas si mal. C'est une concertation qui dégage. On prend une nouvelle concertation. Méfiance. Elena joue. Quoi, pas gogo, si en plus on se fait tataner par le désespoir, miam. Méfiance. Nous devons nous méfier les uns des autres. C'est notre seule défense contre la Mais trahison. Mais moi, je me suis toujours méfiée de toi. C'est bon. Est-ce qu'on pourrait avoir un clip de cette phrase ? Déjà, on a un clip d'hier de quand même Alex quand elle dit « Non, mais toi, c'est vrai que t'es pas la menace. » C'est un peu dur. C'était dur quand même. Un peu dur, ouais. Ouais. Mais donc là, tu me dis que t'as jamais eu confiance en moi ? Merci. Non, j'ai dit « Je me suis toujours méfiée. Oh, » Je t'y reviens c'est... exactement non, même. Non, c'est le degré juste avancé. Ah, peut-être que... Ouais, il y a un scrunch-scrunch de Pénélope dans le bingo, je suis désolée. Mais je note, merci. Le scrunch-scrunch du graissin. Alors, si vous avez plus de jetons espoir que de jetons mécontents, ça c'est ce qui nous arrivera plus tard, vous pouvez épuiser un espoir pour résoudre l'effet correspondant. Si vous avez moins de jetons ou si vous avez le même nombre, activez un espoir, activez un mécontent. Et alors qu'est-ce que ça va nous faire comme saleté ? Enlever des charbons ? Un citoyen meurt à direct, quoi. Oui, mais il faut avoir le même nombre. Pour l'instant, on les utilise pas. Bah, c'est que en ce moment, on a le même nombre. Et comment c'est qu'ils arrivent les mécontents déjà ? Eh ben. Ça nous le dit quoi. Ouais, je pense que c'est des effets de cartes. Pour l'instant, j'ai pas vu. Donc ça, je mélange. Mm. Je me demande si on n'a pas loupé un truc. Ouais, mécontentement, que ça viendrait à un moment donné. Mais là, j'ai tout lu. Hein. Mm. Donc, remettez les jetons citoyens épuisés et les meeples dans la réserve. Donc celui-là, tu le retires parce que. Non, pas le meeple. Le meeple, tu le gardes. Mais il est plus épuisé, il s'est reposé pendant tout un tour. Voilà. Et là, tu remets tous les meeples qu'on a utilisés dans la réserve. Ouais. Ça, sauf lui, qui est parti en explos. Il est parti. Destination Baïa. On couche les meeples dans les abris chauffés. Oui, alors là, on a 2, 4, 6, 8 places. Oui. On a dit les enfants en premier. Ouais. Donc 2. Les ingénieurs. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Bon bah il y en a un qui est malade. Attends. Quoi ? Si on augmente ça, il vaut mieux mettre un ingénieur malade. Parce que si on augmente ça ici, on va l'activer, on va devoir le retourner et ça va nous faire un malade grave. Donc on a un ingénieur malade. Ok. Tu vois, je suis pas un monstre. C'est pas quand lui atteint lui. On s'en fout que lui atteigne lui. On réactive ici.
Ah oui, ça on aime pas. Je sais plus à quel moment d'ailleurs. Je crois que c'est à cette phase-là. On est où là? On est soir. Je sais pas, c'est pas marqué. Monde, c'est pas la phase fin. Ouais, bah, ça sera pas là-dessus, ça sera peut-être sur ton. Mais en l'occurrence, là, pour l'instant, on n'a rien à résoudre. Ok. Donc tout va bien. Salut Zaza la Dodu, bon week-end. Donc résolver et réinitialiser le marqueur fin. Alors là, c'est la merde. Hein. On nourrit tout le monde. Attends, parce que... Non, on nourrit pas tout le monde. On nourrit les ingénieurs. On nourrit les ingénieurs. Ils sont 12. Ils sont 12. Bam. On est bien. Pour l'instant, la fin ne bouge pas. Ouais. On nourrit les citoyens indiqués par la manche en cours. Bah c'est ce qu'on vient de faire, non? Oui, oui, c'est ça. Ah oui. D'abord, en fait, normalement, tu résolves le marqueur fin. C'est-à-dire que tu regardes ce qu'il fait, puis tu baisses la bouffe, puis ensuite tu nourris. On remet les jetons citoyens épuisés et les meeples dans la réserve. Mais ça, j'ai déjà fait. C'est les jetons. Ouais, mais en fait, on l'a fait... Trop tôt. Trop tôt. On couche les meeples citoyens dans les abris chauffés. On l'a fait. Trop tôt aussi, alors. Bah, c'est bizarre. Chaque meeple citoyen sans le chauffer tombe malade. Ça, on le fait. Ah, on l'a fait avant. Ok. Aube. On passe le marqueur dirigeant. Je redeviens le chef. T'avances le marqueur de manche. Alimenter le générateur là pendant la phase nuit. Mais on était bien. Ouais. Ok. Bah là, tout le monde dormait, hein, ouais. Au chaud. Okay. C'est important à checker. Troisième manche, et alors là, c'est la merde. Bah parce que là, il faut nourrir les ouvriers. Et ils sont 22. Donc là, on va avoir une famine. C'est inévitable. Il nous faudrait 20 bouffes. C'est beaucoup. Mais, avant ça, on avance le marqueur de manche, on résout les jetons développement pour l'instant, pas encore. Mais au prochain tour. Ouais. Tant mieux. Qu'est-ce qu'il y avait déjà quand on va arriver là? On voulait quoi? Comment ça se fait qu'il arrive si tôt le marqueur développement? Je pense que tu t'es trompé. De quoi? Le marqueur développement, il est pas là. Ah si, c'est 4. Ah oui, si, d'accord. Oui, oui, t'as raison. Et il se passera ça, là? Oui. On a fait la balise, donc c'est bon. Oui, on a fait la balise. Ah, tout va bien. Tout le monde va mourir de faim, mais on est bien. On résout une carte matin. C'est moi, ça? Ouais. Fournir des abris. Tu peux leur montrer? Le générateur nous permet de survivre, mais il ne remplace pas un abri. Les gens veulent un toit sur leur tête et ils le veulent maintenant. Promettez que plus personne ne dormira dans le froid, plus un de motivation. Franchement, on y est presque. Hein. Ouais, on pourrait. Hein. Il nous reste qu'un seul. Comment on augmente la population dans cette histoire? Ouais, on se demande. Faut qu'ils fassent des bébés. Est-ce qu'il y a eu un moment où on a loupé quelque chose? Est-ce qu'il y a la tente comme dans l'âge de pierre pour aller faire des bébés? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le chat qui sait à quel moment la population augmente? Elle doit augmenter. Hein. Mais peut-être avec des événements. Plus sain de motivation. Moi, je pense qu'on peut promettre que tout le monde aura un abri chauffé. Ouais, je suis d'accord. On prend la carte D008. Dans les trucs bidules. Non, ça se fera au cours du jeu et des événements. Ok, okay. Merci Dolam. On adore la présence de ceux qui connaissent les jeux. Oui. Dans le chat, c'est vraiment super, quoi. Pour nous, c'est un luxe. Voilà. Avez-vous fourni un abri chauffé? Ah, attends. Parce que... Là, je devais rajouter... J'ai rajouté, oui, une carte concertation, je l'ai rajoutée. Avez-vous fourni un abri chauffé à tous? Donc... Ça, c'est ce qui se passera. Ça peut nous donner ou nous enlever un espoir. Ouais.
Ok. On est à la phase générateur. Si on met pas de charbon, il y a un ingénieur qui va être malade. On a pas mal de charbon à aller chercher. Oui. On va le faire, non? Mais attends, on doit se focus sur la nourriture, là. Ah ouais, ça t'embête pas, mais si... Mais c'est... ça nous empêche pas, ça. Le charbon, ça vient pas gérer la nourriture. C'est pour éviter qu'on ait un ingénieur malade. Pourquoi on le ferait pas, en fait? Bah parce que l'ouvrier... Non, t'as raison. Ça nous coûte pas d'action. Ouais, alors prenons... Oui, non, si, c'est ça. Ça nous coûte la ressource de charbon. T'as les charbons qui sont tout seuls sur des zones. Ouais. Ok. Donc il n'y a pas de malade. Et on prend autant de cubes de charbon qu'indiqué par la position de marqueur sur la piste de chaleur. Donc là, c'est à toi de jouer. Là. Donc t'en prends 3. Ouais. Et tu vas les lancer. Regarde bien. Ouais, je regarde. Regarde la professionnelle. Regarde bien ce qui se passe. Ok. Bon, il y en a peut-être plusieurs qui sont tombés. Peut-être que tout est tombé. Bah, les 3 sont tombés. Ah, bah voilà. J'ai essayé de les entrechoquer entre eux pour qu'ils... Comment on construit ce machin? C'est quoi comme bâtiment? Je le veux. Lequel? Ça, qui fait ça. Bah oui, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est où? Bah, je sais pas. T'es sûr que c'est bien? J'ai l'impression qu'on l'a même pas dans les trucs de base. Comment on construit ça? On l'a pas, hein. On l'a pas. Ok. Amélioration générateur. Ouais. Pour l'instant, on l'a pas. Mais alors, du coup, c'est juste, il faut améliorer le générateur. Faut que tu construises l'atelier pour améliorer le générateur. Ouais, l'atelier, ça fait un moment qu'on se dit qu'il faudrait qu'on le fasse. Générateur. Atelier, retirez un. Première fois que vous dépensez un noyau de vapeur lorsque vous effectuez l'action. Noyaux, on n'en a pas non plus. Hein. Oui, mais il faut les trouver. Bah oui, donc il faut aller explorer. Ouais. Peut-être que c'est sur ces tuiles loin. Ouais, peut-être. Pas sûr. Phase météo. Donc ça revient sur zéro. Hein. Ça, on n'est toujours pas content. Et ça a augmenté à chaque fois? Ça réaugmente tout seul, ça? Non, c'est à la phase météo. C'est à la phase météo. Ok. Ah bah c'est maintenant. Ouais, voilà, phase météo. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a plus un de... On a la même chose. Ah, notre explorateur, il arrive au bout de son exploration. Ah, ça fait plaisir, ça. Donc, ça fait un jaune, un orange qui monte. En effet. Un froid. Deux bouffes. Ouais, ça c'est pas du luxe. C'est pas du luxe, non. Et 3 d'exploration. Et alors là, on a le choix, en fait, c'est important de le savoir. On peut soit monter de 3, 1, 2, 3, et résoudre, ouais. À ce moment-là, retourner la carte, ou se dire qu'on veut continuer et prendre la carte ruine, qu'on met comme ça, ouais. À ce moment-là, et on le met au premier emplacement ici. En se disant que peut-être c'est mieux en B. C'est sûrement mieux en B. Maintenant... on a bien envie de voir ce que ça fait de retourner une carte. Voilà. Il faudrait améliorer la balise. Pour, oui, il faudrait qu'on fasse l'atelier. Ouais, je pense qu'il faut faire l'atelier. Mais vite. L'atelier, c'était combien l'atelier déjà? Et il faudrait faire une autre cabane de chasse. L'atelier, c'est un bois. Il faut faire une autre cabane de chasse. D'accord, mais là, on en est là. On résout. Qu'est-ce ou qu'on continue fait? Ben, je sais pas. Moi, je suis curieuse, hein, j'ai envie de résoudre. Moi, oui. On sait pas, tu vois. Puis surtout, ça nous le fait revenir. C'est une grotte. Tiens. Peut-être il revient, parce qu'en fait, là, j'ai un choix. Grotte, étoile trompeuse. On voyait très bien une étoile brillant dans le firmament. Un guide, et pas seulement pour nous. Nous avions trouvé 3 séries d'empreintes provenant d'une grotte. Quelques jours auparavant, nous avons trouvé un premier corps, et ceci a atteint notre morale. Nous venons de trouver les 2 autres blottis autour d'une boîte décorée contenant a priori de l'or et quelques morceaux de résine très odorants. Nous avons ignoré leur trésor et n'avons pris que les provisions nécessaires. Ah, et l'or n'a plus trop d'importance. Il est temps de rentrer, donc on peut rentrer et gagner 3 charbons et 2 nourritures. Ah ouais, c'est un peu la vie. On peut laisser et suivre l'étoile, gagner 3 charbons et 2 nourritures et on prend la route B. Ah, donc on les gagne quand même et puis continue. Non. Non. Ah oui,
gagner. Laissons-les, suivons l'étoile, gagner 3 charbons et 2 nourritures et tu passes en B en fait. Mais je vois pas l'intérêt à... Mais comment ils viennent directement ou on récupère quand même les trucs alors qu'ils reviennent pas? Ouais. C'est étrange, non? Oui. Alors attends, je vais regarder. Alors, Dolam, il dit que sur les cartes Explo, on a les icônes pour savoir ce qui va peut-être être trouvé pendant l'exploration. Sur le verso, j'imagine. Ben là, il n'y avait pas grand-chose. En haut à droite, peut-être, c'est ça? Le sac. Ouais, le sac, ça doit être ressource. Ah oui, tu peux trouver des gens. Ouais. Le campement, par exemple, tu peux trouver ouais. des nouvelles personnes. Ouais, j'imagine. D'accord, ok. Donc là, on avait des ressources. Gagner 3 charbons et 2 nourritures. Donc, on pourrait avoir des meeples supplémentaires ou commencer, tu vois, là-bas, mais c'est loin. En haut à droite, ouais, d'accord. Donc, moi, ce que je veux voir en exploration, c'est comment ça se passe au niveau des gains. En fait, on aurait pu éviter le lieu. Puis résolvez le texte de la façon. Si la carte propose un choix, choisissez une option. Chaque option soit rentrée alors que toutes les cartes expédition peuvent... Continuez. Laissez la carte expédition face sombre visible. Piochez une nouvelle carte expédition de la pioche indiquée B ou C sous la flèche. Placez cette carte sur la pile expédition au-dessus de la précédente de façon à recouvrir la carte expédition précédente. Alors attends... D'accord. Ah oui, d'accord. On gagnera tout plus tard. C'est bon, j'ai compris. Donc en fait, là, vous allez voir. On va mettre la carte comme ça. On va dire, oui, d'accord, ça, on va le gagner, mais plus tard. Et on va laisser notre expédition, le mec en expédition, on met la carte ruine ici. Comme ça. Et mettre le petit bonhomme comme ça. Et donc lui, il gagne effectivement 3 charbons et 2 nourritures, mais il ne les gagnera que quand il rentrera au bercail. Bonsoir. Salut Flymos. Nous, ce qu'on se demande, c'est comment on trouve des générateurs, là, justement. Il faudrait le truc qui permet de ramasser 3 ressources, surtout parce que c'est vraiment pas pratique ces ressources qui restent toutes seules là. Alors, elles vont où les ressources? En fait, elles restent là, mais on les met apparentes et il continue son explo et on gagnera tout quand il revient. Ah. Moi, je pense qu'il faut faire ça, non? Tu veux un bout de barre céréale? Tu t'étais pris des petites barres céréales. Non, pour survivre dans le froid. Mais tu sais que j'en ai. Oui, mais c'est pas les mêmes. Je comprends. Tu devrais acheter quelques biscuits que tu laisses ici. Ouais. Okay. Alors, il continue ou on le ramène? Bah, moi, je pense qu'il continue, non? Allez, encore. On est chaud de savoir ce qu'il peut trouver plus loin. Je suis d'accord. Il faut déneiger pour trouver des choses, machin. Bah, j'imagine, ouais. Ok. Donc là, on en est à phase météo. Et on déplace le marqueur tempête de 1. Ah ouais? Ouais. Ok. Là, ce coup-ci, on n'enlèverait pas de la pression, là? Avec l'expert du générateur? C'est une action, là. Tu peux aller faire l'action qui supprime de la pression. On s'en fiche. Mais c'est à toi. Ben, remarque, ça nous évite d'utiliser une action. Mais on perd un espoir. Ça dit quoi? Épuiser, rejeter, re-quoi? Retourner, hein. Retirer jusqu'à 3 cubes pression. Seulement si vous épuisez un espoir. Donc on n'a pas envie, en fait. Remarque, ça nous évite d'avoir à faire l'action pression encore à ce tour et ça nous économise un meeple, hein. Tout le principe, c'est d'économiser des meeples.
Comme on est un peu short. Ouais. Ouais. Mais c'était pas bon là pour tous les événements qu'on a là. Hein. Bah il faut faire des actions. Faut faire ça là. Faut aller chercher de la. Ah non, parce que c'est payé en nourriture. Et puis lui. Putain. La justice. Ouais. Et on en enlève 3. Ok. Ok. Résolver les effets de marqueurs maladie. Donc c'est là qu'on résout les effets de marqueurs maladie, mais les marqueurs maladie n'étant pas sur des faces, on n'a pas de problème pour le moment. Phase préparation, phase action, bah donc maintenant on agit. Bah on peut alimenter le générateur. Il y a deux. Moi je peux faire jusqu'à 3 effets ateliers là. Si on fabrique l'atelier, moi j'ai un mec qui me permet de faire 3 effets ateliers. Ouais, d'abord. On a très très froid. Hein. Ouais, on a froid. Donc vas-y, paye. On n'a pas de cube. On en a 2, on va arriver là. Donc déjà, ouais, ça veut dire que le personnage qui va aller chercher du charbon dans un premier temps. Il va avoir froid, il va se geler les miches. Sauf ici, là. Non, non. Ben, ici, c'est pas tout autour de la. Ouais, c'est ça. Donc il faudrait que le jeton arrive jusqu'ici. Ouais. Ouais, ouais, on en a que 2. Donc ça change rien qu'on augmente un nombre. Non, ça change rien. Mais bon, ça, c'est bien pour le moral. C'est bon pour le moral. C'est quoi le truc qui permet de rapporter 3 ressources là à chaque fois? Parce que là, il y a un truc qui va pas là. Un bâtiment? Non, c'est la technologie, c'est ça? Non. Il n'y avait pas un truc qui permet de ramasser des trucs en plus? Je vois pas. Parce que là, les ressources toutes seules, ça fait chier. Hein. On a, regarde, là, on a un bois. Ça encombre, ça empêche de construire. Et c'est. Bah oui, c'est pénible. Bon ouais, c'est de la merde. Là, on a très très mal joué. Je pense qu'il y a un moyen de récupérer avec des. T'as pas des ouvriers qui permettent de ramasser un en plus, toi? Non. J'avais l'impression d'avoir vu quelque chose. Je me demande si c'était pas un bâtiment, moi, amélioré. C'est possible. Mais je sais plus quoi. Poste de collecte. Oui, c'est prenez ça. Prenez une ressource dans chaque case adjacente et placez-les dans la réserve. C'est ça, donc il faudrait mettre un poste de collecte. Par exemple, ici, ou, ouais, ou là. Ça permet de vider des zones, quoi. Mais c'est les cases adjacentes. Hein. Ça, c'est bien quand on a bien exploré. Là, c'est cases. Moi, je pense qu'il faut qu'on explore. Si tu pourrais prendre là et là, mais c'est pas gratuit un poste de collecte. Moi, je pense qu'il faut qu'on explore. Il faut qu'on explore un max et qu'on finisse avec un poste de collecte. Ça coûte un bois, on les a pas un bois. Mets-moi un mec qui va explorer. De toute façon, c'est une action froide. Un qui? Un ouvrier. Tu fais déneiger? Non, d'ailleurs, mets un ingénieur. Prochain tour, c'est les enfants qu'on doit nourrir là? Non, c'est les ouvriers. C'est les ouvriers là. Je vais faire déneiger. Donc c'est une tuile loin, c'est ou deux tuiles loin? Deux proches ou une éloignée? Fait deux proches ou une éloignée? Deux proches? Ouais. Non, tu veux aller chercher. Je pense que c'est des, non, ça doit être des noyaux et tout ça. Tout au bout. Oh putain, deux bois, un bois, c'est nul. Un bois surtout, c'est pénible. Et voilà, ça recommence. Deux bois et un charbon, tu vois, c'est de la merde. Et par contre, tu vois, si on met un bonhomme là... Ah merde, il y a déjà une tente. Non, ouais, on peut pas, il faudrait démolir la tente. Ouais. Pour la reconstruire ailleurs. Bon, là, on met deux bois. Là, on met deux bois. Et là, on met un bois. Il faut un charbon ici. Ok. Ben, ça c'était mon action. Action déneigée. Par contre, et par contre, il a froid, donc il est malade. C'est un ingénieur. Bleu, ouais.
Il va falloir soigner aussi. Bon, c'est la merde. Tu veux... Ben, je pourrais aller ramasser les bois ici. Pour qu'après, avec les bois, ici, on fasse un poste de collecte. Chauffer, il faut chauffer, sinon tout le monde va avoir froid. Ah ouais, on n'a pas le choix. Lui... Non, mais il faut que tu ailles chercher du charbon. Mais c'est dommage, parce que ensuite, si tu viens là avec le poste de collecte, tu vas pouvoir prendre ça, ça et ça. Et après, on chauffera, non? Oui, mais le poste de collecte, il faut l'utiliser. Et tout ça, c'est des actions de froid oui. qui gèlent. Oui. Alors, si tu fais bâtir, mais tu n'as rien pour bâtir, tu n'as pas de bois. Et si vas chercher du bois, tu vas tomber malade. Bah oui. Non, va chercher du charbon, comme ça, au tour suivant, tu peux mettre du charbon dans la tour et on n'aura pas froid. En fait, j'aurais dû aller chercher du charbon là. Mais comme l'action déneiger, de toute façon, est une action froide, ça nous, je risque rien. Mais là, il faut que toi, tu ailles chercher du charbon. Si tu veux, mais bon. Ben non, mais sinon, tout ce que tu vas faire, tu auras froid. Oui. Mais dans tous les cas, je crois qu'on... Pourquoi on a que deux cubes? Ils sont où, les autres? Ben, il n'y en avait que deux, là. Non, mais on avait deux cubes dans notre réserve. T'as chauffé? Mais oui, j'ai chauffé. Ah oui, t'as chauffé, mais pas assez encore. Donc ça, c'est ton action. Et il a froid. Et t'as froid. Ben oui. Donc, ouais, prends un ingénieur. Parce qu'en fait, là, si on le monte, lui, il passe au cap suivant. Tu vois ou pas? Oui, je vois que t'es en train de virer Alpha. Mais non, mais tu vois si, bien. Si, tu te calmes. Bah, je t'explique. Bah, vas-y, tu veux prendre un ouvrier maintenant? Non, laisse-moi tranquille. Voilà. Donc, de toute façon, tu voulais pas faire travailler les ouvriers. Le bâtiment poste de collecte permet de ramasser une ressource sur chaque case de chaque tuile adjacente. Ouais, on a vu ça. Et c'est pour ça qu'il faut explorer un max. Donc là, maintenant, moi, à mon tour, je chauffe. Je prends les deux cubes et ça va chauffer les deux zones proches. Donc là, maintenant, on a plus froid dans la zone centrale. Et je vais aller chercher du bois. À qui? Ah bah, un ouvrier, c'est tout ce qui nous reste. Et je vais aller là. On pourrait effectivement construire un truc là, mais non, ça va... Ben, c'était utile après... quand il y avait les deux bois ici. Oui, mais après, on peut explorer enfin, ici. On peut explorer ici aussi. Mais non, mais non, mais non. Les deux bois, ils viennent dans le trésor. On va bien les garder, ouais. À toi. Et on n'a toujours pas été chercher à bouffer. Hein. Non. Je pense qu'il faut qu'on en mette un hein, de poste de collecte. Moi, je pense qu'il faut mettre les enfants à travailler. Non, il faut, faut faire quelque chose avec le poste de collecte, là. C'est trop pénible. Mais là, le poste de collecte, si tu le mets, tu vas récupérer... Là, là-bas, tu récupères deux charbons. Deux, ben non, deux ici charbons. Aussi. Deux. Oui, mais à droite, c'est pas adjacent. Quoi, là? Ouais, c'est case adjacente. Ah bon, ça, ça touche pas, ça? Non. Là, tu ramasserais ça et ça, donc je vois pas l'intérêt pour l'instant. Pour l'instant, il faut qu'on aille chercher éventuellement des tuiles ici pour que ici il y ait un bâtiment qui ait plus d'adjacence. Mais ça demande de bâtir le bâtiment de collecte. Mm. Donc il faut des ressources, il faut du bois. Il faut deux, ouais. Donc ça veut dire qu'on on fait une action de bâtir juste pour construire un bâtiment alors qu'on a trois actions. Moi je pense. Ah non, c'est un bois le bâtiment de collecte. Non, moi je pense qu'il faut le faire. Hein. Parce qu'après on va ouvrir ici. Et donc on pourra aller, tu vois, mais on tu te rends pas compte, on a plus que 4 meeples, on peut pas faire ça. Pour récupérer, on va récupérer, tu te rends pas compte, ça va te coûter 3 actions pour récupérer 3 pauvres ressources, quoi. Ça va pas coûter 3 actions. Alors on peut aller jusqu'au bout, mais il va falloir explorer. Non, il faut d'abord bâtir. Non, je dis tu mets pas le bâtiment. Ensuite, il faut utiliser le bâtiment. Mais avant d'utiliser le bâtiment, il faut avoir ouvert ça. Bah oui, c'est ça, c'est donc, pas pour il tout faut... de suite. Oui, mais ah non, mais il ne faut donné, pas le faire falloir... maintenant. Mais il va falloir le faire. Hein. Bah, je suis d'accord, mais bâtissons-le avec d'autres choses. Là, on n'a que deux bois. Parce qu'on a quatre bonhommes, là, encore, quand même. Bah oui, mais on peut en envoyer un autre chercher du bois, comme ça, on si a quatre veux. Bois, et on peut bâtir plusieurs bâtiments. On a dit qu'ils auraient chaud, tu te souviens? Oui. Donc, le fait de libérer ces cases-là, c'était aussi pour pouvoir mettre un dortoir. Mais je suis d'accord, mais en fait, si tu fais le bâtiment de collecte, que tu utilises le bâtiment de collecte... Ouais, ça te fait deux bonhommes. Non. Oui, mais... Ouais, d'accord. Bah, vas-y. Mais c'est très con de faire deux actions pour récupérer deux ressources. Quand tu peux en récupérer deux avec une seule action. Oui, mais tu libères la place pour faire... Sinon, tu l'as fait où, la tente, là? Oui. Il y a des bonhommes partout. Mais tu peux faire d'abord aller chercher du bois. Mais non, t'auras un meeple. Tu pourras pas construire la tente, tu auras un meeple dessus. Oui, mais tu peux aller chercher du bois pour construire d'abord, ensuite, ton bâtiment, puis autre chose. Tu peux construire là-bas, tu peux construire là...
on va pas faire juste un bâtiment de collecte avec une action bâtir, on a trois actions. Ou alors on... Ça veut dire que tu fais juste ton bâtiment de collecte mais pas d'abri. Ah. T'as pas le choix parce que t'as pas de place là pour faire l'abri. Mais si, là. Mais ils vont avoir... Non, ils sont chauffés. Ok. C'était à qui là? En plus, on peut le mettre là si on veut, mais... Mais de, tu peux pas. Je trouve ça dommage de faire une action de bâtir. On va pas y arriver. Hein. Non, mais je trouve que c'est dommage de faire une action de bâtir. Pour bon, est-ce qu'on est d'accord qu'il faut aller chasser? Ouais. Voilà. Donc je vais aller chasser et toi tu feras ce que tu veux après. Ouf. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Mon chien. Allez, vas-y. Bah, moi je vais aller chercher du bois voilà, encore. Tiens. Parce que là ça vide une zone en plus. Hop. Ok. Il reste deux bonhommes. Et 4 bois. Et on a 22 personnes à nourrir et seulement 9 nourritures. Ben oui, on est bien d'accord. Et la cabane de chasse, c'était en bois. On peut faire une deuxième cabane de chasse là-bas. Et un bâtiment de collecte. On s'en fout qu'elle soit loin, la cabane de chasse. Non, on s'en fout pas. Parce que le bonhomme qui va aller dessus... Il aura froid, c'est... Oui, mais là... On peut la mettre loin et se dire que c'est, ça va quand même nous rapporter le symbole de chasse. Quand on utilise le générateur, ça faisait quoi? Ça enlevait les cubes pression, hein? Oui. Mais là, c'est pas utile. T'as enlevé les cubes pression avec ton perso. Ouais. Mais en fait, elle voudrait qu'on ait 18 actions par tour. Moi, je pense qu'il faut qu'on aille faire au moins une cabane de chasse et qu'on l'utilise. Et on peut pas l'améliorer parce qu'on a plus ton bonhomme. Donc on avait dit qu'on faisait l'atelier pour deux. Non, mais là on t'avait parlé de cabane de collecte. Ouais, mais on a dit qu'il fallait faire l'atelier. Il faut tout faire. Maintenant, est-ce que l'atelier est urgent par rapport à au bâtiment de collecte? Je ne sais pas. Je pense que le bâtiment de collecte, c'est intéressant de le mettre quelque part où il y a plein de ressources et où pendant plusieurs tours tu vas pouvoir y prendre plein de choses. Ah oui. Mais on va pas le faire ce tour-ci là. Tu m'as dit qu'on le faisait pas ce tour-ci. Mais j'ai pas dit qu'on le faisait pas ce tour-ci. J'ai dit que... Ah, elle comprend rien. Ah là là. J'ai pas dit qu'on le faisait pas ce tour-ci. J'ai dit que je ne voulais pas le faire juste là, quand on avait que deux bois, parce qu'on ne pouvait faire que le bâtiment de collecte. Maintenant, si tu fais l'action bâtir, tu peux faire le bâtiment de collecte et autre chose, parce que t'as récupéré du bois. T'as compris? J'ai pas dit que je voulais pas le faire à cette manche. J'ai dit que je voulais pas le faire à mon tour. Oui, d'accord. T'as compris? Oui, oh okay. Là là, nom de chien. Bon, je vais construire. Je construis pour deux, non, pour un, une cabane de chasse qu'on va aller mettre. On va aller mettre ici. Ça me semble bien. Ensuite, je construis. Bah. Soit je refais une cabane de chasse. Bah, en fait, on a deux choix. Soit je fais l'atelier. Moi, je pense qu'il faut soit faire. Soit je fais une cabane de chasse et l'atelier, on a la place pour mettre les deux. Ouais. Mais ils dormiront. Et le bâtiment de collecte. On le fera pas. Mais pourquoi? Mais parce que on va attendre d'avoir ouvert ici. Ou là, on le mettra par là-bas en ayant ouvert par là-bas. Mais là, il faut qu'on bouffe. Il faut qu'on bouffe et qu'on dorme. Mais c'est surtout que ce bâtiment, si on le met là, il vide pas cette zone. En plus. Donc ça, au moins, ça résout le problème. Donc on met l'atelier. Bah, en fait... L'atelier, on s'en fout qu'il soit loin, il est toujours chaud. Moi, je pense qu'il y a la tente qui est importante, mais... Parce que mais on peut faire les deux. Non. Non, c'est trois. Oh, purée. Non, on a promis que tout le monde en aurait un abri. Non, alors attends, combien on a de meeple? Mais je suis dans mon action bâtir. Non, mais combien on a de meeple? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est ça? Ben oui, bah c'est con. Depuis le début. Parce qu'on a 8 abris. Ben oui, il nous en manque un. Ah, chier. Il faudrait qu'il y en ait un qui crève. Quel rat. Ou qu'on en envoie un. Mais je la pressais pas, je lui expliquais par A plus B comment c'était pas rentable de faire son action au moment où elle voulait la faire, puisqu'elle dépensait tout le bois et elle ne faisait qu'une action. Je sais, faut arrêter de dire que je suis un chef. Hein. Mais tu es un chef. Non, je t'expliquais. Je t'expliquais que construire le bâtiment de collecte à ce moment-là, est-ce que tu peux me répondre par oui ou par non? Oui, c'est vrai ce que je dis. Que si tu avais fait l'action de collecte au moment où tu voulais le faire, tu ne pouvais faire que ce bâtiment-là. On est d'accord?
Et on a trois actions bâties. En fait, ce qui se passe, c'est que moi, surtout, j'avais pas compris que là, c'était pas adjacent. Oui. Pour moi, quand tu mettais un bâtiment là, tu récupérais toutes ces cases-là. Si ça, c'est pas adjacent à ça, ça n'a pas d'intérêt. Non, mais au-delà de ça, ça veut dire que tu ne faisais qu'un bâtiment. Tu faisais pas de dortoir, tu faisais pas de tu t'avais pas assez de bois pour faire plus. C'est ça que je lui ai expliqué, les gars. Arrêtez de prendre des parties, c'est casse-couille à la fin. Ça me saoule. Vous êtes chiante, de toute façon. Vous prenez toujours le parti de Marjorie, de Rebentis. Ah bah voilà, ça y est, vous vous faites engueuler de nouveau. Je vais arrêter de faire des lives, moi, ça va être plus simple. Une fois par an. Bah ouais, là, en ce moment, il m'énerve, de toute façon. Mais c'est parce que, en fait, je suis pas joueuse alpha. Je suis joueuse alpha, ça c'est vrai, je suis joueuse alpha. Mais là, j'étais pas alpha, là, j'essayais de lui expliquer un truc et j'arrivais pas à me faire comprendre. Ça n'a rien à voir, je voulais pas lui imposer mon choix. Je lui disais juste que... on allait dépenser beaucoup et qu'on n'allait plus avoir de quoi faire ni un dortoir ni une... Mais je vous emmerde, moi, je vous... Allez tous vous faire foutre, je vous aime plus. Voilà, hop, c'est fait. C'est ton tour. Allez, qu'est-ce que tu veux faire avec le dernier bonhomme? Avec le dernier bonhomme, eh ben je ne sais pas. Ah bah voilà. Mais non, je sais pas. Si, on peut aller chercher à manger, c'est quand même important, non? Mais oui, j'ai fait une cabane de chasse, c'est pas pour la regarder. Alors elle me demande, mais en fait elle sait quelle réponse elle veut, vous voyez? C'est ça le vrai alpha. Le vrai alpha... Le vrai alpha, c'est de te faire croire que c'est l'autre qui t'impose ta décision. Ben moi, j'aurais dû faire la bébête, tu sais, là. J'aurais dû faire, je sais pas. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Bah, t'as dit, je sais pas. Alors que c'est toi qui m'a dit, on fait une cabane de chasse et tout ça. Oh non! Mais si, il faut manger. 1, 2, 3, 4, 13. Bon, bah, on va en perdre 10. Moi, je pense que dans tous les cas, ça allait pas bien. Ok. Trop d'amour déversé d'un coup, ouais, c'est clair. Depuis qu'il y a cette histoire de bingo, on se fait engueuler, ça va plus. Non, non, mais j'aime pas me faire chambrer trop. Il y a un moment, vous êtes quand même nombreux dans le chat, et j'aime pas me faire chambrer trop, comme n'importe qui. Mettez-vous à ma place. 10 personnes à la fois qui vous regardent en rigolant, ça n'est pas agréable. Tenez-vous le pour dit. Mais après, j'ai qu'à pas faire des lives, hein, je me mets en pâture. De vos moqueries. Tiens, regarde comment je les fais sentir mal à l'aise. Là. Hein? Tu vois? Je me sens mal là. Ça marche bien. Non, mais toi, je t'aime bien. Ah bon. Mais vous, non. Non, vous, non. Bon, ensuite, qu'est-ce que je disais? Bah, qu'on a fini et que c'est la cata. Ouais. Bah, si, là, ça va pas bien se passer. Hein. On a 22 mecs qui ont à bouffer, on a 13 bouffes. Il y en a 10 qui vont crever la dalle. Ah oh, putain. On a fait tout ce qu'on a pu sur la bouffe. Bah, je sais pas. Bah, on sait. Bah, c'est. La meuf qui veut pas culpabiliser. Qui veut pas t'embêter, tu sais. Genre, si c'est de balise qu'on a construit un peu trop tôt. Mais non, il fallait qu'on la fasse. Non, mais on l'a au bon moment. On l'a au bon moment. Par contre, est-ce qu'on aurait pas dû faire revenir. Il y avait de la bouffe avec le mec? On a pas dû faire revenir. Ouais, il y avait deux nourritures. Ouais, bon, c'est pas fou. Si, c'était pas mal. Mais bon, c'était pas fou. Donc. Là, c'est la grosse merde, mais je pense que c'est le moment où le jeu te dit, bah, tu voulais faire genre, t'allais t'en sortir, mais en fait, pas du tout. C'est évident qu'en mettant les ouvriers aussi loin, ils vont tomber malades fort et il va se passer des trucs. Il faut bien que le jeu, à un moment, devienne difficile. Ah bah, je crois qu'il regarde, on a Raph qui nous raconte qu'il a laissé tomber, qu'il fallait être maso pour ce jeu. Ouais. Il y a pas mal de jeux coop hein, qui font appel quand même au fait d'aimer souffrir. Hein. Je suis sage moi hein. Bah ouais GG mais GG il me blague mais il me chambre jamais GG il est si bien. Bah c'est le meilleur, c'est voilà. Tout. Mettez-vous à la hauteur de GG. Je sais pas si vous y arriverez hein. C'est pas gagné. Alors ok, on passe à la phase soir. Ouais okay. Donc c'est résolvez les cartes des étalages scénario et événements. Résolvez et alors, la carte soir. C'est maintenant qu'on aimerait qu'il y ait le truc. Vous avez trouvé... les abris. Parce qu'on a mis des abris pour tout le monde. Ouais. Avez-vous fourni un abri mais non, il en manque un. Mais non, on a tout le monde. Mais non, on a 8 on a et fait y le dortoir. Mais non, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh là là, on a même de la place pour un nouveau. Voilà. Placez cette carte dans l'étalage événement. Ah, à la fin de la phase nuit, si chaque meeple... Ah putain, c'est pour tout le temps maintenant. Ah, c'est bien ça. Et si chaque meeple a un citoyen, un lieu chauffé pour dormir, on active un espoir. Ah, très bien. Bah, t'actives un espoir. Mais pas maintenant. Si, si. Bah, à la fin de la phase nuit. C'est maintenant, tout de suite, quoi. Ouais.
Mais on est au soir là. C'est pas maintenant la fin de la phase nuit, c'est quand on est les. Mais là, je fais la phase noire, révéler et résolver une carte soir. Oui, mais on te dit phase nuit. Ah oui, d'accord, c'est après. Phase fin. Ouais, bah là, non, ça, c'est pas bon. Là. Réduisez la faim en dépensant autant de nourriture que possible. Ça, c'est bon. Et là, nourrissez les citoyens indiqués par la manche en cours. Donc là, c'est la merde, parce qu'il nous en faut 22 et on en a 13. Donc on enlève toute la bouffe déjà. Et 22 moins 13. 11. Non. 9. T'es sûr? 13 plus 9. Hein. Ouais, je préfère tes maths. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. C'est la merde. Il se passe ça là. Ouais, c'est la merde. Non, je crois qu'on a le temps de pouvoir les nourrir pour espérer faire baisser ça quand même. Oui. C'est pas immédiat. On va vérifier. Réduisez la faim en dépensant autant. Résolvez et réinitialisez le marqueur faim. Nourrissez les citoyens indiqués par la manche en cours. Ouais, c'est ça, Didou. Hein. Pour l'instant, on ne fait pas les effets de la faim. Ok. On a un tour. Merci. Pour essayer de les nourrir. Fasse soif, tes vagues. Je bois pour oublier que je bois. Alors, remettez les jetons citoyens épuisés et résolvez et réinitialisez les marqueurs faim. Nourrissez les citoyens indiqués par la manche en cours. Remettez les jetons citoyens épuisés et les meeples dans la réserve. Allez, tout le monde revient. Couchez les meeples citoyens dans des abris chauffés. Tout le monde dort! Alors là, c'est la fiesta. Voilà, et personne ne tombe malade du coup. Ah, par contre! Quoi? Bah, on a eu 9 personnes pas nourries. Et alors? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, c'est ça que ça fait. Hein. T'es sûr de ça? C'est pas que le froid, ça? Ah, t'as raison, c'est que le froid. Je veux bien. Franchement. Tu crois? Bah. Je crois, oui, c'est que s'ils ont froid. Bah, ils ont faim. C'est mais non, là, ils ont juste faim. Bah, j'espère. Et puis surtout, ouais. Ils ont pas encore faim. C'est. On a quand même encore un tour pour. Non, je sais pas pour nous qui dites-vous non. Ok, non, je sais pas. Bah, on va laisser ça comme ça, mais je vais aller vérifier quand même dans la règle. Pas d'effet de la faim sur la maladie, nous dit Didou. Oh, ok, merci Didou. Mais Didou, t'as beaucoup joué à ce jeu, t'as gagné des fois. Je me demande, moi, c'est surtout à quelle manche on va me perdre. C'est ça que tu te demandes? Ouais. Ah oui, c'est le désespoir. T'as vu qu'il y a jusqu'à 15 manches. Ouais. On en a fait 3. Bah oui. Il est 17h27. Ouais. On ne finira pas cette partie. Non. Mais, waouh. Et les mecs disent 120 minutes. Oui. Bon, après, on est très lent parce qu'on appréhende le jeu, mais... Ah, Didou, il a gagné au bout de 7 tentatives. Ben, c'est déjà pas mal, hein. Ouais, c'est bien. Tout le monde dort, c'est la fiesta. Remettez les jetons citoyens épuisés et les meeples dans la réserve. Couchez les meeples citoyens dans les abris chauffés. Bah, tout le monde est content. Ouh là là. Oui, bah ça c'est bon. Chaque meeple citoyen. Ah, mais non, mais on l'avait fait tout ça. Donc chaque meeple citoyen sans lieu chauffé tombe malade, mais tout le monde est bien chauffé. Donc maintenant, je passe le marqueur dirigeant à toi. Donc là, t'as le droit de prendre des décisions définitives. D'ailleurs, je rappelle. D'ailleurs, que normalement, j'aurais dû faire ce que je voulais faire puisque. Ah non, c'est toi qui aurais dû faire ce que tu voulais faire. Ce tour-ci, je vais faire tout ce que je veux. Bah, tu fais tout ce que tu veux, puis ça sera bien de ta faute. Alors, passez le marqueur dirigeant, avancez le marqueur manche. Ouais, et là, il se passe un truc. Donc on regarde. La balise est allumée. Plus un espoir. Donc on a la balise. Plus un espoir ou moins un mécontentement. Plus un espoir, non? Ça nous ferait des majorités d'espoir. Bah bien sûr. Pourquoi on choisirait mécontentement? Par contre, moins un. Ah, moins un. Et par contre, plus un espoir, est-ce que ça veut dire qu'on l'active? Je crois que ça veut dire que... On pioche un espoir. Et ça, il y avait un truc bizarre où tu piochais et t'activais, tu sais, quand t'avais plus un. Une petite poire. Ça alors. 120 minutes en moyenne pour perdre. Ouais, c'est possible que ce soit ça du gong. Ça correspondrait bien. Au bout de 2 heures, tu perds. Ça serait bien. Comme ça, au moins, on serait allé au bout de quelque chose. Tu l'actives ou tu le pioches inactif. Ouais, c'est ça. Merci, Didou. Donc, on va le piocher et il arrive inactif.
D'accord. Mais il me semblait que tu avais un truc qui faisait que tu piochais. Ah oui, non, c'est quand tu avais plus un type. Oui, non, mais c'est quand tu avais plus un type particulier. C'est-à-dire là, tu as plus un espoir, donc tu fais ça. Ouais. Mais quand tu as plus un espoir particulier, tu pioches et tu retournes t'active. Mais bon, c'est. Merci, Didou. Et on résout. S02. On résout S02. Donc là, faut trouver un trésor fabuleux. On aura à nouveau un truc en manche 11. Ouais. Trouver nid d'hiver. La lumière de la balise a guidé les réfugiés éparpillés dans l'étendue gelée, jusqu'à notre campement. Parmi eux, il y avait des éclaireurs de nid d'hiver. Il semble que ce soit le campement le plus proche. Cependant, les nouvelles qu'ils apportent sont alarmantes. Ils disent qu'aucune autre balise n'a été allumée, même pas celle de nid d'hiver. Qu'est-il arrivé à nid d'hiver? Placez S05 face blanche visible dans l'étalage expédition. Choisissez A ou B. Donc, on prend S05. Pas ça. Donc, dans la face blanche visible. Ah, ok, on a une expédition particulière qui est le chemin vers nid d'hiver. Ah, c'est cool. Je vais le mettre à gauche plutôt. Parce que ça ne sert à rien. Hop. Le chemin vers nid d'hiver, et quand on y arrive. Placez S05 face blanche visible. Choisissez A ou B. Laissez les réfugiés entrer en ville. On n'a plus un espoir. Maintenant ou quand on y arrive? Maintenant. Ah bon? Ouais. D'accord. Quand on y arrive, on retournera la carte. Il y aura autre chose. D'accord. Donc là, il y a des gens qui arrivent chez nous. Oui. Plus un espoir, vous gagnez 5 ouvriers, un ingénieur et 3 enfants. Et tout ensemble. Gagnez tout ensemble. C'est bien ça. C'est bien. Envoyez-les chercher un autre endroit où vivre. Ah ouais, c'est terrible ça. Moins un espoir. Mais en même temps, il va falloir les nourrir. Oui. 3 enfants en plus, ils font rien. Ils grandissent même pas. Par contre, on fait 1000 fois plus de trucs et je pense que c'est le moment où je te dis, t'as besoin d'ouvriers pour faire plus de trucs. Ok, allez, vas-y. Combien on a là? 5 ouvriers. Et donc là, on a juste 1, 2, 3, 4, 5. Et Un ingénieur. Ouais. Et 3 enfants. Ça, c'est pas bon ça. Ce qui fait quand... Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Ah bon? Non. Pardon, excuse-moi. En fait, là, on va avoir 3 enfants, toujours 3 ouvriers, 3 ingénieurs, mais on a seulement un ouvrier en plus. Mais c'est nul. Ouais. Mais c'est vrai. T'es sûre de ça? Ça sert à rien. On a un enfant en plus, pas d'ingénieur en plus, et un ouvrier en plus. Oh là là. Mais on a des lits. Un enfant en plus, qui sert à rien. Un ouvrier et pas d'ingénieur. On a fait ça pour un bonhomme. Bah, c'est déjà pas mal. À la place, il va falloir donner. Sauf si tu les mets à travailler. Hein. Ah oui, mais ça, depuis le début, tu veux le faire. Hein. Je sens bien que c'est ton inclinaison naturelle. En fait, je comprends pas pourquoi on les mettrait pas à bosser comme tout le monde. Et la bouffe, tu l'as prise? Il y avait pas de la bouffe, non? Non, je crois pas. Non, c'est plus un espoir par contre. Ah. Là, par exemple, tu pourrais soit activer un espoir, soit en piocher. Hein. Ah, tu veux qu'on active la justice? Je sais pas à quoi ça sert. Non plus. Piochant. Ok. Bah, y a moyen d'upgrader les enfants? Oui, on peut les mettre au boulot. Moi, j'aimerais qu'on me fasse des règles, des lois. Oui, bah c'est pas toi la grande dirigeante de ce monde. Eh bah vas-y, pendant que c'est ton tour, qu'on rigole. Mais on a fini là? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Ça, c'est quoi? C'est la phase soir, tout ça. Il se passe tout ça pendant le soir, là. Oui, parce que non, en fait, on a passé le marqueur dirigeant, on a résolu les... En fait, on a fait le scénario. Maintenant, on résout une carte matin. Non, pas météo, matin. Mais je vais garder celle-là. Je fatigue, elle pleure pas. Ouais, moi aussi, hein. T'inquiète. Des réconforts pour les malades. Notre population en discute. Ils veulent de meilleures conditions pour ceux dans le besoin. C'est probablement ce qui nous a aidés à survivre à la base. Nous prenions soin des faibles et des malades. Promettez que vous allez faire le nécessaire. Donc,
On promet quoi? De tous les soigner? Donc, plus un soin. Ça serait plus un soin en jeton. On pourrait activer un jeton soin et piocher un jeton en plus. Okay. Ajouter D007 à la pioche soir. Placer cette carte dans l'étalage événement. Et cette carte devient une action disponible. Chaque fois que vous effectuez cette action, prenez un bois ou un charbon de la réserve et placez-le sur cette carte. Ignorez cette demande, un mécontentement. Donc en fait, on a une pioche, on a une carte qui va se rajouter à la pioche soir, donc potentiellement, est-ce que vous avez bien mis... et on va essayer, je pense, de mettre du bois et du charbon ici. Mais ça nous donne un soin en plus. Sinon, on peut choisir d'avoir un mécontentement en plus et on dégage ça. Chaque fois que vous effectuez cette action... Mais en fait, ça, c'est un emplacement d'action supplémentaire. Ah, et cette action, c'est quoi? Qu'est-ce que ça fait? Ah ben, de mettre un soin. Ouais, de mettre un bois ou un charbon. Et je pense que dans la carte D007, je peux aller voir pour te le confirmer, il y aura écrit... Ça sera un événement qui se déclenchera en soir. Et s'il n'y a pas de ressources sur cette carte-là, allez en 1, sinon allez en 2. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on prend? C'est toi le chef. Moi, j'y comprends un mécontentement. Ok. Bah oui, on peut pas tout faire, là. Il faut qu'on ait à bouffer, là. Mm-hmm. Et donc, on en pioche. Tu pioches, hein. Ouais. Et il vient aussi... Je sais plus s'il vient actif ou inactif. Oui, soit tu les mets au boulot, soit tu fais un foyer pour enfants et à ce moment-là, ils deviennent ingénieurs. Oh ! Mais c'est quoi un foyer pour enfants ? Il n'y est pas, là, on l'a pas, hein. Il faut une loi. On l'a peut-être pas dans les... On l'a pas encore. Bah déjà, on peut avoir les abris pour enfants. Oui, mais ça, pour l'instant, on n'a pas besoin. Tout le monde dort bien au chaud. Regarde ce que c'est qu'un abri pour enfants. Bah c'est, tu sais, ça donne 4 places. Pour dormir. Ouais. Ok. C'est pour ça que vous avez un Meeple enfant bleu. Ah oui, on peut les rendre ingénieurs. On n'a pas de quoi les former. Hein. On n'a fait aucune loi, pardon. Non. En fait, ça permet de débloquer des bâtiments. En fait, on n'a pas le temps d'aller faire des lois. On a trop de choses à faire. Alors, maintenant, on a la carte du matin. Ouais. Peut-être que notre explorateur va revenir. C'était quand qu'il bougeait? C'était maintenant? Maintenant. Et il bouge. Ce serait bien qu'il revienne, ouais. Tu augmentes tous les marqueurs de 1. Voilà, là, là, là. J'avoue, c'est chaud. Ça devient tendu ça, du slip. Ça vient où, ça? De 1, tu montes, ouais. Ouais. On prend 2 bouffes. 3 même. Avec nos marqueurs de chasse. On a 3 explorations. 1, 2, 3. Très bien. Donc là, on a fini une expo, on regarde la carte. Je pense qu'on va le faire revenir. La longue chute de l'humanité. Seul un couple de monuments sont encore là. Les deux seules traces de notre précédent contrôle sur la Terre. Le pont de pierre est ancien et le fait qu'il soit encore debout témoigne du savoir-faire de nos ancêtres. Nous avons campé un peu à l'écart, observant une petite expédition venant dans notre direction. Et l'impossible s'est produit. Au départ, une pierre est tombée du dessous du pont, puis une centaine. Nous avons regardé l'expédition se faire enterrer sous nos gravats. Super. Tout va très bien. Ce ne sera pas perdu pour tout le monde. Gagner 2 bois et 3 charbons. Oh là là. Et donc là, on peut revenir avec 6 charbons, 2 nourritures et 2 bois. Bah oui. On prend, hein. Eh bien, tu reviens. Je sais pas s'il devient disponible. Direct. 6 charbons. Ouais. 2 nourritures et 2 bois.
de nourriture. Hey, et de bois. On a oublié. Hein? Ah non, on n'est pas encore arrivé au marqueur de construction. Non, ouais. Putain. Et on va avoir une nourriture supplémentaire par l'eau de 2 icônes chasse. Donc il nous faudrait soit améliorer la cabane de chasse. C'est ça que ça va nous apporter, la, notre amélioration. Bah oui, il faut faire l'atelier, on est d'accord. Soit on fait une autre cabane de chasse. Mais bon. Et c'est tout, on avait fini la carte matin, c'est bon? On va faire la carte météo. Ouais, on a fait la carte, mais on a fait la carte météo. On a oublié le générateur. Ah oui, merde. La carte matin, on l'a fait. Oui, on a oublié le générateur. Ouais. Oui. Bah, on fait le générateur, vas-y. Et ça va pas, donc ça on les a pas. Hein. Mm. On est d'accord, hein. On n'a rien, donc on peut pas. Ah, t'as acheté Inheritor, c'est trop bien, Louise Buena. J'ai envie de l'avoir. On n'a pas tout ça. On n'avait rien. De comment ça, on avait? Ah non. On est d'accord, hein. Bah là, on vient de gagner du charbon. Oui, mais parce qu'on a fait la phase 4 avant de faire la phase 3. Ouais, donc là, on a tout le monde qui tombe malade, c'est ça? Bah ouais, donc là, enfin tout le monde. Un enfant et un ouvrier. Un enfant et un ouvrier. Et ensuite... Ensuite, il faut mettre 3 cubes pour la pression, là. Mets-toi sur les côtés, mets-toi sur les côtés. T'es brillante, hein. Elle est vachement brillante, hein. Ouais, elle... Et on a quand même 2, je crois. Hein. Oui. S'il y en a un qui tombe après... Attends, si ça se trouve, ils sont tous tombés. Non. S'il y en a un qui tombe après, ils sont... Ils sont... On les remet quand même. On les met pas là. On les met pas là. Et par contre, je me disais, les jetons maladie, c'est à quel moment qu'on les résout? Ah ouais, c'est vrai ça. C'est parce que là, on a passé un... Ouais, un ils l'ont pas mis dans le rappel des phases. Déplacer les marqueurs maladie comme indiqué par l'expert du générateur. C'est à la fin de ça? Ça va être à la fin des... Je pense que ça va être à la fin de ça. Ça, j'aurais bien aimé. Il y a des trucs qui sont rappelés, des trucs qui sont pas rappelés. Phase générateur. Merci Dolam. Donc c'est là. Donc c'est maintenant là. Ouais. Donc là, on va avoir plein de trucs de merde horrible. De merde horrible? Ouais. Qu'est-ce qui se passe d'horrible là? Là, bah on retourne. Ouais, ça c'est terrible. Donc maintenant on a un malade grave. Super. Au prochain tour, la prochaine fois qu'on le retourne, il meurt. Ouais, très bien. Et là, il y en a un qu'on retourne. Et ça, je sais pas ce que c'est. Et un qui devient peut-être indisponible, occupé. Épuisé. Ouais. Enfin, je sais plus. Il a eu trop de fièvre. Quel marqueur on s'est trompé, Didou? Parce qu'ici, on a augmenté enfant et ouvrier. Elle à la place... T'aurais augmenté lui, à la place de lui? Là, j'ai pas monté enfant. Ah oui, c'était enfant ouvrier. Ah oui, c'est pas les populations. C'est les maladies, là, qui ont augmenté. Mm. Donc c'était ouvrier enfant. Combien on a trouvé d'enfants? 1. Sur la carte. Non, sur la carte, on en a trouvé combien? Merde. Oh, j'ai mis ça où? Merde. Mais on commençait avec... Ah bah oui, je sais pas. 5 ouvriers, 1 ingénieur, 3 enfants. J'avais 8, donc 1, 2, 3. L'ouvrier, j'en avais 12, donc 1, c'est bon. Et les travailleurs, on en avait 22, 1, 2, 3, 4, 5, c'est bon. Et là, j'ai monté ça, et du coup, je montais ça. Pourquoi tu montes l'ingénieur? C'était ça et ça qui ont augmenté. D'accord, donc lui, ils m'ont augmenté. Enfin, avec la... C'est ok? Et du coup, lui, il est retourné, il est malade grave. Par contre... Ah, c'est là. Placer le nombre indiqué de jetons citoyens épuisés du type correspondant dans la réserve. C'est ça. Donc là, il y a un enfant qui est épuisé. De toute façon, ils font rien, alors... Non, c'est pas un enfant, il y a un jeton épuisé, il faudra mettre un meeple dessus. Mais les jetons épuisés, ils sont typés. Ah. Placer le nombre indiqué de jetons citoyens épuisés du type correspondant en réserve. Donc. Et on fait pour chaque, on le fait pour chaque meeple, mm-hmm, pour chaque jeton. Donc il y a un enfant qui est épuisé, mais il y a aussi un ingénieur.
Et tu mets tout de suite les persos dessus. Et on retourne chacun d'entre eux. Non, non. Retourner, c'est les maladies. Bah ouais, bah on a les deux... Mais étoiles. C'est pas les maladies, ça. Ah oui. Retire-moi ces jetons. Ah, mais il n'y a pas de jetons. Non, là. Non, il n'y a que lui qu'il fallait résoudre. Oh là là. Quelle panique. Ok. J'ai un ouvrier malade grave. Faudra juste utiliser un jeton espoir soon. Ouais, pour soigner avec mon avec perso. Avec ton expert. Mais il fait que soigner, il traite pas. Donc il faudrait aller à... Il faudrait faire une infirmerie. Ouais, ben... Faudrait, hein, voilà. Phase météo, phase préparation, choisissez un expert. Bon, on va dire que ça sera certainement le tien, là. Mais est-ce qu'on le fait bien. Non, ben... D'accord. Ben, on peut soigner deux et repasser ici. Hein. Ouais, d'accord. D'accord. Et donc, il faut épuiser un soin. Ah ouais, en plus de... Ça coûte cher, hein. Ok. Phase action, alimenter le générateur. Donc là, on peut monter, là. Donc on a 2, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais non, on n'a pas. Bah si, ah, grâce à l'expédition. Mais l'expédition, elle a lieu après, normalement. Mais non, elle est revenue à la phase météo. Tu m'as dit que c'était les experts, c'est pas... Ah oui. Non, mais c'est après le générateur. On a fait le générateur, là. Oui, mais là, on est en phase action. Ouais, alors. Phase action. Ouais, d'accord, vas-y. Foncez à toi. Je sais plus si j'ai remis le jeton tempête vers nous ou pas. Je pense que non. Je pense que je l'ai pas fait, ça. Mais on va peut-être pas tout en haut. 1, 2, 3, 4, 5. Ah si, il faut que j'aille tout en haut. 6. Je dépense tout ? Ouais. C'est cher, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, et là, c'est pas mal. Ok. Bon. On a deux bois. Ok. Est-ce qu'on ferait pas de l'exploration ici ? Pour essayer d'avoir une zone avec un poste de collecte ou... Ouais. Sauf que, bon, le poste de collecte, encore une fois, hein, il va ramasser ça et ça. Oui, mais il faut le faire à un moment donné, sinon on s'en sortira jamais. Ok. Bon, mais peut-être je l'aurais mis là-bas. On est obligé de le faire, donc... On fait un déneigement, là, c'est ça ? Déneiger. Mm-mm. C'est toujours froid, donc il va être... Malade. Malade, donc on va mettre un ingénieur, plutôt. Mm-hmm. Et on fait une... Là, c'est des extérieurs. On est d'accord, hein ? Hello, tout le monde ! Non, je vais peut-être faire avec un ouvrier pour pouvoir utiliser mon pâte au bara, qui va nous mettre une proche et une éloignée. T'en penses ? Mm-mm. On fait ça. Donc, ah, t'as ça là ? Ouais. Mais c'est trop bien ça. Et ouais, mais du coup. Il doit partir avec un ouvrier, ouais. Donc on met une éloignée. Putain, est-ce qu'on proche. A vraiment utilisé mon experte santé au bon moment ? Je ne sais pas. Une éloignée et une proche. C'est ça, non, éloignée ? Éloignée, c'est ça. Donc ça donne. Elle est pas mal, 3 charbons. Oh, c'est nul. Et 2 bouffes, ça, on les gagne immédiatement, je crois. 1, 2. C'est pas à la mise en place, ça ? Non, je crois que quand t'explores aussi, tu les gagnes aussi. D'accord, j'espère. Et une proche. Eh ben, il n'y a plus la place proche, donc il faut aller par là-bas. On va venir par ici. Mm-mm. 2 bois, 1 charbon. Alors, si on fait un bâtiment là, encore une fois, si on fait un truc de collecte ici... Il est adjacent à ça, et après il est plus adjacent à rien. Bah oui. Mais elle, tu la mettais où tu voulais, elle. Oui. Bah donc pourquoi tu l'as elle pas mise là ? C'est pas adjacent. C'est pas possible. On a le droit de la tourner comme ça ? Non. Non ? T'es sûr ? Non, c'est dans le sens de lecture. Nul. Donc dans tous les cas, de toute façon... On l'a dans le fion. On pouvait pas le mettre. Ou alors... C'est hyper chiant, cette histoire de ressources qu'on peut pas choper, là. Ouais. Oh là là. Est-ce que si on le mettait ailleurs, si on avait été le mettre par oui. là, bah c'était là, un peu mieux. Bah là, tu récupères du charbon. Bah, c'est peut-être pas plus mal, non ? Alors, si tu veux vraiment le mettre quelque part de bien, à ce moment-là, c'est où la zone que tu viens de me poser, c'est ça ? Ouais. Par rapport aux adjacences, si tu te mets là et que tu mets ça là, vas-y, mets-le là. Du coup, lui devient adjacent à ça. Et ça. Ah ouais, mais on s'en fout, ça c'est deux, tu ramasses facilement.
J'essaye de trouver un bise. Un moyen. Là. Ouais, c'est pareil. Non, c'est pareil. C'est pire. Je crois que ça a changé. On peut le mettre là. Et refaire une action pour découvrir ici, peut-être. Et espérer qu'enfin la tuile soit... correct. Ouais. Mais à ce moment-là, ça veut dire qu'on va pas ramasser ici et on espère ramasser... Ouais, non, ça va pas. Hein. Ah, sinon tu la mets là. Mais non, parce qu'il faut vider la tuile pour pouvoir construire. Oui, mais... et on espère mettre quelque chose là. Non, ça marchera pas. Non, non, vas-y, on va le mettre là-haut, ça nous fera ramasser du charbon. Là. Ah oui, oui, bah au moins on ramassera le charbon autour. Non, pas le troisième qui est à gauche là. Oui, bah on en ramassera deux. Oui, deux au premier tour celui-là et après un et seul. Celui-là. Et après il ramassera qu'un tour. Non, mais là, le truc de collecte, je trouve ça bien, mais je pense que c'est un truc qui s'envisage. Par exemple, tu commences à construire une zone où tu vas rien chercher à la main. Et, si, et par là-bas, là, tout derrière là si on... Ah bah non, on peut pas, on n'a pas dans le... Non, c'est pareil là. Si, tu peux te mettre là, ici. Parce qu'on avait L là à mettre. Oui, alors tu peux la mettre là. Si on mettait L ici. Oui, et tu peux mettre l'autre là. T'as déjà et plus. Si on t'as déjà. L ici. Ouais. T'as déjà deux zones. Un peu mieux, non? Et on peut essayer de mettre là et là. Ouais. Ouais, c'est mieux. On va faire ça. Ok. Bah, du coup, moi, à mon tour, je vais refaire une exploration. Avec qui? Parce qu'il va avoir froid. Oh merde. Pff, ils vont chier. Enfin, il va avoir froid. Oui, bah, de toute façon, on peut pas dépasser ça, hein. De toute façon, les déneigés, c'est toujours, froid. Donc on s'en fout. Je prends un meeple ouvrier. Non, un meeple ingénieur. Pouf, allez hop, tombe malade. Les enfants, ils ont chaud, ils foutent rien. C'est chiant. Et je fais soit deux proches. Pour en mettre une ici. Ouais. Soit une lointain. Qu'est-ce que t'en penses? On risque de tomber sur de la forêt, sur le lointain. Moi, je serais bien de proche. Ok. Bah, c'est pas ouf, mais bon, c'est... Attends, t'en as deux, hein. Ah oui, deux proches, t'as raison. Donc, je vais mettre celle-là. Je sais pas, je pense qu'on place... Alors, on essaye, je vais voir hein, l'autre. Merde. Ah, c'est un noyau. Ouais, c'est un noyau. Et deux bouffes. Et deux bouffes. C'est un noyau, donc ce qui est chiant, c'est... Ouais, la bouffe, on est si loin. Les prochains qu'on nourrit, c'est les enfants, par contre. Ouais. Donc, on n'aura que 11 de nourriture, donc il faut faire 21. Pourquoi il faut faire 21? Parce que là, on va d'abord enlever... Ah, ah oui. C'était pas les meilleures tuiles qu'on pouvait espérer. Celle-ci, elle nous donnera un bois supplémentaire sur un tour. Bon, après, on peut faire ça et on se dit qu'on... On trouve... Non, je crois que t'as pas le droit de la mettre là. Hein. Non, c'est le cercle extérieur. Mais je peux le mettre là. Ouais. Mais bon, il n'y aura qu'un bois, quoi, en plus. Et on peut encore explorer ici. C'est déjà pas si mal, non, là Et ça, on le met là, ce qui nous permet... Non, ça, c'est l'extérieur. Ça, il faut que tu l'as... Non, ah, non, une proche. Et c'est un truc comme ça. C'est un truc... C'est un truc ouais, c'est ça. Et du coup, là, on peut avoir un bâtiment qui est plus près. Ouais. Tout de suite. Ok. Bon. Allez, donc on fait la collecte, on a dit. Vas-y. Avec un ouvrier qui bâtit. Ah, Attends, mais t'as rien pour construire. Enfin, t'as encore. On se retrouve dans le même problème. Bah oui, mais ça en tourne en rond là-dessus. Mais tu peux aller chercher du bois là. Mais non, on met la collecte. On dépense un bois. Ouais, mais c'est bon. Et oui, il faut accepter qu'on perde un tour à faire ça. Hein. Voire deux tours pour après. Elle est où la collecte? Poste de collecte. Mm-hmm. Et on a dit qu'on venait ici. Il me reste un bois. Avec un bois, on pourra refaire une cabane de chasse. On peut en mettre une là. Un four à charbon. C'est quoi le four à charbon? Ou refaire un poste de collecte. Je vais être méchante dans ce jeu. Les enfants, c'est un peu les cartes qui polluent dans un deck building. Tout à fait. Dépenser un bois pour gagner 4 charbons. Dans le four à charbon. Mm. C'est pas mal. Mm. Sachant qu'à un moment, on va... Ou on fait enfin l'atelier, pour augmenter aussi. C'est un bois, l'atelier. Oui, ça, c'est bien. L'atelier, c'est bien. Allez, vas-y. Atelier. Et où est-ce qu'on le met? Par là, tu vois, un peu cercle proche. Ok.
quoi qu'ils sont chauffés facilement, les ateliers, on pourrait le mettre loin. Tu vois, on pourrait le mettre là, en se disant que de toute façon, tu vois, comme ça, c'est en bas, c'est toujours chauffé. C'est un bâtiment rouge, donc... Okay. Pas besoin d'être trop près. Le four à charbon transforme le bois en charbon. Vous avez manqué de charbon. Ouais, je me doute. Je me doute bien qu'on va manquer de charbon. On va manquer de tout, je crois, Didou. Moi, je vais refaire une explo. Avec un ouvrier ? Oui. Et oui, je retombe malade. Hop. Mais je vais essayer de chercher une tuile lointaine en espérant que je pioche. Oui, c'est bien ça. Voilà, c'est ça. Non, c'est pas bien. C'est pas bien du tout. C'est pas adjacent. Non, ça pouvait pas l'être, je crois. Si, si. Ah bon, il fallait que les ressources soient en haut. C'est tout. Et ah oui, et là, on a du bois. Ouais. Enfin, on a de la forêt. Et elle peut pas être adjacente à notre scierie. C'est con, ouais. Dans l'os. Bah, on composte, ouais, voilà. Si on fait une forêt, c'est con. Je voulais essayer de trouver un truc avant d'activer le poste de collecte. Okay. Salut la petite pelle. Alors, on y va, on active le bâtiment, là. On est d'accord avec lui. On vient ici. Ah, où on fait l'atelier d'abord. Ça s'améliore, le poste de collecte ? Le poste de collecte. Amélioré, niveau de chauffage amélioré. Wow. Je sais pas. Choisissez deux effets en payant... Ah, mais de toute façon, on n'a plus de bois, donc... Et donc, on prend une ressource dans chaque case adjacente. Donc là, on prend un comme ça, un comme ça, et un comme ça. Et un comme ça. Ouais. Ok, voilà. À toi. Ben, je vais aller chercher les deux charafes. Il faut aller chercher du charbon. Mais là, on est dans la merde. Hein. Je pense que c'est là qu'on le tournant se fait. On a rien, quoi. Et toi, tes personnages, ils font pas des trucs chouettes ? C'est là qu'on aurait dû se mettre, en fait. Parce que là, il y avait une mine de charbon. Mine. Ben, je vais aller chercher. Mes personnages, ils font pas des trucs chouettes. Il peut résoudre des effets atelier. On a un atelier ? Ben oui. Maintenant, on aurait pu améliorer le poste de collecte avant, mais non. Il fallait du bois. Il fallait du bois. C'est pour ça. C'est, maintenant, ça on coûte a du combien bois le. Eh ben, ça coûte, tu vois, le coût qui est en dessous, là. Un bois. Ouais. Ou pour certains grands trucs. D'accord. Et le poste de collecte, ça coûtait combien ? Ça coûtait. 1. Là, il prend toutes les tuiles adjacentes. Non, je crois que c'est. Il dit juste que c'est le niveau de chauffage qui change. Ah oui, c'est le niveau de chauffage qui change. C'est ça, on s'en fout un peu. Par contre, on a des cabanes de chasse. Par contre, lui, du coup, il a eu froid. Mais non. Non, oui, t'as raison. Le bâtiment jaune est chauffé, donc c'est bon. Ouais, ouais, c'est bon. On a des cabanes de chasse à améliorer. On pourrait améliorer une cabane de chasse. Pour avoir plus de bouffe. Carrément, on a tué la musique. Ah bon, enfin quoi ? Non, mais je... On a réussi à... Ah, voilà. On avait été au bout de la musique, ce qui n'arrive jamais. Mais c'est bizarre, quand on a déjà fait plus long. Ouais. Bah là, ça fait quand même 3h42. Ah oui, non. Ouais. Ah, c'est pour ça qu'on fatigue un poil. Ah, bah là. Moi, je suis mort. Hein. Ah oui. Ça fait... Bah, le pire qu'on ait fait, c'était la Familia. Ouais. Mais là, on est manche 4. Ouais, ouais, non, bah, on le finira pas. Il y a 15 manches potentiellement. Je sais pas ce que ce jeu veut te faire, en fait. Te faire souffrir. Non, mais c'est bien, hein, mais c'est un poil long quand même. Ok, on en était où ? À savoir, est-ce qu'on allait améliorer avec l'atelier ? Parce qu'on on pourrait améliorer par exemple la cabane de chasse qui est là-bas. Mm-hmm. Et autre chose, je sais pas quoi. Qu'est-ce que ça ferait la scierie ? La scierie, ça couperait tout autour, mais on n'a rien autour, donc c'est nul. Je sais pas.
Je t'avoue que je suis... On pourra envoyer de nouveau quelqu'un partir à l'aventure. Tu veux dire qu'on est désespéré, mais moi, Là, lui, il peut utiliser l'atelier. Et c'est... Et il résout jusqu'à 3 effets d'atelier. Donc, il peut améliorer 3 bâtiments. Ouais, mais on a que... Il peut améliorer la cabane de chasse. Non, on a que 2 bois. Bah, ça coûte 1 bois d'améliorer. 1, la cabine de chasse. Mais après, il n'en reste qu'un seul bois. 1, la scierie. Non, c'est nul, c'est juste le niveau de chauffage. Non, mais ça, tu vois, on l'utilise jamais, on est des connes, tu vois. Bah, c'est pour du bois. Bah oui. Bah vas-y, couper du bois, moi je suis d'accord, hein. On utilise la scierie. Et tu vas enlever un arbre et faire 3 bois. Bah, c'est super. Bah ouais, je suis d'accord. Par contre là, ouais, ça, en plus il fait chaud, vas-y, on voit. Là, on fait vraiment n'importe quoi. On est fatigué, je pense. Tiens, hop, on enlève un bois et on fait 3 bois. Bon, là, on a une scierie qu'on n'utilise pas. Peut-être on devrait faire... Non, on n'a pas assez. Si, peut-être on devrait faire une serre chauffée. Hein. Dugong, qui est trop mignonne, elle dit « En vrai, c'est passionnant de vous suivre. Donc déjà, merci pour ce stream. » Mais Dugong, merci. Amour, hein. Merci d'être Dugong. T'es trop mignonne. On t'aime trop. C'est vrai, j'adore Dugong. Mais oui, d'accord. Je retire ce que j'ai dit tout à l'heure. Je vous aime plus, sauf du gong. N'importe quoi. Merci à Larksen aussi. Et GG, bien sûr. Mais GG, tu comptes pas dans le peuple. N'importe quoi. On pourrait faire un atelier. Pourquoi on n'a pas fait un atelier ici, là? Enfin, un poste de collecte ici. Ah oui, non, parce que c'est pas adjacent à... Mais si, ça prenait ces 3-là, hein. C'était pas mal. Hein. Parce qu'on a trouvé l'autre tuile après. Ouais, d'accord. Et du coup, ça nous faisait prendre 2 trucs et c'est tout. Bon, a priori, Didou, il nous dit qu'on devrait envoyer un mec ici pour enlever des cubes de pression. Moi, je pense qu'il faut aussi chasser. Hein. Mais il faut chasser. Donc, imaginons que lui, il va faire le cube de pression. Il nous reste 2 pour aller chasser. Bah, ils peuvent aller tous les deux, enfin, dans les cabanes 9 de chasse. 9. De bouffe. C'est moins pire. 18 au lieu de 21. Faut... Ouais. 21, donc on aura un mec... 3 enfants malades. C'est pas grave, ça les fait pas passer au palier supplémentaire. Ok. Mais j'aurais bien amélioré la cabane de chasse, mais... Qu'on améliore la cabane de chasse, alors. Non, mais ça fait aller à l'atelier... Enfin, je veux dire, là, il faut effectivement qu'on fasse... Pourquoi baisser la pression, c'est l'action... C'est le générateur, c'est ici. Et pourquoi il faut baisser la pression, là? Parce qu'il va péter, là. Ça va péter! On va en avoir 4 qui vont augmenter, là. Oui, mais 4, ça fait pas péter. Non, pour l'instant, ça va. Bah, moi, je ferais bien améliorer la cabane de chasse et 2 fois chasser. Alors... Et comme ça, au tour d'après, on va avoir à manger. Avec lui, tu viens à l'atelier. Ouais. T'as 2 améliorations. Donc, on a dit... pour la cabane de chasse, 1 de bois. Ouais. Et est-ce qu'on en a une autre amélioration possible? Avec ton bonhomme, on pourrait même améliorer encore autre chose. Hein. Ouais, sauf qu'il n'y a pas de truc à améliorer. La cantine? Non, ça s'améliore pas. La scierie? Qu'est-ce que ça faisait déjà, le générateur amélioré? On pouvait pas... on n'a pas la truc qu'il faut. Ah si, le générateur amélioré, c'est pour mettre la bidouille. On a le droit si on n'a pas la carte? Ils disent page 41. Ah, la musique est forte, là. Ah, on a droit à des cases d'adjacence. Ah, Dolam. Là, ici, on a droit. C'est adjacent, là, en diagonale, là, comme ça. Moi, j'aime bien si c'est le cas. Hein. Je prends ta règle à toi. Il faut un noyau vapeur. Ah, il y en a un, là. Ah bah ouais, parce qu'ils disent case adjacente. Moi, une case, c'est ça, hein, pour exemple, moi. Exemple avec les points bleus et parlants. Alors, attends. Attends, attends. Calmez-vous. Générateur. Retirez jusqu'à... La première fois que vous dépensez un noyau de vapeur lorsque vous effectuez l'action du bâtiment générateur, placez l'élément amélioration générateur dans le haut du générateur. C'est bizarre. Action. Retirer jusqu'à 5 cubes de pression de la piste de pression ou dépenser un noyau de vapeur pour retirer tous les cubes de pression de la piste de pression. Et la première fois que tu améliores ça avec... En fait, il faut aller chercher ça.
Je veux bien voir l'exemple de cette façon. Ah oui, c'est où? Bah, je sais pas. Mais ils ont bien spécifié cases et tuiles, donc c'est chiant. Ça, c'est autre chose. Ah, là, c'est les ressources. Page 40. Ah, regarde, tout est adjacent, là. Toutes les cases marquées. Même les tuiles d'à côté, de l'autre côté. Toutes les tuiles. Ah bah ouais, bah d'un coup ça mais devient. C'est beaucoup plus facile. Donc quand on a activé là, il fallait en plus prendre ici. Ouais. Non. Bah si. Elle y était pas. Bah si. Si ouais, t'as raison. Et prendre ici. Oui. Et on l'aurait pas du tout mis là si on avait su ça. Bah oui. Il y avait des cases vachement mieux. Non, je suis pas sûre, mais c'était ah, pas mal. Ah si. Mais du coup, je comprends mieux ce bâtiment. Ben oui. Ce bâtiment faisait pas sens. Ah, merci. Là. Merci, Dolan. Ouh, ah, bah, la révélation. Ça change tout. On aurait dû le faire au tour 1, le poste de collecte. On aurait tout collecté. Il y a Maya. Maya, elle est vexée. Hein. Oh, Maya. Je vois tout flou. Nous ne sommes que de misérables vermisseaux indignes de ce stream. Bah oui, mais faut se mettre à ma place. Moi, je me fais chambrer. Il y a un moment, je me laisse pas faire. C'est normal. Les gars, si... vous avez que le juste retour de ce que vous me donnez. C'est marrant, ça. Moi, j'aimerais les voir à ma place. Beaucoup trop de sensibilité partout là. Bah oui, bien sûr. Yeah. Tosti fait et on rend pas la monnaie. Bah ouais. Bon alors, ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Bah je sais pas. Ouf, elles ne vont pas être obligées de liquider les gosses. Mais moi j'ai rien dit en plus. Mais Maya, quand je dis j'aime personne, t'as bien compris que c'était une blague quand même. Pourquoi t'entouilles? Non. J'aime pas quand on me chambre. Mais quand je dis que je vous aime pas, c'est une façon de parler. Pour mais... dire qu'elle vous aime pas. Bon, on n'a pas dit ce qu'on faisait pour l'atelier, là. Enfin, encore un truc à améliorer. On a amélioré que la cabane de chasse. Oui. Et bah, le poste de collecte, on peut le rendre moins froid. Il fait toujours chaud dans le poste de collecte. C'est ça? Ouais. En gros, il fera plus facilement chaude, mais on va pas se priver de faire un poste, un endroit où on... il y avait la scierie, sinon pareil. Mais oui, mais on n'a rien autour. Ah, mais alors, est-ce que la scierie aussi, c'est la même histoire d'adjacence? Oui. Ah, nom d'un chien. Là, elle prend sur une tuile adjacente. Là. Non, alors ça, c'est pas pareil. Ici, c'est mieux, ça prend partout, en fait. Il y a une petite flèche. Là, c'est, ça change pas. Bah, du coup, je vais plutôt améliorer la scierie, si ça vous fait rien. Parce qu'on aura besoin d'avoir un endroit. D'une case adjacente. Voilà. Ah ouais. Et du coup, là, j'aurais pu mettre les arbres. Ah ouais, bien sûr. Là, si c'est vous... exactement ça qu'on aurait fait, parce qu'on aurait été brillants. Voilà. Et du coup, ça, ça veut dire que... Attends, ça, parce que t'as amélioré la scierie aussi? Oui. Non, mais j'ai amélioré que la scierie. J'ai pas amélioré le poste de collecte. Ah, d'accord. Ah non, la scierie, c'est plus restrictif. Oh, oh non, dans la main. Je commençais à peine à avoir de l'espoir. Ce jeu, il m'épuise. Je suis crevée. Toi aussi, t'es... Allez dormir à 18h30. Oui, avec une petite soupe de margarine. Ouais. Il y a une petite soupe, si tu veux. Mais bien sûr. Elles sont bonnes, les soupes de margarine. Coche. Bon, il nous reste deux ingénieurs. Il y a Dola qui dit je souffre avec vous. Non, ah mais on n'ira ouais, pas jusqu'au dur, bout. Franchement, c'est dur. On va finir bout. Cette manche peut-être et puis voilà. Hein. Ouais. Bah, j'aurais bien été jusqu'à la construction du truc. Donc deux manches encore, c'est loin. La construction de quoi? Ça, ouais.
Ah ouais, parce que là, dans deux manches, on a la tempête qui nous arrive dans la gueule, quand même. Il nous reste deux ingénieurs. Est-ce qu'il y en a un? Est-ce qu'il y en a un qui fait quoi? Ah non, il faut aller faire à bouffer. C'est ça qu'on a dit. Il faut aller dans les cabanes. Bah oui, c'est ça qu'on a dit. Hein. Les deux derniers, c'est ça qu'ils font. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Pouf. Parce qu'on les a améliorés. Ah yes, 10, bien. Ça change tout. On est si bien avec une bouffe de plus. Ah, oh, on respire. Alors, bah justement, on enlève... Alors, attends. On a fini... En fait, je crois qu'un des trucs qui me fatigue, c'est qu'il y a beaucoup de phases. Ah, c'est ça. C'est et à chaque fois, waouh. Wow. Phase soir. Résolver les cartes, étalage, scénario, événement. Donc là, ça nous disait... Non, c'est phase nuit. Phase nuit. Je crois qu'il n'y a rien en phase soir. Non, on n'a rien. Ok. Donc... Phase fin. Non, d'abord, on fait la carte. L'inévitable. Non. Retournez chaque marqueur maladie qui est face crâne visible sur sa face seringue. On a un mort. Oh, c'est un ouvrier. Pour chaque cadavre en votre possession, gagnez un citoyen malade. Donc, on a deux cadavres. On gagne un citoyen malade. Un, deux, hein, les enfants. Et non. Ça, ça baissait alors du coup. Non, hein, un, deux, les enfants. Oui, oui, oui. Voilà. Quoi, ça baissait quoi? Ça, puisqu'on en a un qui est mort, non? Ah oui. Mais là aussi. Et là aussi. Non, parce qu'on a autant de malades. Non, celui qui est malade, il est mort. Bah oui, il est mort, ça y est. Ouais. Enfin. Après tant d'agonie. Ah la vache. Hello, petit Mage Knight après. Putain. T'imagines? Enfin, tu meurs quoi, tu finis à l'hôpital. Ah, c'est sûr. À l'hospice surtout. Allez. Coucou Valout. Bon ben c'est fini. Oui, ça sent la fin. Hein. Ouais. Enfin non, c'est notre première explosion. Mais pas fini du tout. Pourquoi il dit que c'est fini? Je sais pas. Ben, parce que je pense que c'est un jeu où quand tu commences à mourir. Ça va aller mal, ça va très très mal. Donc là, on a... Fin. On réduit la faim d'autant de nourriture que possible. 9. 10. Et on résout... et donc là, maintenant, il faut réinitialiser le marqueur de faim. Donc ça... Bah, il faut qu'on les nourrisse. On a nourri ceux qui avaient faim. Et maintenant, on nourrit les citoyens. Et donc, c'est les enfants. Et donc, on nourrit les enfants. Et les enfants, on en a 11. Il nous en manque un. Ouais. Voilà. Il y en a un qui a la dalle. Et C'est pas si pire, hein. C'est pas si pire. Et on résout ça, là? Ah, je crois bien. Non, c'est après. Si, c'est si on le résout pas. Ah oui, on a réussi à le baisser complètement. Faire résolver et réunir. Faut faire les morts, mais on les a fait, ils sont là. Ils sont à deux, Didou. Je comprends pas qu'est-ce qu'il dit, les morts. Ça a l'air de beaucoup l'énerver, en tout cas. Et oh, faut faire les morts. Oh non, c'était les corons, ouais. Non mais dis-nous, parce que à ce moment-là, il y a des trucs qu'on a merdé. Hein. Oui, et qu'on n'aurait pas compris pourquoi t'as dit que c'était foutu. Il faut piocher une carte pour l'effet des morts. Voilà. Ah oui, les morts. Ben ouais, c'est la carte là. Il y a des trucs horribles. Donc, les morts. Activez une cupidité. C'est ta main? Moins un espoir. C'est la main? Ouais. Mais non, mais elle est activée. Hein. Et donc là, c'est moins un espoir. Donc tu retires un espoir. C'est ça? Ouais. Peut-être une d'autres. Ah non, c'est comme ça, ouais. Activer une cupidité. Alors ça, c'est... Ah non, c'est qui est mort? C'est quel type? Qui est mort? Eh ben, un ouvrier. Un ouvrier, bah c'est tout. Ok. Eh oh, les morts! Ou en défausser... Ah ouais, on aurait pu en défausser une de notre main. Ah ouais, mais bon, ils sont bien quand même. Bon, ils étaient tous terribles, de toute façon. Ok. Allez, ça, c'était la phase fin. Alors... Oui. Générateur. Non, on est remettez les jetons citoyens épuisés et les meeples dans la réserve. Hop. Coucher les meeples citoyens dans les arbres échauffés. Bah, je crois que tout le monde dort. Hein. Attends, tout est chauffé. Ouais. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Abri, x 2, 10. On en a 11. Comment ça, on en a 11? Ben,
1, 2, 3, il y en a un qui est arrivé d'enfant, ah oui, tu te souviens ? On a dit oui, venez chez nous et tout ça, c'est chouette, c'est chauffé. Ah, tiens, tu vas mourir dans la neige. Ah merde, du coup, à la fin de la phase nuit, si chaque meeple a un citoyen, un lieu chauffé pour dormir, active un espoir. On va avoir un espoir en moins. C'est un enfant là qui tombe malade ? Mm-hmm. Allez, vas-y. Un espoir en moins là ? Ouais. Oh là là. Ah, c'est la merde. Oh là là. Ça va pas bien. Non. On place le marqueur dirigeant, on s'en sort rien, j'en peux plus. Ah mais on va arrêter, hein, moi je pense, parce que je suis, ouais, je suis au bord de la WC là. Quand même. Ouais, faut s'arrêter parce qu'il est 18h15 et qu'une manche nous prend une demi-heure environ. Au moins, ouais. Donc, oh waouh. Oh waouh, on a super. C'est terrible parce que je le trouve bien. Mais... Il est épuisant. Alors déjà, faut savoir que quand on joue avec... avec de la lumière, nous on a la lumière dans la gueule, on a la lumière au-dessus. Oui, ça rajoute à la fatigue. Ouais. On a le chat à gérer et tout. Là, pour moi, ce genre de jeu, en live, c'est compliqué. Ouais, hein. Ouais. C'est peut-être pour ça que j'ai aussi réagi aussi fort aux remarques, parce qu'en fait, on fait ce qu'on peut. Et puis on en prend déjà plein dans la tête. Ouais. C'est ça. Tu prends le jeu dans la gueule, t'es là genre, attends, c'est dur, ouais, je me prends toutes les règles. Un truc très doudou. Autour, et en fait, j'aimerais que la lumière soit pas allumée à fond. Ouais. Qu'il n'y ait pas à l'écran et que je ne me prenne pas des remarques sur j'essaye de réfléchir en fait, ouais. Tu vois. Ouais, trop de tension, c'est ça, Ténéret. Ouais. Beaucoup de tension. Après, le jeu, c'est pour s'amuser. Oui, tout à fait. Je vois tout flou. Beaucoup de choses à gérer quand même, ouais. C'est un monster game que tu fais en deux sessions. Je suis assez d'accord. Ouais, ça peut être pas mal, Didou, pour un petit peu souffler et retrouver un peu des neurones et de la fraîcheur. En plus, tu vois comment tu peux tout à fait laisser le plan et reprendre parce qu'il y a des phases qui sont très claires et donc tu reprends ton truc. BGG indique que le jeu est mieux à 1, donc vraiment très dur à tout gérer. Je pense qu'effectivement, tu as des moments où, comme tu as des choix cornéliens, quand tu es 2, c'est compliqué. Il est intéressant sur son côté simulationniste. C'est hyper immersif. Moi j'y suis, enfin, je suis dans la pampa, je fais les trucs. J'aurais aimé, moi mon problème avec ce genre de jeu où il y a beaucoup de choses, c'est que je suis loin des tuiles bâtiments là-bas, moi. Ouais. Je suis loin des cartes, je peux pas retenir toutes les infos, j'ai un peu mal au crâne, hein, pour tout vous dire. Je peux pas retenir toutes les infos et du coup il y a un côté de moi qui est d'un côté, c'est chouette parce que je suis dans l'ambiance et je vois les ressources, machin, ils vont avoir froid, on part, ils vont crever, il faut qu'on leur trouve à manger. Et d'un autre côté, les bâtiments, je les prenais pas assez en considération parce que j'étais là genre, ah ouais, c'est vrai, on a ça, tu vois. Ah oui, c'est vrai, on a cette carte. Ah oui, c'est vrai. En fait, le fait de décrocher un peu fait que tu décroches un petit peu aussi d'avoir trop de choix dans un ordinateur. Ce genre de jeu dans un ordi, c'est facile, la moitié des choses sont gérées. Ils gèrent les trois quarts des trucs, ouais. Toutes les phases de maintenance et tout ça qu'on doit faire, nous, sont gérées par l'ordi. Donc oui, ça allège beaucoup. Hein. On peut juste se concentrer sur comment survivre. J'avoue que ça me donne super envie de jouer aux jeux vidéo. Par contre, ça m'a mis dedans et je me dis, putain, ouais, les choix, ils sont super. Et puis les explorations, c'est super. J'étais un peu frustrée de la partie exploration. J'aurais aimé... En fait, tout est assez laborieux, hein. La partie techno, on n'a pas vu bout de case. Putain, c'est long pour voir les aboutissements de ce qu'on fait. Moi, ça serait plutôt ça, mon gros défaut. Je trouve qu'il est très complexe, mais pourquoi pas. C'est riche, ok. Mais il est lent. Ouais, il y a une lenteur. Il est lent. Aller chercher les ressources, deux par deux. Mmh. Aller chercher, avoir six manches avant d'avoir une première technologie. Faire les explorations, tour par tour. T'es là, genre... moi, il y a un moment, mon petit cerveau qui a un petit peu envie quand même que ça... c'est le même niveau. Le niveau de complexité, oui, il est là, il est présent, mais c'est pas ça qui m'a fatiguée, en fait. Ce qui m'a fatiguée, c'est les 9 phases. Les 9 phases avec... y a une carte... Pourquoi il y a une carte nuit et une carte soir et, enfin, une carte nuit, une soir et une carte matin, par exemple. Pourquoi il n'y a pas juste une phase événement? De soir, basta, tu fais une conclu. Pourquoi il y a 1000 choses plutôt que d'avoir un tout petit peu synthétisé pour que ça ait un rythme un peu plus rapide. Là, je trouve que tout... En plus, on a jeté des cubes, quoi, 3 fois dans la tour. Tu vois, alors que c'est vraiment ce que tu as envie de faire, c'est voir le machin. J'ai pas ressenti de pression au niveau de la tour.
Par contre, j'ai bien senti le thème, j'ai bien senti qu'on allait crever. Je pense que dans deux manches, on est mort. Hein. Et ça donne envie, d'y arriver, ça donne envie de... Ouais, on en envoie à la chasse, ouais, tout. Mais je trouve que 6 heures pour un jeu comme ça, c'est trop long. 6 heures, pour moi, c'est génial dans un jeu type La Familia ou type le Trône de Fer. Parce que t'as de la baston avec les uns les autres et t'as des retournements de situation et t'as pas une sensation de lenteur, t'as une sensation que le temps passe vite. Mm. Tu vois pas le temps passer. Moi là, je voyais le temps passer quand même. Tu vois, dans Voidfall, je vois pas le temps passer. C'est chiant à mettre en place, mais je vois pas le temps passer. Les 4 heures, c'est une lettre à la poste. Que là, je voyais pas le temps passer, mais je me disais, putain, on est quand même en 4. C'est laborieux. Ah. Et pour moi, ça serait pour moi son plus gros défaut. La laboriosité du truc et une quantité d'infos qui est, je pense, pour les gens qui ont l'esprit, qui aiment ça, génial et jouissif, parce qu'il y a des esprits qui sont très forts pour retenir toutes les infos et qui se régalent d'avoir des degrés de difficulté comme ça. Moi, il y a un moment, c'est pas la difficulté des règles. Hein. Les règles sont pas compliquées. Non. C'est qu'ils ont essayé d'être tellement proches en fait du jeu vidéo, ils ont essayé de rendre au maximum toutes les phases du jeu vidéo, et donc bah, c'est ce que tu disais, il y a des choses qui sont gérées rapidement par l'ordi qui là bah, deviennent fastidieuses en fait. Bah, je suis totalement d'accord moi, avec tout ce que tu as dit sur la lenteur, sur le fait qu'en plus elle paraît artificielle. Et que c'est pénible en fait à force. Alors qu'on aimerait faire plein de trucs intéressants, on aimerait construire plein de bâtiments, qu'il se passe plein de choses, et en permanence on est ralenti en permanence dans ce qu'on essaye de mettre en place. Et au bout d'un moment, ce ralentissement, ça, moi je trouve que ça nous épuise même intellectuellement. Oui, moi j'en avais marre. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ça, on lâche, j'arrive au même. Stade où je me dis, mais en fait je m'en fous, pourquoi ils crèvent pas tous? Vraiment, enfin, la branlette intellectuelle d'arriver à résoudre le puzzle. Alors je pense que comme dit Didou, en solo et en divisant en plusieurs sessions, oui. Effectivement, pour moi c'est la seule façon de le jouer. Ça doit être la seule manière pour vraiment s'amuser et trouver ça agréable. Mais d'une seule session, d'une seule traite et à plusieurs. Ouais, moi j'ai la tête gâchée, farcie là. Farcie de ouf. Ouais. Et j'étais pas dans cet état-là après mon Voidfall ou après mon Familia. Mais parce qu'on est beaucoup plus actif. Ouais. Là, en fait, on a tellement de phases de maintenance et de phases automatiques où en fait nous on choisit rien, on ne fait que subir, que les phases où on est vraiment actif, on y arrive, on est déjà épuisé. Mais j'avais eu ce sentiment sur Nemesis. Ouais. C'est les jeux d'Adam Kwapinski. J'avais eu ce sentiment de. Ouais. Moi, je l'ai pas eu sur Nemesis. Ouah. Tu y joues seul ? Non, on y a joué à plusieurs, ouais. On y a joué à 4. Avec le côté semi-coop à Nemesis, je ne l'ai pas eu, moi, ça. Oui, peut-être qu'il y a plus d'affrontements. Mais moi, j'ai quand même l'impression d'être devant des choses qui... Que tu regardes le jeu en train de se dérouler, quoi. Ouais. Et tu es là juste pour bouger des trucs. Et... Oui, il y a un peu de ça. Et en fait, je trouve que... Tu sais, c'est ces jeux qui sont très gonflés. Ouais. Il y a plein de choses, plein de plateaux, plein de trucs. Mais au final, mon tour d'action, j'avais l'impression de... Bah, je vais chercher du bois. Ouais. Tu ne fais pas finalement grand-chose d'intéressant. Tu vois, j'ai été chercher deux fois du bois, j'ai construit un bâtiment, j'ai soigné deux personnes. Ok, maintenant, ça déroule. Et là, tu te dis... Là, je prends pas un plaisir monstre. Et c'est con, parce qu'il y a plein de choses que je trouve super. Notamment le côté un peu réaliste, le côté je dois chercher des ressources pour faire des bâtiments, pour tout. Mais il y a des trucs en trop. Moi, je peux vous dire, hein, il y a des trucs en trop. D'avoir une piste, la piste maladie avec le jeton à retourner. Ouais. Moi, pour moi, le gros truc en trop, c'est l'espoir et le mécontentement. Parce que c'est obscur pour moi, ce truc-là. Ben c'est très certainement lié à des effets de cartes. Oui, bien sûr. Des effets d'événements qui, eux aussi, vont arriver très très tard. Non, mais c'est deux des six conditions de fin. Mais il y a six conditions de fin. Oui. 6 conditions de fin. Tu mets que quand tout le monde est crevé, ouais, déjà, ça tu mettais juste, au lieu de mettre espoir et contentement, tu mettais juste espoir. Et tu ne reliais pas ça à éventuellement des pouvoirs. Tu faisais que l'espoir. Tu faisais des. Pourquoi actif? Ah, voilà. Pourquoi activer, actif et d'actif? Inactiver, ouais, je suis d'accord. C'est plein de petits trucs comme ça. Hein.
Pourquoi actif, inactif? Tu faisais juste des jetons que tu pioches et que tu rejettes quand tu les utilises. Point. Et en fait, il y a deux, trois choses pour moi qui sont quand même un peu branlées excessivement. Mais sinon, il y a plein de trucs. Thématiquement, c'est cool. Graphiquement, c'est magnifique. Le matos, c'est super. Et j'aurais aimé... J'ai vraiment, quand j'ai lu la règle, quand je l'ai installée, je me disais, putain, on va se régaler, il va se passer plein de choses. Et j'avais vraiment l'impression d'avoir 20 minutes de maintenance. Et qu'à ma phase, ouais, je vais chercher du bois, ouais, je coupe du bois, ouais, je coupe du bois. Ok, j'ai coupé du bois. Merde, quoi. Ça me... Ça, c'est bizarrement trop de choses et pas assez pour moi. Oui. Tu vois ce que je veux dire? J'ai un peu l'impression qu'il y a plein de choses. C'est ça, la partie automatique a trop de choses, génère trop de choses par rapport à ce que nous, on peut faire pendant notre tour de jeu. C'est ça. Et c'est quand même dommage, ça. Et du coup, j'ai l'impression un petit peu de pas avoir... tu vois? Ouais. J'ai trois décisions, quoi. Ouais. C'est chiant. Quitte à prendre dans la tronche, je préfère un bon petit Robinson. Ouais. Robinson, qu'est-ce qu'on prend dans la tronche aussi? Ouais, qu'est-ce qu'on prend, ouais. Non, mais tu vois, j'ai des meilleurs souvenirs d'un mais Robinson que j'ai rendu. D'ailleurs, je l'ai revendu, Robinson, parce que j'en avais marre d'en prendre plein la gueule. Ouais, c'est décourageant. Mais à l'époque, je l'aurais bien racheté pour le retenter, parce que je pense que je ne le jouerais pas pareil aujourd'hui. Mais je préfère un Pandémie, c'est rythmé, quoi. C'est rythmé. Alors, bien sûr, tu ne cherches pas du tout la même chose. Ouais. Et tu as moins de simulation. Mais, encore une fois... Je pense à un Through the Ages en termes de difficulté à côté qui me tient en haleine pendant 6 heures où j'ai l'impression d'avoir 1000 décisions. Enfin, Through the Ages, c'est fabuleux, quoi. Ah, c'est le cas, t'as 1000 décisions différentes. Voilà. C'est ça qui est fou avec ce jeu. Et là, je me dis, putain, je me tape tellement de phases de rien pour... aller chercher de bois. Ouais. Eh oui, c'est un peu ça. Et beaucoup trop d'infos. Beaucoup trop d'infos sur la table, étalées. Pareil, hein, sous The Aegis, t'as un plateau, t'as ton plateau à toi, et après tout se passe entre toi et tes réflexions. Et c'est magique. C'est magique. Sous The Aegis, mangez-en, hein, franchement. C'est ouf. D'ailleurs, on n'a jamais fait de. Merveilleux. C'est merveilleux. Faut y jouer sur BGA, faut y jouer en vrai. Enfin, jouez-y. Finalement, vous êtes passé de dirigeante à bûcheronne. C'est un peu ça. Ouais. Et tu vois, les lois, moi, j'aurais bien voulu en passer, mais... On l'a pas du tout fait. On a l'impression d'être pris à la gorge et de pas avoir du tout le temps d'aller se préoccuper de ça en plus. Fouf. Alors que ça doit... Il doit y avoir des phases, des décisions intéressantes à prendre et on aimerait pouvoir y aller. Vous avez pas déroulé le scénar non plus, il y a des surprises. Alors ça, j'en suis sûre. Ouais. Et je trouve que ça, pour dire les points positifs, je trouve que scénaristiquement, c'est pas mal. C'est-à-dire, je trouve que l'ambiance est bien, que les petites écritures sont bien. Je pense qu'effectivement, quand tu déroules le scénario, tu dois avoir des choses en plus qui arrivent, et je suis sûre que là-dessus, c'est bien. Mais on est à la phase 4. Ouais. Je sais pas combien de manches il faut. Il y avait jusqu'à la manche 11 pour avoir le deuxième événement. Putain, 2h30 pour phase 4 phases. Et il en fallait encore 7. 7 pour arriver à... Non, mais heureusement qu'on s'arrête. Hein. Mais... Waouh. Wow, plus j'y pense, en fait, plus je me dis que c'est disproportionné. Maintenant, ça plaira à des gens qui ont la place de mettre ce jeu de façon permanente, de jouer debout, en face, seul, avec une pizza, et de pas avoir la lumière dans la gueule, et de se dire, ok. Et de dire, je joue une heure et demie, je vois ce qui se passe, je déroule une ou deux manches, et puis je continue. C'est ça. Maintenant, je vraiment... Mais en coop à 4, oublie tout de suite. J'y suis pas encore... Je suis pas encore dans... J'aurais adoré, vraiment adoré que ça soit mieux. C'est parce que je trouve que le matos, le thème et certains principes sont super. J'aime beaucoup le fait de construire ces bâtiments, de jouer sur la chaleur. Je trouve ça super. Mais je crois que je vais jouer aux jeux vidéo, en fait. Ouais. Vraiment. J'avais pas... Enfin, je savais que c'était ça, mais là, ça m'a donné envie très fort de jouer aux jeux vidéo. Mais... Waouh. Alors, Dugong, qui me demande si... Moi, ça me donne envie de jouer solo à ce jeu, parce que c'est typiquement le genre de jeu que je pourrais jouer en solo, en faisant des petites sessions d'une heure, une heure et demie. C'est ce que je fais, je laisse sur ma table et je fais quelques petites sessions. Là, moi, j'ai un souci avec mes goûts personnels et avec le thème. Moi, en fait, les jeux qui sont, à l'inverse de Pénélope, les jeux qui sont un peu trop réalistes, qui me plongent dans un univers un peu trop angoissant, dans lesquels on... À l'inverse d'aller de mieux en mieux,
de gagner en puissance, en fait, on au contraire, le jeu nous enfonce au fur et à mesure. Moi, je n'y prends pas de plaisir. Donc non, j'ai aucune envie de le mettre sur ma table et d'y jouer en solo, ça va me déprimer, en fait. T'as vu ce que dit Jürgen ? Non, j'ai pas vu ce qu'il disait Jürgen. Il dit, bon, quand est-ce que vous faites un Space Corp ? Mais oui, j'ai dit, bientôt. C'est si bien, Space Corp. Bah, le prochain, on fait Mage Knight. C'est pas bien, parce que c'est pas du tout du travail pour moi, mais... Mais en fait, j'ai envie de voir... je pense... Moi, j'ai un meilleur souvenir de Mage Knight. Bien sûr. Bien sûr. Meilleur jeu du monde. Du monde. Et en fait, j'ai vu que c'était quand même un jeu de difficulté 4 au-dessus. Ah oui, Mage Knight, oui. Donc, je me dis, putain, c'est un des premiers jeux auxquels j'ai joué. Je comprends que je me sois un peu découragée à l'époque. Ouais. Parce que commencer par ça, c'était un peu hardcore. Le livret de règles, on est d'accord, c'était quand même de la chiasse. Mais en fait, il y en a 3. Ouais, non, mais il y en a 3, mais ils étaient écrits comme si ça. Et si tu suis le premier, c'est un des tout premiers jeux qui fait un tuto. Donc le tuto est très bien fait, mais il est très long. Et il faut vraiment le suivre. Alors il y a Luigi Baker qui dit, ne connaissant pas beaucoup la chaîne, vous faites parfois du non-coop. Majoritairement du compétitif, oui. Et on fait du compétitif tout le temps, c'est rare, mais c'est souvent avec Rebentis le vendredi qu'on fait du coop, c'est le vendredi coop. Ouais. Je sais pas pourquoi on fait... Mais si, mais c'est parce que toi t'aimes la mairie trash. Et oui, et parce que Marjorie veut pas jouer à des jeux coop, ouais. Donc c'est pour moi. Et toi t'aimes pas particulièrement le coop non plus. Si, j'aime bien le coop, moi. Oui, mais t'as une façon d'aborder le coop qui est particulière. Bah, j'ai une façon... anarchiste. Il faut faire du coop, faut pas me dire ce qu'il faut que je fasse, quoi. Oui, mais en fait, encore une fois, je veux pas dire aux gens ce qu'il faut qu'ils fassent, je veux qu'on discute ensemble. Et des fois, quand on discute, on a l'impression qu'on donne des ordres. On n'est pas d'accord. Voilà, c'est ça. Mais la mairie trash est souvent coop, quand même. Oui, c'est vrai. C'est très très rare, les Amériques Trashers. Non, il y en a des jeux à traîtrise et tout, on a quand même pas mal, oui. Tu vois, genre Battlestar Galactica, l'Insonda, ouais. Tout ça. T'as aussi tout. Ouais, t'as cité deux fois le même jeu, mais ok. Non, l'Insonda, ah oui, d'accord. Mais ou The Thing, ou... Si, t'as pas mal de jeux. Mais c'est vrai quand même que, pour moi, c'est principalement quand même des jeux coop pour les Amériques Trashers. Et disons que... Celui-là, je sais qu'il plaira à des gens. On m'a demandé une note dans le chat, je vais en donner une. Là, je vais essayer de faire une note objective et une note subjective. C'est-à-dire, je vais te dire une note si vous êtes la cible. Je pense que c'est un 7,5. Alors attention, si vous êtes la cible, c'est-à-dire si vous êtes vraiment ce genre de personne qui aime se faire mal, parce que c'est ça. Hein, oui, bah oui. Qui aime se dire, j'arrive à maîtriser un monstre. C'est ça. Je chevauche le tigre. Comme dirait l'autre. Oui, puis ça, c'est un côté de défi, c'est-à-dire... Ça vous plaira. Ça va vous mettre en face de quelque chose qui vous paraît ingagnable, et j'imagine que quand on aime ça et qu'on arrive à gagner, on doit avoir une forte, forte satisfaction. Voilà, le jeu n'est pas cassé, le jeu tourne bien, le jeu est cohérent, le jeu a des règles qui sont bien écrites, un matos qui est impeccable. Ça peut être une excellente note, je pense, pour ces gens-là, et voilà. Maintenant, je pense que pour des joueurs experts lambda, il y aura quand même des problèmes de... Il y en a trop. C'est trop long, c'est trop mou. Et c'est pas aussi satisfaisant en choix. Moi, c'est surtout ça. Hein. Si j'avais eu des choix cornéliens, des trucs... Mais j'avais un peu l'impression de... Bon, ouais, alors on va chercher du bois. Et on les nourrit. Tous les tours, j'avais l'impression qu'il fallait juste que j'aille chercher du bois et les nourrir, quoi. Donc oui, pour moi, c'est 6,5. Pour moi, c'est... Pour moi, ma note perso à moi, c'est 6. Ça fait mal, mais attention, ne vous énervez pas dans le chat et dans les commentaires YouTube. C'est pas une note catastrophique. Non, parce que j'ai éprouvé du plaisir au début, parce que si tu me refais faire une partie au calme avec quelqu'un qui connaît tous les points de règle et qui me guide, peut-être que je vais... Parce que je préfère rejouer à ça qu'à d'autres trucs. Mais 5, ça me paraît léger, tu vois. Il y a quand même énormément de travail là-dedans, tu vois. Mais j'ai du mal à donner 5 à un jeu où je sens... que la réflexion elle a été poussée. C'est... Ah super, t'as fait tout ça. Bon bah 3. Non mais c'est pas possible. Sauf Anne Mars. Combien t'avais donné déjà? Ouais, pas 4. Ouais, 4. Pouah. Franchement, c'est scandaleux. Bah, on va rejouer à Anne Mars. Scandaleux.
Mais 20... Ça va être les vendredis 4.0. 20 fois, on je... Va 20 fois je joue à Mars plutôt qu'à ça. Ouais. Mais non, mais oui. Non, c'est en dessous. Non, pour moi, c'est pour moi, à titre perso, à cause de ce truc, de bah en fait, j'ai pas l'impression de faire grand chose à mon tour, ça serait plutôt 5, 5,5. Mais je vois comment, je vois l'enthousiasme d'un Didou, je vois l'enthousiasme de voilà. Oui, il y a des gens pour qui ça sera une crème. T'investis à fond et que t'arrives enfin à comprendre le jeu et à le solutionner en quelque sorte. Ça mais bon, j'ai vraiment pas l'impression qu'on fait quand même que le ratio entre les temps de maintenance et les temps de. Au bout d'un moment où tu dois vraiment le, tu vois, tu dois le dérouler le jeu, les phases, tu dois les faire les unes à la suite des autres. Ouais, ça doit. Moi, je suis trop. Ça doit être les autres parties, mais pour une première partie, oui, le temps qu'on passe dans les phases elles-mêmes est vraiment énorme par rapport au temps où on joue. Il y a Jürgen qui dit. Le Mage Knight pour débuter dans le JDS, nickel. GG, elle dit, elle fait du coop, mais elle peut vous abandonner, partir de son côté, quoi. tu déroules après. Ouais, non, mais j'entends, hein, Didou, je vois bien. Mais je trouve quand même qu'il y a des défauts majeurs. Et donc, j'en ai parlé, je vais pas les redire. Et voilà. Et il casse le crâne, quoi. Moi, c'est le rythme, vraiment le rythme. Manche 4, j'ai fait 3 fois de la course, j'ai été 3 fois chassée et chercher du bois, c'est pas possible. 2 heures à... Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc effectivement, peut-être plus en solo déjà, parce que tu prends toutes tes décisions, donc tu traces, quoi. T'es là genre, bah moi je fais ça. Là, à 2, on discute plus, donc forcément, des fois, on n'est pas d'accord. Donc forcément, des fois, c'est la merde. Voilà. C'est le problème des coops, hein, quand même. Il dit, c'est vrai que c'est très, très crevant. Ouais, ça, Didou, moi, j'en suis certaine. Tu dois sortir de tes sessions lessivées. C'est pour ça qu'il faut le faire en plusieurs fois. Ouais. Bah, faut savoir qu'elle est quand même arrivée à 10h ce matin, 9h30, et on s'est mis direct dessus, sur la règle, sur l'install. Donc, il est 18h36, et on a fait 4 manches du jeu. Ouais. Alors, certes, nous avons mangé et un peu papoté, parce que nous nous entendons bien. Mais c'est... tu te dis, le ratio est pas bon, là, non plus. Allez, je vais vous faire des bisous à tous. Y a Maya qui est partie, je crois qu'elle fait la tête. Je regarde les autres, mais vous êtes revenus. Je vous aime, la prenez pas mal. Soyez pas des grosses têtes de ronchon. C'est le jeu qui l'énervait, c'est pas vous. Oui, c'est le jeu qui m'a énervé. C'est quoi le prochain jeu? Un petit jeu léger ou vous partez faire une sieste? On va redescendre un peu. On va aller chercher du bois. Mais deux morceaux. Tout est chaos à côté. Non, mais deux morceaux. C'est comme si tu partais à la... Tu pars. Va chercher du bois pour le feu, tu reviens avec deux petites branchettes. On deux va bûches. Retourner. Ah, non. Oh, putain, quel enfer. Voilà, bisous ma frangine, bisous ma double mafifique et les autres, comme hier. Et ben je vous fais des bisous à tous. C'est clair que là, obligé pastis. Pareil, moi j'ai arrêté l'alcool depuis 6 mois. Petit pastis. C'est vrai que c'est bientôt le printemps. Mais moi j'ai mal à la tête là, si je bois de l'alcool. Mais non, mais ça sent le printemps et l'été quoi. Tu parles, il pèle ici, j'en peux plus. Non, mais le mot, pastis. Tu vois. Ah ouais, pastis. Pas... Moi ça me fait ça avec saucisson. Mais saucisson ça marche pour toutes les saisons. Allez, ciao, des ciao bisous. À YouTube. Et à... Pas ce week-end. Ce week-end, pour ceux qui seront à Épinal, je suis à Épinal demain.